Vlad, nous sommes là pour euh, cette nouvelle journée de, de jeu, euh, huitième partie euh, du match, Vlad. Et, euh, et comme, euh, comme on le sait, euh, Yann Nepomniachtchi a pris un gros avantage sur son adversaire euh, lors de la ronde précédente. Salut Kev, salut la francophonie, euh, salut tout le monde. En fait, euh, aujourd'hui, la question la plus importante, c'est est-ce que alors Ding va arriver encore à égaliser Est-ce qu'il va arriver à se reprendre parce que ce qu'on a vu dans la partie précédente, je n'étais pas là, il y avait donc Kevin et Etienne qui ont analysé ça, mais ce qu'on a vu dans la partie précédente, c'est peut-être jamais vu dans l'histoire de échecs en fait. Parce que a vu, euh, a eu des flops, comme je ne sais pas, dans la dernière partie du match Lasker-Schlechter, comme euh, dans la... je ne sais pas si c'était la dernière partie, je ne pense pas, mais dans l'une des dernières parties du match Steinitz-Chigorin, oui. La a laissé une pièce en prise. Mais ce qu'on a vu hier, perdre autant euh, après avoir fait une connerie pas possible, bah, je ne sais pas. Je n'ai pas de parallèle historique. Je n'ai pas de, à, à quoi comparer ça. ça. Ça a été quelque chose de plus ou moins du jamais vu, en fait. Ouais, moi non plus, je ne me rappelle pas de, de chute comme ça. Parce qu'il y a eu des chutes, type dernière partie du match Karpov-Kasparov, mais c'est complètement différent. Non. Bon. Non, mais Là, c'était plus ou moins forcé. Cette ouais. fois-ci, c'était pas du tout forcé. On a pu juste, je sais pas, faire les coups, ce qu'on appelle finiant. Roi H7, F5, etc. On a pu juste continuer la partie, mais au lieu de cela, il a préféré de jouer H4, RGH, puis il s'est perdu. puis Donc, il a réfléchi, réfléchi, réfléchi. Et puis, donc, deux coups plus tard, il a perdu autant. Bon, incroyable la chute émotionnelle, la chute. Euh, hum. Pas que émotionnel. Bon, euh, en fait, euh, je ne vous cache pas, je suis un petit peu en déficit de mots pour, euh, pour décrire ce qui s'est passé pendant la partie dernière. Et malheureusement, ça m'a mis en mode plus ou moins pessimiste. Ouais, J'ai vu que notre ami Levon Aronian euh, sur Twitter, il disait que oui, euh, Ding était remonté plusieurs fois dans, les, dans le match. Après, oui. Après des, après des défaites difficiles, mais il a dit d'un tel truc, normalement, tu remontes pas. Euh, oui, 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 oui c'est vrai. Mais euh, par contre, euh, il y a les Blancs aujourd'hui. Bah, il faudrait qu'ils gagne aujourd'hui, quoi. Ah, Kavaliers ah, 3. Surprise, surprise. Je m'attendais à ça depuis le début du match. Euh, donc Mais ça arrivait que oh, lorsqu'il y a les Blancs pour la quatrième fois. Donc les 3 faut boquerder. Maintenant grosse question. Dame c2 cavalier f3 e3 fouge 5 Ce sont les options devant bon a3 aussi. Est-ce que g3 aussi c'est une option ou pas Bah pas vraiment. Pas ah, vraiment. Bah il a fait e3. E3 donc je suppose euh, petit rock. Je suppose euh, plutôt fou de trois qu'au cavalier g2 parce que cavalier g2 ça a l'air d'être très modeste. Plutôt fou de trois. Et puis, important, est-ce que les Noirs vont choisir alors l'ordre de coups avec D5 ou l'ordre de coups avec C5 Ce qui est tout à fait de deux univers différents. différents. On va voir, on va voir. Là, normalement, c'est Petit Rock en tout cas. Euh, déjà, je peux vous dire que euh, Ding a choisi en tant que la stratégie pour le match de surprendre son adversaire euh, avec les bancs, euh, de surprendre son adversaire sur chaque partie. Parce qu'il n'est pas connu pour jouer à Il est plutôt le joueur de Catalane, ou je ne sais pas, cavalier 3, enfin, mais pas le cavalier 3 ou troisième. Mais pas un joueur de, de, de l'Enimso. Non, il n'est pas connu pour ça. Donc, euh, par contre, il est clair qu'il est venu avec quelque chose. Euh, une nouvelle fois Une nouvelle fois. Bah, je suis très intrigué d'apprendre quoi exactement, en fait. Quoique, ça m'étonnerait s'il ne va pas jouer Fou de 3 maintenant. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a tenté Fou D3 et G4 Il a fait A3. Ah, A3. D'accord. Bon, c'est fou pour en C3, évidemment. J'ai des trucs à raconter sur ça. A3, Fou D3, BC. Maintenant, il y a deux lignes principales. Le reste, c'est un petit peu marginal. Soit C5, Fou D3, Cavalier C6, Cavalier E2, B6, E4, les deux, c'est Fou 5 Alors, Cavalier E8. Petit rock, fois 6, et le prochain coup, cavalier à 5, etc. Euh, soit, alors, il y, euh, y a une autre variante euh, très importante, c'est B6. Et il a joué D6. Oh Surprise. Rare Rare. Beaucoup plus rare euh, que ce que je viens de euh, raconter. Donc, euh, en fait. Il a joué Cavalier de Tempo Ding, donc pas oh. surpris. Oui, l'idée de. D6, c'est comme dans la partie de Murtas aux Olympiades contre euh, l'équipe de Tadjikistan. c'est Fou de 3, E5, Cavalier E2, fou euh, E2, E4, fou, Cida, fou C2, et maintenant Fou E6. Important. L'idée D5, Fou G4, et comme quoi les Noirs ont gagné des cases. Oui. Mm -hmm. Donc euh, ça, l'idée d'ailleurs, Murtas malheureusement a perdu ce parti. Cavalier E2, c'est beaucoup plus intéressant parce que au moins, comme ça, il ne va pas. Le 4 avec tempo. Oui, et en plus, comme ça a été joué à tempo, il montre comme quoi. Il est prêt. Même une ligne marginale, ouais, euh, je connais. T'inquiète, je connais. Quoi. Ouais. ouais. Euh, intéressant parce que, d'un côté, si le type joue D6 vite, que ça veut dire qu'il est plus ou moins préparé. Mm -hmm. Par contre, euh, si le comme, type joue euh, de vite, c'est qu'il est aussi préparé. Exact. Mais aussi, aussi, ce qui est important, ce que euh, Baki nous a précisé, et je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas souvent d'accord d'ailleurs avec Baki, mais cette fois-ci, euh, c'était le cas. Euh... Certes, tu vas prendre des lignes, certes, tu as des fichiers, certes, tu as fait, je sais pas, une dizaine de parties d'entraînement, mais c'est pas tout à fait ta ligne si tu viens de l'apprendre Ouais, Donc, euh, et il s'agit des finesses. Euh, je prévois alors euh, E5 parce que bah, c'est pour ça que tu fais des 6. Quand on va les G3, et euh, je prévois euh, un coup comme tour E8. Avec l'idée sur Fou D3 de faire E4 Oui. Euh, et je... Si du coup je fais Fou E2. Ah, écoute, mec, aucune idée. Okay. C'est nouveau pour moi aussi en fait. Euh, bah, juste aucune idée. Et juste une question le petit module il propose C5 <laughs> D'habitude, c'est pas ton idée quand tu fais des 6, mais ok, je joue, je suppose, soit F3, soit Call 3 Je j'ai que deux coups. cavalier bon, C'est 6, disons, ce développement. Il faut euh, et si e 4 je, je perds quelque chose, j'oublie quelque chose. Ou... Non, il fait... Il, fait pr... il fait D5, en fait. C'est pas si facile. C'est pas non, si facile non, parce que, que tu que le fais en d'autres temps Mais je suis même pas sûr que ça aille pour les noirs, en fait. C'est hyper compl... enfin, moi, je préférerais les blancs. Là. Tu me demanderais de but en blanc qui est mieux, je dirais les blancs. Et pourtant, tu n'as jamais fait dans ta ville un avec les Blancs Non, mais là, je préférais les blancs. Moi, pareil. Là. Moi, pareil. Quoique, bien sûr, euh, les choses ne sont pas évidentes. Euh, là, rien n'est clair. Ouais. Et donc, euh, euh, sinon, à part de E4, Collège euh, 3, C5, bien sûr, tu peux faire Fou 3. Ah, enfin, Collège 3, Collège 6, Fou 3. Et là, je suppose les noirs vont faire B6. Et le problème des Blancs, c'est qu'une fois qu'on a mis le fou sur deux 3 malheureusement, on veut vraiment pousser E4, on ne peut pas parce que le pion des 4 est en prise. Est-ce que tu remarques quand même que, que une nouvelle fois, Ding s'est débrouillé pour avoir cette structure de pion <laughs> Je pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Ah, tiens, il, il a C5. joué ce 5 tempo, assez vite. Asse... À tempo, mais assez vite. Assez vite pour qu'ils connaissent. Ce il est alors euh, au courant. Il est au courant, oui. Dommage. Dommage. Bon, après, c'est compliqué, hein Bien sûr. Est-ce qu'il y a des parties encore dans la base Il y a encore euh, Sûr, sûre, mais pas beaucoup. Ok. Euh, Attends, euh, je peux regarder. Je, euh... je parie qu'il va, euh, va y avoir 36 parties pour cette position. Avant Cavalier G3. Avant Cavalier G3, oui. Ok, c'est mon pari. On va voir. J'ouvre pour savoir. Tu dis 36 parties. Alors, dans la base cloud, hein, on est d'accord. Euh, attends, ça n'a pas fonctionné. Alors, attends, Hop, PGN, ça. Copier. Coller. Et après C5, Vlad, l'heure de vérité, 16. Oh. Faut. Est-ce qu'il y a du haut niveau Tiens, il y a Vaganian contre Wolf Anderson. 2008. 2008 donc ouais. dans un de tournois de vétérans, alors. Ouais. Euh... Et sinon... Euh... Et sinon, il n'y avait pas de bon joueur. Ok, déjà bah, euh, oui, on voit Maître international français à Capelle. Oui, déjà oui, c'est un bon joueur. Euh, J'ai fait deux parties contre lui, je pense. Euh, bah, sinon, les autres, euh, je ne connais pas Van nom. der Sterren Ah oui, ok, mais il y a 60... 50. Ouais, mais c'était en 95. Ah. Et ça a continué exactement comme on l'a dit. Ah, et là, tour à deux. Et eh bien voilà, Vlad. La surprise du chef rapporté. Ah, c'est bien trop profond, à ouais. mon goût. Et euh, ça veut dire que c'est juste faible. Ouais. Attends, il veut peut-être tourner deux. Oui, 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 mais ça marche jamais de tel truc. Parce que euh, t'es toujours OK pour envoyer ce pion. Genre, tu ne pas B6, tour de deux fois 6, DC, b tour de 6, et la dame bouge. T'es OK pour envoyer ce pion. D'ailleurs, c'est la ligne main. <rire> <rire> ce qui veut dire, c'est juste, euh, ouais. juste faible. Ouais. <rire> <rire> attends c'est peut-être tu penses que c'est si faible que ça ce tour à bah oui bien sûr ce, ce coup appartient pas à cette position tu veux dire que rapport t'as déconné cette fois-ci euh, tu te rappelles de la dialogue fameuse entre Boleslavski avec les blancs et Nashdorf avec les noirs euh, au tournoi de Zurich euh, 53 euh, euh, l'essentiel

I'm playing a coup, uh, I'm playing a move which is. Uh, euh, bah, enfin, je joue un coup qui est bien selon euh, la position. Ah ouais. ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Ça, ça a été un dialogue euh, fameux à l'époque. Ouais. Et là, c'est pas un coup pour la position. Toi, bah, bien sûr, j'en avant un coup plus tard, ça a été nul quand même, mm -hmm. mais bon. Ouais, mais il, bah, il a juste dit ça pour faire le malin, quoi. Euh. Je joue selon la position. Sol Cornito s'en souvient de ça. Mathieu, où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Est-ce que tu es au courant de cette position ou pas Mathieu, parce que moi non. Alors attends, on va, on va, je vais quand même vérifier. Le tour à deux est vraiment une nouveauté. Euh, ça m'étonnerait. Que ce soit une nouveauté mm -hmm. Ou que ce ne soit pas une nouveauté Que ce soit une nouveauté. Mm -hmm. Qu'il y a encore une partie dans la base Non, je pense qu'il y a qu'une seule partie pour Torado parce que le coup est mauvais, juste. Alors, il y a une partie de Akobian contre ah, param. Euh, euh, param. Param, Param, Param. D'ailleurs, euh, euh, mes amis, tant qu'on est en train d'attendre euh, qu'est-ce qui va arriver sur le chic. Mais c'est un truc sur internet. Et il y a une autre partie de Nijnik qui a perdu. Ah. J'ai un truc à partager avec vous en fait. Quand un homme perse commence avec Mag, ça veut dire à l'époque, euh, ses ancêtres ont été considérés comme les magiciens. Max est magicien, en fait. Il ne doit pas être bien, par <laughs> 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 magicien, il ne doit pas être bien. Ouais. Ouais. <laughs> mais euh, ouais, en fait, c'est des parties bizarres. Quoi. Il y a John Burke, que je connaissais pas, mais contre qui je jouais sur Internet, qui a gagné une partie avec ce tour à deux, mais je comprends rien au tour à deux, en fait. C'est bien trop profond. On regarde la partie de notre côté avec Zad, on ne va pas vous la montrer. C'est bien trop, trop, prof, euh, trop profond et c'est bien trop mal parce que normalement, euh, éloigner les cavaliers euh, de l'aile du roi aussi loin, c'est que donc, euh, ça ne peut pas être trop bien parce que le roi devient trop sensible. En fait. Euh... Attends, ouais. tour à Tourado est sur l'échiquier. Mais oui, il a joué Tourado, c'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, il a joué Tourado. C'est incroyable ça. Mais t'as pas remarqué qu'il avait joué Non, je pensais que tu parles toujours d'une partie de je-pas-qui, sais enfin... Ah non, euh... mais il a joué, tour à deux. Ouf. Mais ça a l'air d'être mauvais. Ah, mais c'est mauvais, c'est sûr. <laughs> il a joué, tour à deux. Ok, c'est esthétique. C'est esthétique, mais c'est mauvais. Ah, mais c'est pour ça, tu pensais que c'était moi qui proposais un coup de con Bah oui. Enfin, quoi, enfin quoi, comme, comme, comme d'hab, quoi. <laughs> Les le temps, le temps passent, rien change. T'es proposé une autre connerie, tu vois. Non, non, il a vraiment fait. Hyperloop euh, mes amis, pas tout à fait. Pas tout à fait. Euh, moi, perso, j'appelle pas ça tour à dos, j'appelle pas ça hyperloop. J'appelle ça la tour underground, <laughs> la tour euh, métro. Enfin, <laughs> c'est vraiment un coup de merde, Ouais. Euh... Mais il a l'air de connaître, hein? oh. Ça me plaît, ça, par contre. <laughs> E4, E4, Kevos. Que Kevos. Euh, pour le spectateur. C'est quoi le problème avec E4 Si tu fais un coup lambda, je pas fou A6. Le problème, c'est fou G5, H6 et H4. C'est ça, le problème. Parce que je veux encore mais cette tour A2, elle a servi à quoi C'est juste pour passer ton tour et pas faire foutre des trois Je ne sais pas, plutôt faire foutre Lipion FG euh, quelque part et puis tour A2, H2. Trois points de Peut-être. Dans une variante, la tour, elle arrive là-bas. Oui, voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette prépa Est-ce que tu as, euh, Est as vu. Comment ça s'appelle Est-ce que tu as vu. Comment ça s'appelle ce film euh... Alors, dernièrement, je peux te dire que moi, j'ai revu les James Bond là. Non, je parle pas de James Bond. Euh, euh, enfin, on… Euh... Ah, ok, ça, 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 ça va revenir. Ouais, j'ai regardé dernièrement les derniers… Ah, Indiana Jones, Indiana Jones euh, à, à, dans l'Amérique du Sud. Bah, les Indiana Jones dans l'Amérique du Sud, il y en a quand même plusieurs. Hein. Et tu, tu, tu te rappelles le petit chariot quand il s'est déplacé dans les j ah, oui, oui, là. Ah oui, c'est connu, ça c'est tour à dos. Ouais, si la tour va bah, arriver sur H2. H2 okay, ouais. C'est dingue, euh, dingue. Dans son chariot, quoi. Dans son chariot euh, tel Indiana Jones euh, chinois, quoi. Ça faisait comment déjà la musique de Indiana Jones ta -ta -ta, ta -ta -ta, ta -ta, Oui, quelque ta -ta -ta, chose comme ça. Ça procurait tellement. manger. Il faudrait que je les revoie, les Indiana Jones. Ouais, Parce que j'ai revu dernièrement les James Bond. Pas ah, on nous dit que c'est Temple Maudit. Ah, ok, Cambodge, enfin, euh, bah écoutez, j'oubliais déjà. Euh, La dernière fois, j'ai vu ça, il y a 30 ans. Mais ça m'a touché, donc, euh, Tourado, c'est le chariot alors de, de Ding. Ouais, donc, Fougé 5, H6, H4, ok. Et ça a l'air d'être assez sinistre, euh, en fait. Mm -hmm. Très sinistre, même. D'ailleurs, euh, parlant de James Bond, euh, t'as vu les Kingsmen 1, 2, 3 Kingsmen. Non, j'en ai entendu parler, mais je ne les ai pas vus. Ils sont bien Ah ouais, c'est très bien parce qu'ils sont comme quoi un réseau de studios britanniques à partir d'une boutique des costumes à Londres. Et les meilleurs costumes à Londres, bon, peut-être, possible, mais je ne sais pas, c'est discutable, peut-être les meilleurs costumes du monde. Euh, se passe euh, sur la rue qui s'appelle Seville Row, Seville Row et donc là donc il y a une boutique où on fait des costumes et en fait ce n'est euh, que le début de, du réseau des espions euh, global ouais. non je les ai pas j'ai vu des petites vidéos c'est des petits shorts sur ce film et je les ai pas vu tu me les recommandes euh, oui parce que c'est marrant euh, ça c'est moi grave de Ruskov euh, c'est marrant même pour moi Kingsman 4 est le meilleur film d'action que j'ai jamais vu. Écoutez, euh, je n'ai pas vu encore d'ailleurs. Euh, j'ai euh, pensé à ça hier, mais euh, finalement, je ah, trouvais d'autres points. Évidemment. Et Ops! Ops! Viens, mon petit! H6, Mauvaise éducation. Le film de Pedro Almodovar. Mais Mauvaise que... éducation. Je pense que ça va se finir par la boucherie parce que Fouche 5, d'habitude, tu ne pas. Ouais, C'est trop dangereux parce que H6, H4, et puis je viens avec cavalier H5. Eh bah ben, vas-y, défends-toi. Est-ce que t'as vu John Wick J'ai oh. trouvé que c'était très mauvais. Bah. Écoutez, j'suis j'suis, je suis Slav. Je m'appelle Vladislav, je suis Slav, oui. Euh, on parle des de mafieux comme quoi Slav, oui. OK, il est comme quoi, je sais pas, soit rusko, soit ukrainien, soit Biélorusse soit, je sais pas, serbe ou je sais pas quoi, d'accord Qu'est-ce que j'ai à dire? De telles mafias avec des chevaux comme ça, de telles mafias russes, euh, enfin euh, slaves, n'existe pas. C'est tout à fait. Euh, C'est pas, pas comme ça, quoi. Mais je sais que les gens adorent John Wick, mais moi, j'aime pas du tout. Bah, pas du tout, moi non plus, oui. Parce qu'au moins, à un moment donné, euh, j'ai besoin que, que ce soit au moins un petit peu réel. Tu peux, je sais pas, écraser 12 personnes. Enfin, ça va, quoi tu peux pas écraser quand même j'ai pas 125 ouais, euh, etc trop. ouais bon donc ça va être h4 c'est sûr h4 100% et puis euh... alors déjà il se passe quoi surprise prise, prise bah pas bien bah je vois un seul coup en fait soit je suis, soit tu euh... bah si on bouge de cavalier on va quand même montrer pour le public c'est Dame h5 Menace mat en 1, donc F6 ou F5 pour sortir le roi et G6 dame 8 et Merci à voir. Merci, au revoir. Ouais. Donc euh, là, ce serait plutôt un coup comme G6, admettons, puis on prend, dame prend. Il mmh. bah, y a un tas de coups maintenant. Euh, Peut-être, je ne sais pas, E5, cavalier E4. C'est le premier réflexe. Il n'est pas, je pense, qu'il connaît encore. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Dans ce cas-là, respect total, bien sûr, parce que c'est une ligne... Marge... Euh, dire marginal, c'est rien dire. C'est rien dire. Parce qu'il marche euh, autour de la table de la manière... Quelqu'un qui sait, quoi. Regarde, il sait, c'est sûr qu'il sait. Euh, ça... Peut-être, sa préparation, pas pour ce match parce que Ding n'est pas connu pour jouer à ça peut être sa préparation contre Carson. Parce que Carson, je pense qu'il a essayé ça peut-être une ou deux fois, quelque chose comme ça. Donc, s'il si le connaît, c'est bien ma version qu'il a préparé pour ça, pour son match précédent. Mais d'habitude, tu ne laisses pas sans 5-6-4, parce que c'est une gueule hyper dangereuse. Parce que, figure-toi, après HG-HG... Quoique après G6, tu t'es forcé de prendre parce que Cavalier H7, c'est une menace déjà. Et là, alors, euh, soit E5, soit tour d 2, moi je ne veux pas faire tour d 2. Dame G4 Dame G4, mais le problème, c'est que je ne vois pas trop de menaces. Je veux peut-être E5, Cavalier E4. Ah, il y a Cavalier okay, H5. Ok, je suis aveugle, oui. Cavalier oui, H5. Cavalier euh, H5, et si Dame H8, Dame g 5 mm -hmm. C'est peut-être ça l'idée. Le genre CD, CD, par exemple. Cavalier non, H5. CD, peux pas caler de non, mais H5. si jamais Cavalier 5 Et Dame H8 euh, doit perdre à cause de Dame G5. Je ne sais pas si ça perd juste. Donc, euh, Dame E5 alors. Et puis, euh, c'est chaud. Soit F4, soit CD. Euh, quelque chose dans ce genre. De toute manière, déjà, on peut féliciter les spectateurs que... De nouveau, encore une fois, on a une partie intéressante. Et ça promet, il est vrai, il est vrai ça promet d'être le match pour le titre peut-être le plus intéressant de l'histoire. Elle est bizarre, cette partie, elle est intéressante. Vlad, le H4 est fou, quoi. Ça sert à quoi, tour à deux en fait, moi, ma supposition, c'est que sur E4, si tu fais fou des 3, B6, ouais. tu peux pas jouer E4 à cause de pion prend, pion prend, cavalier prend alors tu joues alors, E4 alors, avant un fou de 3 ouais. alors tu dois, <coughs> tu dois temporiser, si tu joues E4 direct le problème c'est qu'il y a D5 bon, c'est ordi mais c'est comme ça mm -hmm. donc tu fais tour à deux pour passer ton tour et tu prépares peut-être E4 parce que c'est quand même un coup qui peut être utile donc l'autre doit continuer par un coup utile il fait B6 c'est normal d'accord mais dis-moi, si maintenant, maintenant E4, E4 euh, si maintenant D5 c'est quoi le problème exactement ED, ED, E5, E5, E5 et les E4, pour 2 Oh putain, c'est fin ça. C'est bien, ouais, trop, c est c est bien, bien ouais, trop fin à mon goût. C'était ouais. sûr que c'était un truc comme ça. Je ne suis pas assez fin, je ne suis pas assez sophistiqué, euh, non. C'était sûr que c'était un truc comme ça. Ouf. Donc c'est l'idée de tour A2. Oh, alors, rapporte rapporte rapport. C'est pas vraiment rapport, ça a, été un joué rapport. Avant. ça a été joué oui, avant. Oui, mais ça a été joué par des joueurs euh, de petit calibre, tu vois Marrant que ça a été joué sur Internet quand même. Bizarre d'envoyer ça sur Internet pour une partie. C'est Incroyable. Écoutez, euh, euh, je suis arrivé ici et pendant cinq jours mon ordi n'a pas marché parce que j'ai oublié le chargeur chez moi. Donc, euh, on a fait euh, toute une histoire pour euh, que je retrouve avant euh, enfin, pour, pour acheter euh, mon un chargeur pour mon ordi. Et donc, euh, je travaillais pendant une semaine. Et tu sais, donc préparé les, en gros, j'ai préparé les fichiers pour mes élèves et chaque jour. Tous les jours, je tombais sur les parties de Max Adlou. Et, et de nouveau, même aujourd'hui, je tombe toujours sur les parties de Max Adlou. Tu ne dois pas être bien. C'est magique. C'est magique. Il est partout. Euh, N'importe quelle ligne intéressante, il est là. On va voir ce qu'il va jouer, euh, Yann. Mais vous, vous êtes devenu fan de Max Adlou pendant Vichkenzé. Pour quelle raison Parce que, non, euh, pas non, ça n'a aucun rapport avec Ah, bien avant. Ah mais en fait ça a juste un rapport avec un seul truc. Je sais pas, bah, je vais pas mettre la position en entier. Mais en gros, Baki a entamé une partie contre lui. Mmh. Et à un moment donné, il s'est passé un truc comme ça. Baki a fait un D5. Ouais. Et là, Param a pas joué à 6. Il a mis clic, il a fait à 5. <laughs> et il a proposé nul à Baki. Et Baki <laughs> a dit, oui, il a <laughs> proposé nul après avoir ouais, joué ouais. à 5. Et Baki a dit oui, il doit pas être bien, Param. Et bon. du coup, on est fan de lui. Euh, Compréhensible. <laughs> il devait pas être bien quand même. Compréhensible. <laughs> Oula. Oh ah, il n'était pas bien, ouais. Mais bon, il est venu au Nouvel An chez moi, Il y a... en 2021. Il n'y a pas celui-là, celui, celui d'avant. Il est venu ici, pour le Nouvel An. Il a commenté avec toi ou pas... Non, non, juste il est venu en surprise, ouais. Mmh. Ah, il était... Il n'a pas été bien quand Baki lui a dit les euh, lots de Ludwig. Parce qu'on avait les bouquins d'exercice, donc ok, mm -hmm. et machin, il monte les exercices à Ludwig et Param, euh, il demande, But What's his rating <rire> <rire> Et là, ok, il est sérieux. Et là, Baki lui dit 1500. Et Param, <laughs> c'était trop pour Param. Ah, il n'était pas bien, 1500, il n'était pas bien. Mais ouais, il est fort, euh, il est fort. Euh, par am Écoutez, parfois, en fait, euh, c'est assez comique. Euh, alors, Nepo, depuis trois ans, il a appris le euh, répertoire avec Valéry 6, E6, au lieu de sa de Eternel, oui Exactement, oui. Et, ok, je suis sûr qu'il va bien réagir maintenant, parce que c'est un très fort joueur, oui. Mm -hmm. Mais j'ai complètement, complètement l'impression que Fouge 5, H6, H4... C'est nouveau pour le mec Ouais ça a l'air d'être sorti Jusqu'à Ah Tian Ça existe mais ça existe Mais Ça existe depuis un siècle Non mais c'est Tu sais comment ils appellent ça En anglais J'oublie toujours le nom exact Mais euh, le L'hameçon de la canne à pêche Ou un truc comme ça Parce que tu sais La canne à pêche C'est un petit L'hameçon là Il est uh -huh. comme ça Ça fait comme un petit V uh -huh. Et en fait Hop ça fait comme un petit Hameçon quoi Oh qui... Ah Ah bête Bête the, the hook ouais D'ailleurs Euh Fisher -Paul, ouais, Fisher -Paul, je ne sais ça pas si ça. vous vous souvenez d'un euh, grammatère légendaire soviétique qui s'appelait Gouffield. Ah, ouais, incroyable, il a joué des parties à Oui, et lui, il a, si tu veux, comparé le système de Zemich à Nimzovich. Mm -hmm. Donc, celle avec A3 Fos 3 BC. Et puis après, les Blancs euh, visent à construire le centre avec F3 ou 4, collège G3 ou 4. Avec le système Nimzovich à, à l'Estendien, peut-être tu peux le montrer, je ne sais pas. Attends, on va attendre le, le coup, Vlad, juste une petite seconde. Le coup, c'est à ouais. et j'ai 6. Ils disent que d'après Caruana, ça a été inventé par Grichuk, tour 2 Mais je sais pas si c'est vrai. Hein. Oh là. Et moi, je ne pas au courant. Toi, comment, co pas au courant. Comment, comment ça Peut-être qu'il t'a jamais dit. <rire> <rire> oh là là. Et moi, je ne suis pas au courant, Ok, euh... mais attends, j'ai compris en fait l'idée. C'est pas GF, je vois que c'est pas la première ligne de l'ordi, mais c'est F4 en fait. Et oh. tu vas bien vouloir décaler oh. G4 et Tour H2. Underground ouais, la G4. tour. Ouais, c'est sûr que c'est F4 le coup ici. Par contre, c'est du boulot quand même, parce qu'il faut d'abord déplacer le cheval et puis ouais, mais tu euh, peux le peux pion tout, encore. Tu peux peut tout déplacer avec tempo. Parce que tu peux peut-être juste donner et bam bam bam. quoi. Ok. Je ne pas j'ai vu cette idée, mais dans l'autre euh, sous-variant. On peut montrer ou pas Oui. A3, F3, B7. B6. Bon coup, d'ailleurs. F2, 3. Fou B7. Cavalier E2. Fou G2. Tour G1. Maintenant, il faut jouer F3. f E4. Fout. Ah, Fou E4, faute. Euh, Fout, oui. Fout. Cavalier G3. Fou de trois, dame de 3. Et après, tour A2. Ah ouais, ça j'ai déjà vu. Et F4, F4 et, et tour AG2, ouais. c'est Eljanov ouais. contre ouais. Chuchilov. Donc, euh, un très très bon maître ukrainien contre un très grand analyste ex-russe, maintenant belge. Il doit avoir le SEM. <rire> 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 il doit être content, les Belges, en chat. Ils disent GF première ligne. Ouais, mais F4, ça paraît tellement intéressant comme coup. Pas que GF, Dame 6 c'est juste que je vois pas comment attaquer le père le là. Bah après, il y avait le Dame G4 pour Cavalier H5. Ah ouais, mais c'est deux Cavalier H5, Dame 5. Enfin. Ah, de toute manière, ça, ça promet d'être une partie très intéressante. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura un résultat. Soit Ding est de nouveau en vie. Soit le match est terminé. Euh, désolé pour un petit spoil. Mais là il doit encore connaître, ding. C'est pas possible qu'il connaisse plus. C'est juste qu'il vérifie, non Ah, le problème, euh, le problème de, de ding. Prendre. Le problème de ding, c'est que... Il est bien trop stressé. Les noirs, non? si tu t'appelles le les Ils noirs d'habitude rentrent jamais dans tes trucs parce que c'est une gueule dangereuse. Et donc tu analyses pas ça trop quoi. Après le 4 tu analyses automatiquement Kavaliu 8. Parce que c'est le grand classique Mais qu'est-ce que tu peux faire contre un mec qui connaît pas les grands classiques Dommage. le F4, ça paraît vraiment intéressant, je trouve. Je parie qu'on va voir F4 70% contre 30% GF. Mais il connaît pas. Il joue là. Ça se voit. Je vais me demander si j'entame un coup comme dame f3. Cavalier H7. Ça le problème. Oh. T'es brillant toi. Non, Ça marche sûrement pas. Hein. Oui, malheureusement, cavalier G5. Donc t'es obligé de jouer dame G3 dame F4. Et puis. Euh... Ah oui, il y a EF, Damage 4 comme f 3. Damage 6 Ou comme enlève 3. Mais Damage 6, ça ferme. Ah ouais, ou Damage 2 comme f 6. Ding nouveau Non, écoutez, Ding n'est pas pleutre. C'est juste qu'il est trop stressé. Il s'est barré là. Mais il n'est pas pleutre. Mais il s'est barré pisser en fait sur son temps. Moi je suis pleutre. Mais Ding, non. Il s'est barré pisser sur son temps Oula. C'est beaucoup trop de faire ça en fait d'ailleurs ça m'a donné l'idée d'aller pisser toi aussi euh, de faire les mêmes choses ouais. vas-y c'est étonnant ça c'est rare ah non il est peut-être allé chercher une bouteille d'eau il est peut-être allé chercher une bouteille d'eau mais ouais ça veut dire qu'il connaît plus C'était l'inverse, ouais. Euh, et donc sur GF, Dame prend F6. Dame G4, ce qu'on regarde avec Vlad, menace peut-être Cavalier H5, CD. Cavalier H5, Dame E5. Et moi, en fait, je réfléchissais à cette variante tout à l'heure lorsqu'on parlait. Euh, Dame prend et disons Fou E2. Dame B1, Fou D1. Ça me cap tour 2. Mais bon, ouais. Pas sûr qu'on réussisse à mater. Ah, tiens. J'étais sûr que euh, je fait ça plus rapidement que Ding. Et en fait, non. En fait, il est juste allé chercher de l'eau. Ah, euh, C'est un petit peu le contraire ouais, de euh... ouais, ouais, <laughs> est ce qu'ils ont dit dans le chat. Ouais. <laughs>

Dame G4, d'accord. Et les noirs, je ne sais pas. Défendre. Euh, 7 euh, 3 8. Ou dame E7 avec l'idée de pousser F. Et peut DE te... oh. e et cavalier E4. Je vais jouer DE, DE. Hmm, Peut-être même. Quoi qu'il y a, cavalier E4 aussi. Oui, dame sur H ouais, ça fait peur ce genre de truc surtout qu'on peut peut-être améliorer avec les blancs oui au lieu de GF au lieu de FE peut-être GF au plus fort ici cavalier H7 F4 cavalier euh, H7 F4 Ouais, ça, ça clique pas les coups. Enfin, cavalier G7 F4. Et maintenant, donc. Non, euh... ah, mais dame G4, ça a l'air vraiment logique. Et si roi G7 alors Ça doit être plus fort que dame G7, je suppose. Et alors, du propos, c'était tour F2. Ou D5. D5 avec quel idée Supposons que je joue Cavalier 5, je sais pas. Oh La violence reprend les droits. Je montre la ligne. Hein. FG, Dame G6, Roi F8. Ah, il y a Dame 6 échec. Il y a Dame 6 échec. Et si Roi E8, il y a Dame G7, je suppose. Ou je, je me trompe. Possible, ouais. Oh, la violence reprend les ah, ouais, le droit c'est beau mais s'il connaît pas il va pas y arriver là avec les blancs c'est une prépa où il faut avoir un peu plus quand même Bah écoutez le match est en train d'être le match est en train d'être maintenant ouais. d'ailleurs euh, selon vous, la... vous selon vous mes amis euh, quel a été le match le meilleur euh, dans l'histoire avant celui-là Quel a été le meilleur match pour la Couronne Le plus médiatique ou le meilleur Tout. Moi, je dirais hein, peut-être le retour de le Karkov Kasparov, le deuxième. Pas le premier qui s'est pas terminé, mais le premier qui s'est terminé. Pour moi, c'est sûr que c'est le deuxième match euh, Karpov-Kasparov. Ouais, le, bah, le même que moi, ouais. Je sais pas, peut-être pour les autres, c'est pas pareil. Après, que... je mettrais Karpov-Korchnoi. Hyper médiatique. Ouais, mais très beau aussi dans le jeu. Spassky fait cher et les gens disent euh, Carlsen n'est pas le dernier. <laughs> Vous êtes sérieux Vous êtes sérieux non, mais Fischer... Fischer Spassky, je l'aurais mis que médiatiquement, mais pas dans le jeu. Mais t'as regardé les parties Oui. Mais il y a trop de. Tu trouves que c'est médiocre Mais non, c'est pas médiocre, c'est très fort évidemment. Mais ok, le fou pour H2 au premier, le forfait, le machin, je sais pas, pour moi il y a trop de n'importe quoi en fait. Bah moi, moi je trouve que c'est incroyable. Un type il se bat contre euh, tout un empire soviétique et euh, il perd la première partie avec Fou H2, il apparaît pas pour la deuxième partie et il gagne le match quand même. C'est quelque chose quand même, c'est une histoire, euh, je sais pas, mythique, euh, une histoire euh, de la mythologie grecque, quoi, tu vois. Ah, mais pour moi, quoi, trop. Un Hercule, quoi. Je ne sais pas qui se bat contre l'idiot, contre les titans, tu vois. Ah, mais moi je trouve que c'est trop, justement. Hmm. Ok, maintenant, les amis, il est complètement sûr qu'on va voir sur l'échiquier de Dame 4 ouais. 100%. Et puis maintenant, donc, euh, CD cavalier H5, dame E5 a été proposé par l'ordinateur. Euh, on ne veut pas trop suivre ce que dit l'ordinateur. En Faites l'ordi d'un nul forcé. Comment J'ai regardé. Bah, il fait un truc. En fait, il fait dame G4. Ouais. CD cavalier H5, dame E5 F4, dame fou E2, ici fou E2, fou E2. Alors attention, la dame F5 direct, dame H4, il dit que c'est dangereux. G, GH fou prend. Bon. Oui. Je veux bien le croire. Oh oui. Et ah, Roi H7, 7 Dame G3, Roi F6, F6, F6 Dame H4, c'est ça Et il te dit, du coup, Fou E2, bah, si tu veux jouer le gain, faut il faut que tu fasses dame, dame B1, Fou D1. Bon, tu ne veux pas prendre la Tour A2, je veux bien le croire. Quand 6 Roi 7 Tour 7 Roi F6, Dame 5 Donc, il revient en E4 sur échec, mais tu ne peux pas faire Tour E2, parce qu'il y aura Dame F5. Uh -huh. Et que maintenant, sur Dame H4, il y a Dame H5, parce que le Fou protège plus. Uh -huh. Donc, en gros, il te fait Fou E2. Et eh bien, eh ben, il, te, il te refait euh, dame B1 et il te refait ça. Et te oh, fait... oh En gros, il te fait ça alors. Enfin, le petit te fait ça. Espérons que ça ne va pas être le cas alors. Alors, euh, les, les, les adversaires ont euh, même temps sur la pendule en fait. Chacun a une heure et quarante et Mais ça minute. se peut que Nepo, il connaissent juste ce truc-là. Hein. Non, non, non c'est pas possible. C est, c est pas, si c'est le cas, c'est incroyable. Mais tout à l'heure, je peux vous dire, en fait. Parce que je peux contacter l'un des secondaires de Nepo. Pour savoir s'il si savait, ouais, mais il te répondra peut-être pas. Si, si. Une fois joué sur l'échiquier, c'est plus un secret, en fait. Avant, bien sûr, c'est un secret d'État, mais une fois joué un sérieux le ce n'est plus un secret. Attends, je me pose une question. Ici, je fais E5. Oui. Puis on prend D5. Mmh, ok, tu comptes sur tour cavalier à 5 bien sûr. Tu as G4. préparé quelque chose. Ah, J'ai préparé Dame G4. Donc, comme tu comptes sur cavalier à 5 je ne fais pas cavalier à 5 Dans ce cas-là, je fais tour A2, ou tour F2, je sais pas. Et là j'avais compté sur Dame G4. Mais ça marche pas. Putain, Dame F4 maintenant. Dame H3. Roi G7, Dame H7, Roi F6. Oh. Tu vois, j'avais compté sur un truc malin. Ok. Euh, tu veux cavalier H5, absolument, oui. Ok, si je fais un mec naïf, si je bouffe sur des 5 Disons, je ne vois pas Dame 4 hein. Je prends une fois. Euh, je suppose, je bouffe sur F1. Quoi d'autre Je bouffe, tu bouffes. Ouais. Comment tu veux me punir Ah oui, j'ai prévu Dame 5 en fait. Mais, non, 5, sûr que je ne vois pas. Ah, il y a pas. la tour. Ah Pardon, pardon. Il y, y a la Dame des 6 Ouais. Et une fois que j'ai joué tour de 5, je ne peux plus jouer Dame 5 Un secondando secondaire de Népon, bah, moi, je ne connais pas. Mais c'est sûr que Podkin est là, en fait, dit... c'est l'un des meilleurs analystes du monde, Tomaszewski est là, puis comment ça s'appelle, Kairouline est là, en fait, parce que dit... c'est un pot d'enfance. Dit... En fait, ils disent dans le chat qu'il y a deux comptes sur l'HS qui ont entamé 70 parties ensemble, mm -hmm. dont une partie sur le H3 mm -hmm. et une partie sur cette variante. Oh, oh belle recherche, belle recherche. Donc, il est possible qu'en fait, ces, ces idiots et leak leur prépa. <laughs> C'est ce que ce sont des vrais idiots. Ouais. <laughs> ah, ouais, ils sont hyper cons en fait. Ok. Ouais, en fait, ils sont hyper con. C'est pas possible, en fait. Ils ont li toutes leur prépa, ces abrutis. Excellent. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, putain. Ah ouais, ils sont vraiment. Euh, Je peux vous vous apprendre une petite anecdote. Ah mais en fait, ils ont ils ont entamé des parties avec deux comptes, l'un contre. Mais c'est incroyable d'être aussi bête, en fait. Je peux raconter une petite anecdote. Okay. Attends deux secondes j'ai un truc. Ils en ont fait une vidéo sur YouTube pour en faire pour faire des vues. Il y a même une vidéo YouTube. Non mais ils sont débiles. Mais il y a un lien de la vidéo YouTube Après c'est une prépa one shot. Bah ouais mais bon si tes adversaires ils ont toutes tes prépa one shot ils vont juste les regarder les unes après les autres. Ah non il y a un troll il y a pas de vidéo. Non mais ils sont bêtes en fait s'ils ont fait ça. Parce que c'est peut-être comme ça que Nepo a pu savoir. Parce que dans les échecs, tu peux savoir ces trucs-là après. Pas mal. Mais c'est incroyable, non oh Ouais, tout à fait. Mais pourquoi ils ont fait ça Bah, la réponse, c'est une seule, c'est que ce sont débiles. Mais pourquoi ils entament des parties d'entraînement sur l'Itchess e c'est quoi l'intérêt en fait oh. Ok, une petite histoire. Mais ok, c'est pas sûr hein, comme truc. Ah ouais, uh, une petite histoire. Euh, attends, attends, deux secondes, je regarde un truc. Ok, mais la partie est nulle. Okay. Mais non, mais je voulais voir les autres games. Ouais. Bah, après, c'est dur de dire, hein, mais s'ils ont fait ça, ils sont vraiment cons. Attends, je regarde, je, je cherche un truc. Euh... Ouais, ils ont joué toujours contre le même adversaire, en fait. Attends, on va voir si ça ressemble à prépa pour championnat du monde. Non, ça ressemble. Ça, il aurait préparé quelle couleur Aucune, non J'y crois pas trop à cette théorie en fait du coup. Parce que ça c'est... Ils ont pu préparer ça avec les noirs Non, puisqu'ils n'ont pas joué cavalier fini, avec les blancs Non, non, non. C'est une connerie. Ouais, donc c'est une connerie, ouais, c'est une théorie de merde. Ok. En gros. Bravo le chat, ça raconte n'importe quoi. Ouais. Azmay parashvili faisait partie de l'équipe d'Ogari. À un moment donné, il se fait virer.

Même, euh, même quand il était sur la plage, il prenait le... Comment s'appelle euh, Le petit truc là... Comment ça s'appelle euh, euh, Où tu enregistres l'information, comment s'appelle L'icotaphane. Non, euh... Une bouteille. Euh, non, petit truc, comment s'appelle euh, Que tu... Feras... USB. Oui. Il a, il, euh, il, a, il a même pas laissé ça dans ses fringues sur la plage... Il prenait ça même dans le, euh, quand il se nageait. Tellement il avait peur que quelqu'un va voler ça. Ouais. Même quand il nageait. Ouais. Mais il, il faisait comment pour euh, nager avec? Bah je sais pas. Bah, ce que j'ai entendu parler. Pas juste ouais. il nageait pas en fait. Non, si il nageait mais avec euh, la comment s'appelle le, le le truc hein, entre les mains. Ouais. Et, euh, puis euh, plus tard donc euh, cette euh, base de données a été vendu d'abord à Nakamura, puis à Carlsen, puis à plusieurs autres, et puis ça a perdu l'importance parce que selon les ordinateurs modernes, les fichiers de Gary n'ont pas trop de. n'ont pas, n'ont pas trop de. Importance. Euh, je pense que le prix, ça a été quelque chose comme 5000 pour le truc. 5000 Ouais, quelque chose comme ça. Eh bien, parce que c'était nul. C'était en fait. nul, nul, en fait. C'était nul, ouais. C'était nul, en fait. C'est trop en fait. 5000, ouais, ça donne pas envie d'acheter en fait. Je peux vous donner l'exemple où, par exemple, il n'a il il a pas compris avant les ordinateurs modernes. Je peux, comp... je peux donner l'exemple. Mm -hmm. euh, dès le début. Le 4RC5. Parce qu'en euh, en fait, j'ai vu le fichier. Le 4 5 allez, 3, tu l'as acheté <laughs> En fait, c'était <laughs> toi le premier, mec <laughs> T'as dépensé 3 euh, ouais. pour ce truc. Quoi euh, D6, D4, CD, comme D4, comme F6, comme 3 à 6, f 2 6. C'est vraiment que tu baisses ton froc et tu la sors. Toi. La ouais, je le porte toujours avec moi, ouais. y, y compris dans le verre. Euh, donc, faut 2 6, euh, petit rock, euh, f 7, F4, petit rock, euh, bah, j'ai pas à 4, hein. dame C7, euh, roi champ. C6, Fou 3, Tour 8, comme à l'époque. Ouais. Euh, euh, fou F3, Tour B8, Dame de 2, Fou de 7, cavaler B3, B6, G4, Fou 8 euh, G5, Cavalier de 7, Fou 2 euh, Fou 7 euh, Tour A 1, je suppose, Fou F8, euh, et puis. Qu'est-ce euh, qu'il a ici? Je pense Dame F2. 6. Et si je me trompe pas, il a choisi le plan avec Foucault 1, tour de 3, tour H3. Et, et ce n'est pas trop clair. C'est comme ça qu'il a perdu les 24e partie du deuxième match, C'est les légendaire. Mais en fait, ici, ce qui est marrant, c'est que, selon leur dit, H4, H5 dans la gueule, c'est plus que plus. Le roi adverse. Euh, le roi adverse, et puis après, tu Et il a pas su. Il a pas su, oui. C'est trop... Et ça, c'était dans le truc. D'ailleurs, à... je vous ai confié un truc à centimes, en fait. Parce que peu de monde est au courant. Mais, euh... et ça, c'était dans son truc à 5 000 balles. Bah, il y avait même pas H4. Faut se hâter de trois à <laughs> ma couille. H4, vas-y, yo. Oh, ouais, ouais. 5 000 balles pour 5. <rire> <rire> ok, peut-être au début, c'était pas 5 000. Peut-être au début, c'était 50 000. Mais... Puis ouais, après, ouais. c'est devenu 5 000. Et maintenant, c'est à 15 euros sur Wish. <laughs> Prépa du championnat du monde sur wish.com. <laughs> les meilleures analyses par Gary Kasparov. Euh, euh, 15 000, mais aussi euh, petite réduction. Donc, euh, exclusivement pendant les packs, euh, 5 balles. <laughs> Et avec écrit dessus. Si les fichiers ne vous intéressent pas, vous pouvez formater et utiliser la clé USB normale. <laughs> c'est des queues de clé, en fait. Avec des fichiers. Non, c'est un reste du temps, prépa. <laughs> oui, oui vas-y, efface-le de toute manière. Tu, tu payes la clé, la prépa est offerte. <laughs> Liquidation totale <laughs> du stock. Ce <ouais. rire> serait beau que tu aies des photos de vacances de Gary, quoi. Gary en <laughs> maillot de bain. <rire> <rire> Gary en maillot de bain et partout les les les, 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 les trucs, quoi. Oui, ici, euh, <laughs> sur la ceinture, oui. <laughs> Gary torse nu. <rire> <rire> D'ailleurs, c'est ma photo préférée de Gary. Quand il avait genre, je sais pas, 19 ans ou 20 ans. Et sa mère lui donne le euh, towel. Euh, euh, une serviette. Une serviette. Et il est en train de donc, euh, se sécher avec euh, les serviettes. Et il y, 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 y a les poils sur son dos. Ce n'est pas les poils n'importe quoi, c'est les, ouais, ouais. les, les poils, mais ah, comme ça. Les poils, mais comme ça. Ouais, euh... Il est très, très velu. Il est très, très velu. <laughs> Ah oui un mec vul quoi. Elle est très très velue. <laughs> C'est une patate que j'adore depuis ouais, mon ouais, enfance. Je, je, en plus je la connais celle là parce qu'elle est marquante. Oh ouais ouais, ouais, ouais elle, est, elle te marque euh, à vie, ouais. À vie ouais. ouais. Il est très très velue ouais. <laughs> <Volver> Wolverine <laughs> Kasparov. Ouais. The Wolf l'ours de Bakou. <rire> <rire> Mais c'est beau parce que Ding, sa prépa, elle est vraiment pourrie. Ah, tiens. Ah, ouais, ça... Il se chauffe. Ok, il a bien joué, là. Alors. Il a des mauvaises langues. Essayons de comprendre, Kevin. Bah, C'était un des coups qu'on avait. Je... Euh, ouais. On en avait parlé, DE, cavalier E4. Ouais. Maintenant, alors, je suppose Dame F5, Dame F4 ou Dame G7. Si Dame F4. Dame F4, c'est le premier coup que je regarde. Éventuellement, f 3 avec les dés G3, G3 et, et, 3 et Underground. Et 3. Ok. Ouais. Et sur Dame 3, j'aurai toujours Tour 2 et le pion de C3 est défendu. Ouais. ouais, ça on est ouais, d'accord. Si Donc ouais. Dame, on va regarder. Enfin, une idée après, c'est jouable peut-être. Mais Dame F5. Bah pareil. Peut-être G4. Dans non, ouais, même, G4, même chose. Ouais. Et, et j'underground Underground le tour. Alors tu joues euh, Modeste, tu joues Dame G7. Là, il faut que je travaille, là. Peut-être d'un F3, je menace de gagner. Mat en 1, quand même. Enfin, mat. OK, je me défends, je suppose. F... F6, F5, collier 5 Je ne peux pas, pas faire piéger 5 quand même, pour frapper ici. Oui, mais j'ai d'un si C6. Je, le fais, je, je... Le fais comme, comme ça, d'ailleurs. Ouh là La violence pas, reprend le les droits fait. Oula. là Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça. L'ordi je... me réfute, il fait ça. Ça, ça, ça. Et euh, si au lieu de D7, tu fais Dame C6, euh, il joue juste. Euh, je ne sais pas. Fou Dame B7, euh, Dame E6. Euh, et... Roi G7, il dit les noirs. Ah oui, et puis Dame, Dame Ban, 1, euh, oui. de... <coughs> Ok, mais ça, c'est dur. <coughs> euh, alors, au lieu de cavalier G5, cavalier C5, peut-être tu as un autre couleur. Là, j'ai aussi cavalier F6, mais il y a Dame Prime. Ah, mais j'ai F2 protégé. Mais t'as cavalier D6 par contre. J'ai cavalier D6. <coughs> non, mais en fait, je suis hyper bien. Je suis quasi gagnant là, je pense. Euh, là, maintenant, comme d'habitude, je reviens à ce que Mortas dit. Euh, L'une des choses qu'il répète toujours, l'un de ses sophismes, c'est que. Ce qui est cool dans l'attaque, c'est la... une fois tu attaques, tu peux, tu peux euh, foutre une faute, oui. Mm -hmm. Et tu continues toujours d'attaquer. Mm -hmm. Par contre, quand, quand quelqu'un quelqu ouais. se défend, ouais, il... une faute et c'est fini parce que c'est mat. On est d'accord que Murta aurait mieux <coughs> joué que toi avec les blancs, ce genre de position bah, C'est plutôt son style, ouais. C'est plutôt ouais. son style, pas que le mien. Ouais. Murtas, il aurait vraiment ouais. été fort, là Oui, parce que c'est un putain de bourrin, quoi. Ouais. Y'a a plus rien à comprendre Murta c'est fort. Si tu veux Louis c'est plutôt un bulle, et ouais. moi je suis plutôt un euh... matador. Matador ouais. Ouais. Je, je, pi je, ton, je, ouais. je, je, je pique les bulles, quoi. Et <laughs> ah. Murta c'est si fonce dessus ouais. <rire> 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 qui est mieux ben personne hein, là est mieux là c'est compliqué. Bah écoutez qui est mieux bah L'action est commencé, on ne peut rien dire encore, mais, mais par contre, ce qu'il faut. C'est qu'il faut. Noter. noter que le prix de chaque faute, coup ouais. maintenant est ouais, incroyable. Ouais. et Incroyable parce que les sorts sont jetés, ou comment dire Les sorts sont jetés, euh, et le conflit est grave. Tu penses que le Rubicon a été passé le Rubicon est passé, en gros, uh, uh, Ding est parti au cash, je ne sais pas comment dire. Et, et donc, uh, Chaco a l'importance uh, fantastique, en fait. Enfin, non, mais tu sais ce, que, ce, ce qui serait marrant dans ce match, c'est si Ding, l'Irène, était Jules César, il reviendrait de la Gaule, mais en ayant bien perdu déjà. <laughs> la colonie romaine, quoi. <laughs> la Gaule est déjà indépendante. Donc, euh, le rome avait peur de Jules César parce qu'il a gagné. Maintenant, le monde a peur de Ding parce qu'il l'a perdu. Le ouais, ouais. ouais. <laughs> <laughs> mec a perdu, donc parti en couille. Ouais. <laughs> il aurait tout perdu. <laughs> <laughs> Vers saint il marche dessus. Tout le monde, il aurait marché dessus, en fait. D'ailleurs, je dois te dire que... Euh, la partie de avant hier que vers la fin, je n'ai pas commenté, c'est vous qui avez commenté, je vous ai suivi dans la ville. En fait, ça m'a rappelé en fait de la série télévisée Miami Vice. Je n'ai pas vu. Ça m'a rappelé de, de cette série-là. Parce que quand on euh, arrête un criminel dans cette série-là, je peux me permettre des gros mots ou pas non, moi, enfin un peu, mais ça j'ai peur desquels. Euh... Okay, je, euh, je euh, euh, ok, je veux dire doucement. Ok, je ne veux pas dire littéralement. D'habitude, on arrête un criminel dans cette série-là et on lui dit, bah, j'ai le dois, connard. Ouais. Euh, et donc, euh, dans bon, les parties ça, ça précédentes, va. Ding, il se gelait juste. Euh, il a freeze, quoi. Il a freeze pour... être incapable de faire un coup. Ok, dans les séries, c'est un petit peu avec d'autres mmh. mots. Mais bon, vous avez compris. Ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat, c'est lui, c'est le Rubicon qui lui est passé dessus. <laughs> <laughs> <rire> <rire> <laughs> ah <Quand rien rires> <rire> ouais. À… Astrotor a bien eu ouais. que j'ai pas osé de citer. Après, tu peux traduire par enfoiré. En français. Pour être sûr. Alors, E5 de E cavalier E4, Dame G7 est mauvais. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Parce que ce qui est facile en fait quand tu joues en partie Dame F3, ça fait trop peur. Donc c'est Dame F5. Ou Dame et si F4. tu veux pas réfléchir, tu joues Dame G7. Si tu veux pas réfléchir, parce que. Quand tu réfléchis, tu le fais pas. Oui, mais. mais L'idée de F3 G4 et tour H2, mais t'es fait. t'es fait. te geler, quoi. Tu frisques quand tu vois ça. Parce que c'est. Mais c'est tellement, tellement effrayant en fait. Ok, imaginons, il joue au H7. Juste. Comment ça s'est réussi 4 disons. Euh, Dame F4, F4, F4 tour, tour H2, tour H8, 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 et rien. Et rien, oui. Alors, il faut être alors euh, plus créatif que ça. Peut-être D5. Ok, cavalier bouge. Oui, okay. je bouge. Il ah, y a des E, si jamais, avec les déprimères primitifs d'Amecius Tourache <laughs> 7. Ah, Chipo, un petit C'est trop. Euh. Tourache 7, merci, au revoir. Le ouais, pasteur. Donc, de eux, non pas tourage, de. tour H7, et là, tu demandes. Demain, c'est journée de repos <laughs> Alors, de E, tu peux pas bouffer. Tu, peux pas bouffer, ouais. Donc, tu non, dois ouais. faire. Un non, il dit tour H8 est encore égal, mais bon, tu vas pas rentrer là-dedans. T'as du bol si ça, ça passe. Bouffe bouf et bouffe. Non, mais ok, ça t'es hyper content avec les deux. Avec les D, pour les spectateurs. Dame F7, tour de deux. Oups, sur deux sept. Alors, F7, c'est qui est des six, pardon. Et Dame F7, c'est tour de deux. Bah, qu'est-ce que vous voulez euh, Le quatrième album de Michael Jackson. Dangerous. Dangerous, ouais. Et donc, pion prend, cavalier prend, dame F4, F3, mm -hmm. ED, on va regarder ce que fait l'ordi. ED, mais pas fond D. Dame E5, tour H2, F5, dame D. Oh Oh, oh C'est pas niveau ça. Oh. Pion prend, tour H8. Dame H8, est nul. Ouais. Ça, Quoi que tu peux bah, faire attends, encore Damage 6, Hero H8, 4H3 peut Ou peut-être 4H3 tout H3. de suite On sait jamais <laughs> Le premier album de Michael C'est Bad Je ne le pense pas Peut-être que vous, vous êtes Plus au courant que moi J'ai toujours pensé que ce n'était pas son premier album D'ailleurs, comment s'appelait le, le premier album de Eminem euh, Alors, tu peux penser que c'est... Euh, 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 non, pas Marshall euh, Mathers, c'est euh, Slim Shady LP. Mais ce n'est pas son premier album. Non. Son premier album s'appelle... Ah, j'ai déjà écouté Infinite. Infinite. Et la chanson euh, phare du truc, c'est Am Infinite. Et c'est pas terrible. <laughs> C'est ouais, ouais. juste nul. C'est juste nul. C'est nul, pas possible. Mec. Alors, que deuxième, que troisième, que quatrième, ni avant, ni après. Enfin, selon moi. Rap God est quand même une chanson incroyable. Tu trouves ah, Je sais pas, j'aime je... plus le mec depuis longtemps. Il a déjà 50 ans, t'imagines Il est plus âgé que moi Ouh. Wathem Orelsan. Je connais pas Orelsan, désolé. Yes. C'est un rappeur français. Il a pas l'air bien, Nepo, quand même. Mais il va trouver les coups, hein. Parce qu'il est fort, mais il a pas l'air bien. Non, mais il est assez fort pour trouver ce qu'il faut trouver, sans aucun doute. Et en fait, il est plus ou moins quand même dans son élément. Mais son problème à présent, on l'a décrit déjà son problème à présent, c'est qu'il sait très bien que en coup à part était fini. Mmh. Donc, donc, il faut vraiment bien calculer, bien réfléchir pour rien oublier, parce que juste un coup à part est... C'est terminé. Enfin, ouais. Comme on euh, a montré tout à l'heure, tu rachètes, oui. Oh, euh, oh, euh, dans la gorge. Et il revient, Ding. Est-ce que ce serait pas l'heure de la pause Je suppose, oui, que peut-être Renva va vous laisser pour un petit moment, parce que dame, euh, de euh, on va, va, on dire, va voir. Et va puis, dans f 5 dans f 4 dans g 7 Dieu seul sait, même pas, pas jusqu'à présent. Il va encore réfléchir pendant 10 minutes. Et donc, on vous laisse pour pas longtemps. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, euh, Vlad va revenir, on est de retour. J'ai eu un peu un petit bug, c'est pour ça que j'ai voulu, euh, voulu relancer euh, directement. Euh, donc, il y a eu D5 qui a été joué. Il y a eu D5 qui a été joué. Et, euh, et donc, on va voir euh, comment, répond, euh, comment répond Yann à ce D5. Je crois qu'il vient de jouer, que je l'ai vu, vu sur la caméra. Mais ouais, il y a la caméra qui a buggé aussi. On va voir. Il euh, y avait des gens qui disaient que c'était peut-être une gaffe. Mais, euh, mais je pense pas en fait. Parce que sur Cavalier A5, de toute façon, on va pouvoir jouer Cavalier E4 pareil. Et sur Tour AD8. Cavalier E4, peut-être là, ça change quelque chose. Peut-être là, ça change quelque chose. Dame F4, F3. Si on prend D5, c'est prendre D5. Là, ça change quelques trucs, ouais. Parce qu'il y, euh, y a Dame E3 et on contrôle la case E2. C'est ça, la différence. Donc, tour à D8, il veut pas Cavalier E4. Il doit vouloir plutôt tour D2. Mais est-ce que c'est dans son intérêt d'avoir introduit ces trucs-là Disons cavalier A5 maintenant. Ah. Il a peut-être des idées avec tour D3, tour H3 qui se rajoutent. Mais ce ne sera plus avec cavalier E4 maintenant. Ce truc-là va être pénible. Parce qu'on a perdu avec un temps avec la tour par rapport à l'idée de base avec tour H2. Mais sur ED, donc sur tour D8, tour D2, ED, cavalier A5 plutôt, pardon. Il y a aussi ED, CD qui, qui est possible d'introduire. Est-ce qu'il peut vouloir un truc comme tour D3 Je vous prend C4, cavalier H5 avec l'idée, puis on prend tour H3, dame prend H5 mat. C'est ça, sûrement, son idée. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, parce qu'il y a trop de variantes à calculer. Mais son idée, c'est sûrement de caler euh, un, un zigzag de tour comme ça. Je suppose. Je suppose que c'est pour ça qu'il a commencé par D5. Et sur cavalier A5 direct, cavalier E4, dame F4, F3, ça change peut-être quelque chose que le cavalier soit parti directement en A5. À vrai dire, c'est hyper compliqué, n'est-ce pas, Vlad Ah oui, mais tout à fait, oui. C'est très très dur de calculer ici parce que à chaque fois, il y a pas mal de, 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 des alternatives. Euh, pff, dangereux. dangereux. Mais par contre, euh, je dois admettre que d'habitude, Yann est bien pour challenges, en fait Il est plus ou moins dans son élément. Ouais. En fait, il aime bien quand le jeu se chauffe et quand ça devient très concret. Il est dans son, dans son plat. Quoi. Ouais, généralement, ouais. Euh, au niveau du temps, alors, euh, 1h27 pour euh, Ding. 1h19 pour euh, Nepo. Et on n'a pas vu souvent dans ce match que Nepo était moins bien autant. Rarement même. Très rarement, oui. On va voir, hein, on va voir ce que ça, ce que ça donne, Vlad. Déjà, je dois dire, quoi qu'elle arrive, qu arrive dans cette partie, de toute manière, je dois dire que Rapport, en tant que secondaire, en tant que créateur de, de nouvelles idées, il est digne d'être du prix de Nobel. Ouais, C'est qu'il en a eu beaucoup. Ouais. Bah, quatrième partie euh, de Ding avec les Blancs, quatrième fois, quoi qu'il arrive, euh, ils ont surpris donc euh, l'équipe russe, euh, ce qui n'est pas gagné en fait. Il faut vraiment chercher de très marginal, euh, de les bien analyser et puis quand Van carton ton, comment ça ton ton client ah, ton, de, ton, ton, ton mec quoi ton mec euh, de jouer ça parce que euh, d'habitude les lignes marginales les évaluations ne sont pas trop bonnes. Euh, mais donc euh, mais c'est ça peut être intéressant mais il faut convaincre quand même le type je sais de quoi' ça, ton poulant oui. Oui, c'est bien le mot c'est pas gagné je sais à quel point c'est dur hein. Elle est vraiment compliquée la position. Déjà, euh, juste pour euh, comprendre mieux la position. Si le noir joue ED, qu'est-ce qu'il arrive CD, fou et fond. Bah, C'est tout à fait jouable en fait ça aussi. Un roi prend. Un roi prend, cavalier A5. Première réaction. Bon, il n'a pas joué ça. De toute façon, il vient de jouer cavalier E7. Un coup qu'on n'a pas du tout regardé. Ouf. On n'a même pas regardé le coup, en fait. Et c'était la ligne numéro 1 de l'ordi. Bon. Il y a une certaine logique, bien sûr. Parce ah, il, il, sûr. il veut ramener son cavalier sur F5 euh, où il va être bien pour défendre le roi. Alors, attends. Maintenant, si on fait D6, on laisse le cavalier arriver, qu'on fait cavalier E4. La main veut jouer Dame G7. Peut-être que ouais, pas un bon coup, mais c'est ce que la main. En fait, c'est pour ça que je me questionne sur cette case. Parce que je suis proche de réaliser l'objectif. L'ordi propose Fou B7, mais moi j'aurais pensé F3 ici si ça passe. Fou prend, pion prend. Ah, il y a cavalier G3 qui touche comme quoi la tour. Ok, tour H3. Mais même ça, c'est. Kv... Kv... Ah non, qui touche le pion. Et Fou G2. Ah, cavalier C3. Ok, cavalier 4, tour a, ah, non, y a tour 3. A H2. Et. Ah, tiens. Et le cavalier est bien là. Je pense qu'il peut trouver un truc comme ça Ça, oui. Ça, oui. Mais F3, c'était pas le seul coup. Hein Donc, bah après, il y a la... Fougé 2, mais Fougé 2, t'as moins envie. Même si, pourquoi pas T'as moins envie, mais au moins, t'es sûr qu'il va pas bouffer sur le 4 ce qui est pas mal. Non, mais jeu. yo, euh, c'est égal après tour AD8, puis on prend F5, EF. Bon, ok, c'est gentil, mais. Mais pourquoi, égal ça, je sais pas, mais ce Parce sera pas joué. Et après, fou de 5, euh, t'as l'envie d'abandonner. Ouais, bah il te dit que c'est même mieux au noir après B5. Non, mais ok, ça, ce sera pas joué, c'est impossible. Parce que là, mais là, et tour d deux, il fait quoi Tour FD8, ok, et comme quoi il est mieux bon, ok, ça, ce sera juste pas joué. c'est prendre B5. Ouais. C4. Bah écoute. Ouais, hum, ouais ok. Euh, non. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire D6. Euh, Peut-être pas dame je on... 7 alors. Non mais attends, on va reprendre tout du début. D6. Cavalier F5 semble l'idée quand même. Cavalier C6, trop bizarre. D'accord. Euh, et si tour A, D, 8 si jamais. Cavalier F4, bien évidemment. Dame je 7. Et... Et dame à 4. Spock Ah oui, ouais, ça oui. Ouais. Ça facile. Ah oui, ça fait du mal. Spock. Mais même là, il dit que c'est pas clair. Après ça, 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 ça et ça. Il est complètement taré l'ordi, en fait. Ok, mais c'est bien trop compliqué, tu vois pas pour ça. Parce y a une pièce de moins, donc d6, alors cavalier 5 sûr. Cavalier 4 Ok, supposons pas Dame g7. Dame d8. Dame d8. Dame d j'aurais jamais fait. Et g4, ah g4, tu veux fou b7. Et maintenant tu menaces, tu menaces quoi d'ailleurs Bah, l'idée peut-être euh, sur fou g2 que tu joues cavalier d6 tout bêtement. C'est peut-être ça Après, après moi, j'avais une idée. Je voulais faire ça, ça et ça. Et ça, mais peut-être c'est trop. Moi, ouais, je Ouais. Je bouffe, et je, je bouge mon Et si je fais fouger 2 Coller des 6. Possible ou pas Non. Ouf. Mais cavaliers H4 gagne. Trouvable. Très. Très trouvable. Ouais, bien sûr. Donc, D6 tour dame D8. Mais ok, pourquoi pas juste 32 je protège mon pion et je veux G4. Ok, je touche le, le cheval. Ok. Mais je fais dame G4. Ouais, je sais. Tout de suite. C'est à réfléchir. Ouais, je ne peux pas me vanter d'attaquer. Ok, disons, tu peux essayer à tour de 3. Mais sur de 3, tour de 3, il y a tour H8, je suppose. Attends, on va revenir. Ah, quoi que, quoi que, tu bouffes, tu joues tour H3 et cavalier G5. Et ça se continue toujours, en fait. Attends, on rembobine pour voir à quel point c'est forcé. Donc D6, cavalier F5, cavalier E4, disons dame D8. Ça avait l'air le plus perspectif. Tour D2. À savoir que j'ai aussi D7 hein, qu'on n'a pas regardé. Mmh. Oui, mais parce que j'ai jamais trop pensé au pion passé, j'ai toujours pensé à mater le roi. Oui, mais c'est possible de cumuler. Mmh, ok, si je veux pas réfléchir, il faut Dame, quelque part. Je bouffe. Et je fais un coup. Mais tu peux peut-être bouffer. Je bouffe juste. Là. Ok, j'ai 4. <laughs> Oui, et je casse tous les jours avec tour à 2-8 parce que je force Fou 2 et comme ça, tu n'auras plus de, de la tour sur le deuxième. Ouais. ouais. Ça reste complexe, hein. Plus vraiment. Dame G7 est bon. Donc, D6, cavalier F5, cavalier E4, dame D8, D8, tour D2. Mais tour, assez... ma tour D2, c'est très logique dans ouais. deux sens. D'abord, tu soutiens le pion et, tu, et, tu, et tu, puis tu épaules plateau. Alors, Didi, plutôt Dame-2 bah, dame Dame-2, Dame-G4, je ne savais pas. L'avantage, c'est <coughs> que tu te laisses des G4. Donc, c'est logique aussi. Mm -hmm. Mais j'aime bien les blancs, moi. Ok. Ah, tiens. Feu 4, Dame-4, Roi-G7, Dame-5. Il n'y a pas de Dame-6 parce que tu Rois-16. Important. Toujours le même thème. Primaire, mais important. Donc Dame F6 direct. G4, Cavalier H4. Pas de G5 à cause de Cavalier F3. Mais Tour H3. Ménage G5. Donc G5. Donc G5 le seul coup forter. G5. Fou D3. d 3. Menace Dame H7. Mais tu te. Euh... Et à tour de où et toi C'est pas fini, hein Échec, ça, fou E4. Tour bouge. J'aurais parti en B8 plutôt. D'ailleurs, j'ai un sacrifice de qualité tour bouffe. g 5 parce que dame g 5. Euh... Ah Non, dame g 5 pas possible. Ok, mais. Même ça, ça continue, hein okay. Oh putain. Ouais, mais ça, c'est, enfin, tu peux jouer ça avec les blancs. Donc tu bouffes pas sur G5, hein? Tu ne bouffes pas sur G5, ouais. Tu joues dame G7, alors G5, dame G7, ouais. et les blancs bouffent. Ok, mais ça, je pense, c'est mieux aux blancs. Ça, en partie, si je vois Il G5, est nettement est... plus facile si... de jouer avec les blancs. Non, mais surtout que si tu vois ça de loin, tu peux penser que c'est terminé. Ça, ça peut être un zéro. Pas terminé, mais sympa. Ça peut être proche de gagnant, ça. Ok, disons je joue en coup lambda, Kev. Je joue en coup lambda, B5, je vais ouvrir la colonne. 6. La main veut jouer tour de 3. Oui, ça dans tous les cas, soit c'est gagnant au blanc, soit c'est égal. Enfin, je veux dire, soit c'est mieux pour. Enfin, ça peut pas être mieux pour les noirs, ça, c'est impossible. bah écoutez, mes amis, euh, de nouveau une partie fantastique en fait. Ouais. Euh, quoi qu'il arrive, la partie est fantastique, vraiment très très excitante. Euh, de quoi se féliciter En italien vous oui. Je peux montrer... Mais tu peux aussi euh, commencer par Cavalier 4. Kevin, je peux vous montrer la dernière idée géniale de, Ding... de rapport. Vas-y. Je ne sais pas si tu l'as couvert sur ta chaîne. Peut-être oui, je ne sais pas. Avec, avec le noir, comment elle a battu l'un de ces indiens, peut-être Argoukesh, ah ouais. peut-être Prague, euh, je ne me rappelle plus. Elle a joué avec le noir. D4. Cavalier F6. C4. E6. Cavalier S3. Foubé 4. Euh, E3. B6. Cavalier euh, GE2. Cavalier E4. Dame S2. B 7. La ligne pas très bien réputée pour le noir. A3. Foubouf. Cavallers 3. Cavallers 3. Dames 3, 3. Là, je ne sais pas s'il a avec D6 ou Dames 4. Je pense plutôt D6. Euh, B3. Dame H4, B2. Euh, 4 Fou 2 4. 4. Je ne sais pas. Un coup comme Dame 2. Pour pouvoir euh, se roquer. Et là, G5. Grand rock. G4. Ouais, j'ai vu ça. Fantastique ça. Fantastique. Et puis, il a gagné facilement parce que l'autre n'a jamais su trouver comment se débrouiller avec l'aile du roi parce qu'il est bloqué juste. Il est bloqué, et puis donc de 7 F5, Randrock. Rock. G5, G4, les, les, ce sont les coups clés. F4 aussi, d'ailleurs. Ah, écoutez, j'ai presque 5 attaques, mais je n'ai jamais vu ça. Fantastique. Et au 4 direct, pourquoi ce ne serait pas bon tamf 4 d'après l'ordi une nouvelle fois. Ouais, du coup, il va me manquer un tempo pour bien faire les choses. Euh, du coup, vu la complexité d'une telle partie, avoir baissé le temps à 2h plus 1h, ça reste court pour des parties de championnat du monde. Euh. Ouais, non, enfin, non c'est pas court là comme cadence quand même. Ils disent que les parties sont un peu courtes en termes de temps pour pouvoir réfléchir. Mmh, je sais pas dans quel sens. Deux heures pour les parties, ça suffit. De toute manière, si quelqu'un a la tendance d'être en Zeitnote. Il sera en quand même. Peu importe, vous lui donnez deux heures, vous lui donnez douze heures, de toute manière, il sera en Zeitnot. Parce que il n'est pas en Zeitnot parce qu'il euh, n'a pas eu assez de temps. Il est en Zeitnot parce qu'il en a besoin. C'est une drogue. Mm -hmm. C'est une drogue, c'est une dépendance. En fait. Vous lui donnez deux jours pour la partie, il sera en Zeitnot. Je peux vous l'assurer. Ouais. C'est l'histoire d'essayer de se succéder, en fait. De retrouver l'adrénaline. Ça n'a rien à voir avec assez ou pas assez, parce que pour les aithnotis, c'est jamais assez en fait. Ouais, ouais, moi. Bon. Puis on a bien vu dans les. En fait, ce qui est marrant dans le championnat du monde, et Fab le faisait rem... nous le faisait remarquer hier, c'est que c'est un championnat du monde où ça joue pas longtemps, c'est pour ça que c'est aussi cool. Il n'y a pas de partie de 6-7 heures hyper longue, il se passe rien. Non. C'est pour ça que c'est cool, c'est justement et parce que c'est. C'est incroyable court. ça. Ah mais c'est pour ça que la cadence 1h30 plus 30 secondes par coup, euh, basta, elle est bien je pense, pour des parties longues. Ah oui, euh, tout le monde parle de euh, Gris chouk euh, dans le chat. En fait, euh, si vous voulez, le premier grand Zayat ça a été Reshevsky. Euh, Reshevsky un joueur américain, un très grand joueur américain. Et euh, Sacha, il aime bien se comparer à Reshevsky, ce qui me fait marrer à chaque fois. Parce que Grishuk, depuis toujours, depuis qu'il est né, c'est un joueur de chèque professionnel. Tandis que Rechevski, oui, oui. euh, il travaillait dans la banque. Oui, oui. Il travaillait dans la banque, il était un petit clerc, quoi. Enfin, oui. il calculait les billets, quoi. Tu vois. Euh, donc, euh, c'est normal pour lui, euh, ça a été normal pour lui d'être en Zaitno toujours parce qu'il euh, bah, n'a pas travaillé les ouvertures. Tandis que pour Sacha, euh, c'est pas ça. Il connaît très bien ses ouvertures, c'est plutôt la dépendance. Dépendante, ça. Oui. C'est l'histoire de se réveiller, en fait. C'est terrible. C'est quoi les aides C'est quand vous êtes en manque de temps. Quand, par exemple, vous avez que, je sais pas, trois minutes pour faire Vancouver. C'est un grand aide Cavalier E7, c'est tellement compliqué. En fait, il a fait D5. Et il y avait tellement de choses à calculer qu'il n'avait pas forcément Cavalier E7 en main. elle est bien, elle va faire D5. voilà que penses-tu de Nimzo avec 4F3 pour les Blancs au lieu de 3 bah, C'est une ligne éternelle. C'est une ligne très intéressante. Euh, bien évidemment. Mais les Blancs optent pas souvent pour cette ligne-là parce qu'en fait, c'est impossible de l'analyser. Quoi que le Noir fasse... Peu importe quelle ligne, il y a 5 ou 6 euh, grandes lignes. Impossible d'analyser parce qu'à euh, la fin du compte, euh, l'évolution euh, finale va être toujours la même. Pas clair. Ça peut être intéressant à jouer du coup. Euh, oui, mais pourquoi est-ce qu'il a opté plutôt pour E3-4 et A3-5 au lieu de F3 F3, c'est l'une des lignes magistrales. Mm -hmm. E3-4 et A5-3. C'est l'une des lignes marginales. Ça n'a pas une très bonne réputation. C'est pourquoi ça a, été, ça a été choisi. Parce que euh, c'est plus ou moins évident que l'adversaire ne sera pas au, au courant des de, de, de détails. Parce que bah, les, les évolutions sont assez mauvaises. en fait. Donc c'est est, malin. Est-ce qu'il y a d'autres coups genre, auxquels on n'aurait pas pensé du tout Genre Dame C1 ou un truc comme ça. Dame C1, je crois pas. Dame-3, euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de menace. Ouais. Ouais, dans Dame-H6, ça ne mate pas. Ouais, dame parce que Dame-H6, dame, dame 7 Donc, euh, pas trop d'envie de faire ça, alors. Alors, cavalier au 4 ou D6, ou c'était ça ta question Est-ce qu'il y a un autre coup, quoi Ouf. Je ne sais pas. Peut-être que je vais dire une connerie, mais tour de deux, alors. Pour un jour, transférer la tour sur H3 sur H3 par D3. Ça peut être une option, ça. Oui, et je en joue. Fait, ouais. Ça peut être une vraie option, ça. Et à part le tour de 2 je ne vois pas d'autres options, en fait. Je ne vois pas d'autres coups logiques, en fait. Il n'y en a pas, je suppose. Moi, je pense qu'en partie, je jouerai tour des deux en fait. Pour du bien ou pour du mal. Moi je suppose que peut-être euh, l'une des raisons de choisir cette ligne euh, par l'équipe d'Ing aujourd'hui, ça a été peut-être que analysant les parties de Nepo, ils sont venus à la conclusion que peut-être Nepo est un peu fragile lorsqu'il s'agit de défendre son droit. Mm -hmm. Peut-être, c'est une version. Euh, de toute manière, euh, je fais l'entraîneur depuis 6 ans, donc ça veut dire que je suis toutes les parties pour mes élèves, je regarde toutes les parties du haut niveau, et la conclusion que moi j'ai eue, c'est que euh, la phase de défense de la défense du roi, et l'élément le plus fragile chez tous les joueurs, y compris Carson. Juste tous les joueurs euh, gaffent euh, dans cette phase du jeu, en fait. Sinon, par exemple, dans les finale, fort probable que Carson va juste jouer mieux que l'ordinateur. Mm -hmm. Plus malin que l'ordinateur. Euh, calcul, bah, Caruana est excellent, Momidirof est excellent, Carson est excellent, etc. Enfin, on peut en parler pendant des heures, mais la défense, tout le monde gaffe. Tout le monde gaffe enfin, à un moment donné. C'est de loin l'élément du jeu le plus, le plus dur, en fait, aux échecs. Pourquoi Parce que. bah Comment s'appelle le musical, musical Le fantôme de l'opéra. Vous, vous êtes en train de voir les fantômes. Euh, vous êtes en train de voir les ombres des fantômes qui ne sont pas là. En fait, vous êtes en train de créer vous-même euh, les dangers qui parfois n'existent pas, en fait. Le chat avait raison, c'était bien la préparation de Ding sur l'ichesse. Bah envoyez une preuve, hein. Bah envoyez des preuves, en fait. Ah, écoutez, ce que j'ai vu, ça pas l'air convaincant, en fait. C'est un petit peu comme les preuves que Fischer a battu plein du monde il y a 20 ans sur ICC en jouant F3 ou F2. Ah, bah c'est prouvé que c'est faux. C'est prouvé. Mais à l'époque, je me rappelle qu'il y avait oui, même oui, des articles oui, oui. dans que la que presse euh, comme... Ah non, prouvé que faux. Euh, dès le Telegraph, je pense qu'il y avait un article de Nigel Short, comme oui. quoi Thiane Fischer euh, revenue... Mais... Icarou qui dit qu'il y a 0% de chance que ce soit un hasard. Ouais, mais après Icaro, il a aussi dit qu'il avait des preuves que Niman trichait, plus ou moins. quoi Et Niman avait des preuves que... Icaro aussi. <laughs> <laughs> Caro c'est 100%... Euh... Tu peux pas savoir, mais euh, les parties qu'on a vues rapidement avec Vlad, euh, c'était pas dans, le dans un répertoire possible en fait. Non, mais était, ça a été déjà d'une telle qualité mm -hmm. que je peux pas m'imaginer que Ding jouait des parties d'entraînement avec quelqu'un aussi nul que ça. Parce que sinon, autrement, avec qui il aurait pu s'entraîner si on ne parle pas de rapport Bon, j'aurais dit Niwa, Ni, et puis Van Ao, et peut-être Van oui. Mais ce sont, tous les trois sont de très très forts joueurs. Donc, ils ne pouvaient pas jouer si mal qu'on a vu tout à l'heure. Non, mais en plus, normalement, ils auraient entamé des parties avec des comptes anonymes. Trop bizarre. Après, oui, tu voilà. peux pas savoir, Tu peux jamais savoir. Ça ressemble à rien, les parties qu'on a vues. Juste à rien, ouais. ouais ridicule. Pas forcément... Il y a forcément un lien, vu que c'est littéralement les ouvertures qu'il a jouées. Enfin, Il y a d'autres choses. Y Il avait... y avait des berlinoises que Ding aurait ni pu entamer avec les blancs ni avec les noirs. Ouais. Donc. Euh... C'est les ouvertures qu'il a jouées, pourquoi ils entament des parties qui n'ont aucun rapport avec lui Il y a des preuves que la partie de Fischer était fausse avec F3 ou F2. Alors maintenant, on sait que c'est juste quelqu'un qui trichait en fait. Mais alors, où est-ce qu'on peut retrouver cette information Je ne sais pas. Mais c'était juste un mec qui trichait avec l'ordi. Non, je suis Bobby Fischer, les gens l'ont cru et du coup, il a pu continuer à tricher. C'est trop Déjà, même à l'époque, pour moi, ça a été ridicule parce que. Fischer a. Il, a il, il est connu pour détester les joueurs d'échecs. Par contre, il est connu pour respecter les échecs. Euh, pas les joueurs d'échecs, mais les échecs, oui. Donc, euh, je le vois très mal de commencer avec F3 ou F2. C'est bon pas fichéresque. Et on nous dit, c'est peut-être pour brouiller les pistes qu'ils ont fait des parties. Non, mais les gars, il y a 70 parties entre deux comptes. Ils brouillent les pistes de quoi, en fait Tu brouilles quelle piste Enfin, c'est juste idiot, en fait. <laughs> Mais c'est incroyable. Mais bon, ouais. comme d'habitude, c'est ce qui va marcher. En fait, c'est pas la partie d'échec qui va marcher, c'est la rumeur à la con. Euh... Personne sait. On verra. Il demandera en... en conférence de presse et on verra bien. On n'en sait rien. En fait, il brouille les pistes. Peut-être oui, peut-être non. On sait pas. En fait. Euh, D'ailleurs, parlant de Fischer, euh, j'ai appris un truc assez marrant récemment. Il y a un euh, ex-très euh, fort joueur de l'élite euh, qui s'appelle Vlastimil Hort un euh, tchèque. Oui. Donc, euh, et si vous voulez, en 1993, il a visité Fischer à Budapest. Bien sûr, ils se sont retrouvés dans un des bancs anciens turcs qui s'appelle Gellert. c'est tout au centre de la ville. J'y ai pas été, mais j'ai vu les photos euh, euh, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et euh, c'était pour racont raconter quoi euh, euh, Tiens, j'ai oublié. Je, je commence à l'anecdote et puis j'ai oublié pourquoi je vous le raconte. C'est hum. aller voir Fischer euh, en hum. Hongrie. Ah oui, en Hongrie. Dans les bains. Dans les bains. « Ah oui, 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 euh, oui. » Et après faire euh, les bains, euh, Fischer lui dit « Tiens, on y va bouffer les sushis. Euh, »« J'ai un bon coin euh, où aller. » Et donc, ils étaient allés de, euh, bouffer les sushis. Euh, donc, euh, le grand maître tchèque, Hort, il a dit que ce sont son les meilleurs sushis qu'il a jamais bouffés, ni, ni avant, ni après. C'était jamais de la même qualité. Et puis, donc, euh, il faut payer. Et donc, euh, monsieur, un mec japonais, euh, apporte l'édition. Et c'est juste les, 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 hyper pas cher. Mm -hmm. Et pourquoi bah Parce qu'un peu plus tard, après avoir amené l'édition, il a ramené les, les postcards pour euh, que Fischer fasse les autographes. Le fait, parce que Fischer, en fait, pendant des années, il a payé ses souches avec ses autographes. En fait. mm. Et symboliquement, il a payé, je ne sais pas, 3 euros. Oh, ouais. Mais sinon, il a payé avec les autographes. En fait. C'est pratique euh, Pas mal, ouais, Pas mal. Je pense qu'un jour, ça va t'arriver. Oh, pas à moi, à moi, toi, ouais. Il n'y a jamais Dame, H, dame G4, Cavalier H5. Euh... Ah, possible, hein, je ne sais pas. Ici, on avait le plan tout à l'heure. Là, <laughs> ça paraît un peu moins, mais je pense... Ah, dame F4, Dame H3, tu veux Échec, roi 2 fous 4 roi F3, dame F4, moi si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas. Donc il n'y a pas. Il ne faut jamais oublier hein, cette tour en A2. Bien placé pour leur Grand, mais mal placé pour euh, le dame C1. <laughs> bah, tu veux payer tes billets à l'été, ça te grave. Bah, malheureusement, non, quoi. Donc c'est soit D6, soit tour 2. Tour 2, je pense. Mais qu'il bouge quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça à chaque fois de réfléchir comme un idiot, quoi, pendant l'éternité. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. De toute façon, tu ne vas pas comprendre si c'est mieux tour 2 ou D6, non Oui, mais vas-y, bouge. Mais toi alors, tour 2 ou D6 D6 parce que je suis indécis Et je veux garder l'option de quatre pour plus tard. Parce que je suis indécis dans ma vie. Mais moi, tour 2. Et toi tour de deux. Mais comme je ne vois pas trop de perspectives pour le pion sur deux 5 je bouge, j'attends les réponses et après je réfléchis. Voilà. Et je garde l'option de locataire pour le futur. Voilà, tu es plus connu en Russie que en France. Bah, mille fois plus en France. Bah, grâce à ce mec. Grâce à ce mec. Avant pas du tout. Est-ce que des gens te connaissent en Russie? Bah pas du tout. En fait, <laughs> euh, en fait euh, le truc, c'est que les Russes savent pas que j'habite en Russie, en fait. Et j'étais ah oui, jamais joueur France, russe, ouais. d'ailleurs. Et en fait, à chaque fois que je passe, je ne pas, quelque part au centre, je tombe sur un joueur de chèque. Ah tiens, Vlad, tu viens de rêver de France Bah non, j'habite ici, en fait. <laughs> Comment ça se fait ah, ouais. que personne sait Bah c'est parce que je ne côtoie, côtoie pas trop les milieux chiciens, en fait. Ouais, mais à force, ils doivent savoir quand même. Bah non. Je sais pas, 3-4 mecs, pas plus. Personne n'est au courant que je suis là-bas, en fait. Enfin. Étranger, quoi. J'habite à Moscou, sinon. Mais je pense que Kiev, rien que pour me contredire, tu un petit peu menti là. Je suis à 100% sûr que tu as refait des non, j'ai fait tour D2. De eh oui, mais c'est bien trop prophylactique, c'est bien trop je ne sais pas euh prophylactic thinking, tu vois. Bah, tu fonces des 6 Ouais, tour D2 ou D6 as Tu as fait tour D6 et tour D2 après. Ouais, je sais pas. À un moment donné, il y avait Dubov qui est passé par mon appart à Moscou. Et donc, on a parlé de tout et de rien. Et puis, on a touché les questions des joueurs chinois. Et il m'a montré sa partie contre Ding avec les banques qu'il a perdu. Il y a peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. C'était incroyable. À partir d'un moment donné, Ding a enchaîné peut-être 12 coups d'ordi. Et il l'a battu finalement. Mais c'était fin, pas possible. Je vous adresse à regarder cette partie Dubov-Ding, genre 2013 ou 2004, euh, 2014, Dubov avec les bons C'était quelque chose. Donc depuis, peut-être, peut-être, j'ai une faiblesse, peut-être j'ai la tendance de un petit peu surestimer Ding. Ouais. Depuis, je l'avoue. Parce que là, ça n'a pas l'air d'être hyper impressionnant pour le moment. On a envie qu'il joue un peu plus vite. Oh, non, que tu mais, mais, non, mais tu sais ce qui va arriver en fait ouais. Il va se refoutre avec 5 minutes pour ton 32e coup. Et il, va... Ah, ah, il va se ah, ouais, euh... ouais. Ouais. j'ai pas mais Ça m'a fait tellement pitié en fait, euh, euh, avant-hier quand elle s'est gelée, parce que c'est en ce moment où elle que j'ai mangé de la glace. Je me suis dit, tu te, tu te, tu te gèles comme ça, bah, oh, bah, beau euh, ice cream, quoi, tu vois. <rire> <rire> oh là là. Et vous, vous étiez en train de crier, vous deux, avec Bach. Ouais, mais bah, fallait il fallait qu'il joue. Et Bach, il vu, il ne croyait pas. Moi, j'ai tout de suite senti, non Qu'il allait. Ouais, les... ouais, enfin, t'as lui... compris ouais, avant. avant bah, qu'il ouais, ouais. a mis plus de temps à comprendre ça. Ouais. Moi, j'ai compris vite que. En fait, je pense que Bach, il a pas pu penser que c'était même possible. Est-ce que tu te gelais souvent dans ta vie? Ouais, moi ça m'arrivait de faire ça. Ouais. Et ça a été plus ou moins dans quelle situation? Bah, un peu la même que lui quoi. Bonne partie, tu domines, t'as pas encore gagné, tu sais pas pourquoi. Et tout d'un coup tu, ouais. Et voilà. Bah, je dois dire que moi je me suis euh, gelé euh, que, euh, enfin, je me suis gelé dans des situations complètement différentes. C'était quand j'ai attaqué les filles et puis donc j'ai préparé une, deux, trois phrases euh, attaquantes. On appelle ça draguer. Euh, ok, la... draguer, mais je préfère attaquer. D'ailleurs, je l'ai dit à l'exprès. Euh, je connais le mot draguer. Et puis donc, les réponses inattendues, oui. Les réponses inattendues auxquelles je n'étais pas préparé. Et puis, oh Je l'ai. <laughs> T'as hein. Je l'ai. Oh, rien à dire. Oh. De nouveau, <laughs> je suis dans la merde. ah oh. Ah ouais, ça m'arrivait assez souvent. Et aux échecs Aux échecs, non, beaucoup moins qu'avec les filles. Et quand les mecs ont attaqué ton roi Non, beaucoup moins qu'avec les filles. Non, les filles, il n'y a rien de plus sinistre que les filles et... Et qui te répondent à... à des trucs inattendus. <laughs> assaillir, c'est pas mal aussi. Comment Quelqu'un qui te propose le euh... verbe assaillir. <laughs> <laughs> assaillir, ouais, j'aime bien. bien Tu connais ce verbe assaillir ouais, 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 ouais j'aime bien, assaillir. <laughs> Но не только я, кстати. Планы мои коллеги Например, мой под Андрей Шикачев, он живет очень близко к рапорту Шардеголь. И потом он мне сказал, что мы три были проводить хорошую вечер. Луи, Кирилл Георгиев и Андрей Щекачев. И потом он меня сопровождал в И потом он видел компанию, которые были очень впечатляющими.

Non mais ding là c'est vraiment trop hein. Enfin, en deux, trois coups il va avoir perdu tout son temps et il va vraiment refaire comme avant-hier hein. Qu'est-ce qui t'amuse Mr. Freeze. <laughs> hi, hi, my name is Mr. Freeze. <laughs> C'est dans Batman, non Qu'il y a un Mr. Freeze d'ailleurs Je sais pas. Non, je crois qu'il y a un, un, un Mr. Freeze. Ouais. Il a un truc pour euh, freeze les gens. <rire> <rire> je pense que c'est Batman, ouais. Et, euh, et les mecs comment pas euh, Ils s'appelle vraiment Mr. Freeze. <rire> <rire> et je peux te le montrer, il est assez sinistre d'ailleurs, attends. Je peux te montrer ça gueule, il est. Ouais. Je pense que je vois à quoi il ressemble. Attends, pour le moment j'ai pas, mais je vais bientôt avoir. Ah, regarde, il est sinistre. Euh... Regarde que sa gueule me frise déjà. Ouais. Oui, regarde. Oh, oh, oh. Je vois pas ça dans mes cauchemars. Oh. Oh là. Il a joué des 6. Ah, bien, 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 bien. Ok, il a dépensé genre euh, 20 minutes pour faire ce coup. Par contre, ce qui est bien, euh, le reste, c'est facile. Ok, si vous voulez, mes pronostics. Je donne 50% qu'il gagne, 25% nul, 25% ne, ne peut pas gagner. Ouais. ouais. Quel est votre élo en siège de femme? Euh, le mien, bah, il faut que je réfléchisse. Bien sûr, ça dépend de l'état, ça dépend de la situation, ça dépend de ma forme. J'aurais dit 2004-25. <laughs> Pourquoi 25 euh, Parce que moins que 30. <laughs> euh, et je pense que c'est indécent de te poser cette question parce que tu es marié, c'est ça Ouais. Ah, voilà. Moi, je suis divorcé, donc vous pouvez me poser n'importe quelle question. Là, je suis non classé. Inactif. <laughs> oui, oui, oui. Euh, il, il, je le, pas, pas en ligne, quoi. Cavalier ouais. F5, tempo, normal. Cavalier E4, ça va être joué tempo aussi. Retraité, ouais. <laughs> bon, sur Renette, Cavalier E4. Et à rien de quoi réfléchir ouais. sur une aide cavalier au 4. Ouais, mais bon, il repère du temps. Enfin, en fait, il fait n'importe quoi, Digne de nouveau. Il n'est pas resté assis, il est trop stressé. En fait, il panique trop. Oui, pas trop pratique, en fait. Je pense que la partie précédente a quand même laissé quelques traces. Oh, petit mouton. Et on sait très bien de quel type de traces ça parle, Vlad. <laughs> ah okay, il est revenu faire cavalier au 4. Non, monsieur, non Tu te trompé. Que le cadre est maintenant. Ah, Dame de tempo. Que l'effort alors. Mais là, faut il faut qu'il joue... Euh, ding, faut qu'il joue vite. Hein. Là, s'il si, 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 retent qu'une demi-heure, la partie, elle est terminée. Hein. Regarde, il reboit de l'eau. Boire un peu d'eau, c'est signe d'inquiétude, normalement. À moins qu'il ait soif. Non, Nous, il a soif, avec toi, lui. on a parlé de G4, il faut bosser, il faut Je dois? Ouais. Je suppose. Par contre, il est vrai qu'il y a une autre alternative euh, manuelle. Laman veut aussi faire euh, Dame de 3. Pour si jamais menacer gagner une partie en jouant Dame de 3, oui. Dame de 3, Roi de G7. Et maintenant, G4. Et mec, j'ai défendu le cavalier E4, donc tu t'as plus de Foubou 7. D3, D3, D3. Pourquoi pas F3 Bah, parce que j'ai pas réfléchi sur Dame de 3. Oui, donc euh, Roi G7. Je suppose. Ok, je fonce G4. Maintenant, si tu bouges ton cavalier sur. Je sais pas, H4, j'ai G5. Si tu joues sur H8, je suppose. Ah, tiens, il y a Dame G3, double attaque, oui, H4 et G5. Et je gagne. Il n'y a pas cavalier f 3 échec, Dame prend, ça protège. Euh, pas non plus de cavalier G2. Pour les mêmes raisons. Alors, donc dame de 3, roi g 7 G4. <coughs> si cavalier H6. Mais je sais pas, G5 là Cavalier F5. Ah non. J'ai une autre proposition Kevin. vient. sur H6, roi H6, G5, roi g 7 dame G3. Avec la domination sur l'échiquier. Vlad Dominatrix. Bien joué. Ouais. Donc Dame D3, il veut quoi Elle veut Dame H3, il veut G4, il veut un tas de non, choses. Non, mais lui, il veut quoi il veut, non, il veut Roi G7 G4, g4, ouais. Et, et Foubé 7. c'est fort, ça. Hein. Bien sûr que je n'ai pas vu Foubé 7. Puis on prend... Puis on prend... Dame H3... Fou 4, 3, 4 3, Dame 3, échec, Roi F6, 3, 2, et, et ça, et ça 3, va. 2, oui, mais il est cool sur E6. Ah, ouais. Ah non, proche, pardon. Et il est cool, là, le roi. Ouais. Il est intouchable. Donc, Dame D3. Kevin, je me trompe ou pas Il y avait l'album de 113, Les Intouchables, où je me suis trompé. Non, je pense que c'était le titre du deuxième album. Ouais. Il y a Prince de, de, de la Ville et après ça devait être intouchable. Ouais. Il y a dû avoir quelque chose comme ça ou, ou un titre. Hmm, Foubosset. Après, je peux aussi juste entamer un coup comme tour d deux peut-être. Ou D7. De de Là, il y a qu'à prendre des 6 Ok, je joue de 7 alors. Donc, des 7 oui. j'ai ah un ouais, pion passé, euh, je pousse. D'ailleurs, euh... euh, euh, pour vous, les chers spectateurs, il y avait un article fantastique écrit par Edmar Mednis, un grand américain. Ça a été un euh, livre sur les parties... Euh, de Fischer, oui. et j'ai bien aimé euh, la règle euh, dans les finales la première règle dans les finales euh, euh, définie par euh, donc l'auteur Edmar Edmard Ménis les pions passés doivent être poussés <laughs> c'était qui c'était nimzovitch les pions passés ou cet arrache les pions passés sont de dangereux criminels qui doivent être mis sous verrou N imzovitch. N imzovitch, ouais. On dit je comprends pas ah, pourquoi il... Ding réfléchit maintenant euh, parce que sa gestion du temps est catastrophique en fait. Il a déjà perdu une partie à cause de ça et il va peut-être en perdre une deuxième. Mais aussi parce qu'il devait calculer dame de 7, dame de 8. Oui mais... Euh... oui, mais il aurait pu juste clic en fait. Il aurait pu juste jouer le D6, dame F6, cavalier E4. Je suis d'accord. Et s'arrêter maintenant. Je suis d'accord. En fait, à un moment donné, tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas contrôler ma destinée, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je chante mal quand même? Ouais, c'est assez catastrophique. Ah ouais, horrible, juste. Dégueulasse. Mais non, mais as donné 50% de chance de gain à Ding, je crois que t'es optimiste. Non, 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 je reste je, je, je toujours optimiste. Parce que là, il tanque sévèrement. Vous hein. voulez grotesque comme top <sus> <sus> <coughs> Grotesque à d'art, ouais. Ouais, mais Ding, il a pas. Ouais. Le pire, de... le pire, si il va dépenser trop de temps et de nouveau perdre à cause du temps, le pire, c'est pas qu'il va perdre le match. Le pire, c'est qu'il va jamais oublier ça dans sa danse. Ah oui, mais sa carrière est terminée. Ça, ça va ouais. toujours retourner. « Eh putain, pourquoi j'ai réfléchi autant mais Pourquoi j'ai toujours la tendance de me geler ah ?» ouais, mais là, ça, ça peut laisser des traces, hein Les traces dans le calbut, quoi! Quelle chaleur de traces! Bah, bah, pire que les traces habituelles! Bien de pire! Tiens, le Fab qui est en train d'arriver, ça va être l'heure de la deuxième pause. On doit faire plus de pauses aujourd'hui, on, le... on a un nouveau partenaire, vous avez peut-être pu voir la petite publicité. C'est peut-être le moment hein, de faire une pause, Vlad! Oui, peut-être le moment n'est arrivé que je laisse euh, ma place. Euh, ah, ben bah non, là c'est la pause, c'est pas, pas la place. Pas bien. Euh, sinon, donc, un grand choix entre G4, Dame de 3, peut-être tour, tour de deux, deux. Sinon, le reste plus ou moins en mains. Moi, je suis toujours d'humeur du tour des non. Deux. Hein, parce que j'ai l'impression que je vais avoir besoin de cette tour pour mater de toute façon. Ah tu veux justifier. Tourado, tu veux justifier d'une manière ou l'autre, ouais. mania calma. Paporian, Karpov, Kasparov, Kariakin, Karoussène, Nepo, il y a toujours quelqu'un dans l'équipe, et ce n'est pas, euh, pas un grand maître. Il y a toujours un mec, c'est un psychologue. Toujours. Depuis toujours. Paraît-il que chez les Chinois, euh, enfin chez l'équipe euh, d'Oding Ding, il n'y en a pas d'un tel spécialiste parce que. Ah là il est en train de, de reperdre tout seul, ouais. Oui, et pour euh, la énième fois dans ce match, il est en train de se autodétruire ouais, il se sabote. Dame 2, ça marche aussi. Dame 2, c'est un coup que j'aurais même pas envisagé. Dame quoi E2. Bon, on défend le cavalier, certes. Mais. Ah oui, ah, oui ok, c'est contre G4, il faut Ok, donc en cours archi-prophylactique. Dame 2, et si tour B7. de toute manière, vous allez jouer tour de 2, je suppose. Ouais. Dans ce cas-là, pourquoi pas commencer Parce avec Dame 2 C'est le premier coup d'ordinateur, donc ils te disent Dame 2. Ah, d'accord. en penses quoi, le Fab euh, je pense de le régaler, quoi, surtout. Ouais, ça, tu nous as ramené euh, ouais. le meilleur kebab, quoi. Ça fait plaisir. Bon, allez, let's go, faire la pause. De toute façon, euh, il faut qu'on en fasse trois. Donc, il en, reste encore, euh, il en reste encore une derrière. Donc, il faut bien souffler, là, euh, Fab. Yo, yo, yo. Mesdames et messieurs, le retour de Fablibi. Yo yo. Même l'arrivée de Fablibi, même qui va. Moi, je vais faire une petite pause, un tout petit peu plus longue pour manger. Et on a le Fab, on a le Fab qui est là à fond et qui va analyser tout comme il faut. Et qui va peut-être, tu vas peut-être pouvoir faire un. Comme toi, t'as pas forcément vu la partie, tu peux peut-être faire un. Un récap. Enfin, comme tu veux, c'est toi. Ouais, ouais bah, c'est plutôt bien si je fais, si je fais le récap euh, pour euh, pour mettre dans le bain. Donc bah déjà bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Que la partie vous plaît, qu'elle est animée. Bon, ça on voit qu'elle est animée. Ça peut être une partie décisive. Surtout si Nippo gagne, évidemment. Euh, si Ding égalise, bravo, mais euh, comme d'hab, c'est animé. Alors, vas-y, on va repartir à zéro et voir l'ouverture. Donc c'était une Nimzo. Première fois du match, donc euh, Ding tolère euh, la Nimzo. Il a joué avec E3. Petit rock. Et, euh, et a3. Donc euh, incite et oblige l'échange. Hein, C'est un peu débile de venir là pour repartir ici par la suite. Donc il a pris, pris d6. Ok. Euh, bon, j'imagine qu'il y a plein de schémas possibles pour les noirs, mais d6 pourquoi pas Cavalier e2 développement. C'est cinqo. Cavalier g3. Donc il se place ici pour retenir le centre, éventuellement avancer. Cavalier en C6, tour à deux, coup multifonction qui permettent d'activer la tour via la seconde rangée sans avoir à développer tout le monde avant. Et puis souvent quand on touche au pion F, elle peut donc venir appuyer là, ou venir en D2, en E2, en F2, à voir. B6, E4, c'est parti, on avance. x 6, euh, oui bon, les dents de toute façon mettent leur setup en place pour venir taper sur la faiblesse en, en C4. Donc il peut y avoir Cavalier 5 qui vient, peut-être Torse 8, etc. Et puis il échange un jour pour prendre ce pion. Mais la plupart du temps, donc, les blancs, oui, ils, ils filent le pion pour se concentrer sur les dame Après, ça peut faire peur, hein, parce qu'une fois qu'on a fait E4, il peut y avoir g 5 qui arrive. Et euh, on, peut, on peut se prendre le bouillon avec les noirs. Donc il y a beaucoup de joueurs qui, qui se barrent avec le Cavalier. Mais c'est souvent une bonne manœuvre quand le pion est en D7. Mais vu qu'il a joué avec d 6 pourquoi quand le pion est en D7 Parce que le Cavalier peut venir en D6. Il faut imaginer le pion ici, hein. et euh, bah, il tape, euh, il tape vers, euh, vers c4 avec x6 et on peut jouer avec f5 pour bloquer l'avancée des blancs euh, sur, euh, sur les rois. Bon bref, là c'est juste autre chose. Donc ça a l'air méga dangereux pour les noirs, parce qu'après h6, bah, il fait h4, il dit bah ouais, moi je maintiens le clouage, et puis si tu prends, bah j'ouvre la colonne h, si t'enlèves ton cavalier, je débarque avec madame, je te mate quoi. Euh... Et c'est plus ou moins ce qui se passe, sauf que bon bah Nepo évidemment ne s'en va pas avec le cavalier ça vous pouvez comprendre, ensuite hein, le cas, il s'en va et la dame débarque. Et il fait G6 en, euh, en prenant du coup cette case à la dame blanche pour pas laisser les blancs venir doubler les pièces lourdes sur la colonne h et au passage peut-être à lui donner du Roi G7 torche 8 pour, pour colmater cette, euh, cette colonne euh, ce sur quoi Ding a pris le cavale dame prend et il continue à envoyer avec E5 se file la case E4 pour le cavalier puis on prend, D5 attaque l'autre cavalier qui s'en va. Et euh, ici, il y a sûrement deux choix entre cavalier E4 ou D6. Mais il semblerait que cavalier E4 ne marchait pas. Donc Ding a pris du temps pour réfléchir à tout ça. Et il a envoyé D6. Mais bon, il faut faire. Hein, parce que je veux dire, ce pion est sous trop de pression ici. On ne va pas le laisser se faire bouffer. Donc D6, cavalier F5. Cavalier E4 attaque la dame qui vend D8. Et petit à petit, euh, on, y est, euh, on est quasiment au moment où... Du live. Donc dame Détroit était jouée, il veut coulisser. Ok, on comprend. Les Noirs font roi G7, comme ça si la dame vient, il se prépare à parer la menace. G4 chasse le cavalier. Et là, euh, excellente décision de la part de Nepo de ne pas bouger. Et il a fait fou B7 en se disant Tiens, si tu me manges, bon bah je reprends. Et ce cavalier, s'il bouge, je prends ta tour. Et, et voilà. Et donc ça serait gagnant pour les noirs. Ce qui fait donc qu'après Foubessa Ding a bougé sa tour en H3. Et on en est là, les amis. Voilà pour le petit résumé. Donc tour H3, ça enlève la tour de H1. Du coup, il a envie de prendre. Alors après, est-ce que les noirs ne peuvent quand même pas tolérer euh, la prise en se disant Ok, bah je reprends Parce que niveau matériel, à l'heure actuelle, les noirs ont un pion de plus. Prise, prise, ils auraient une pièce de moins, mais contre deux pions. Ça commence à ressembler à quelque chose. Masse de pions centrales qui avancent et des 6 qui pourraient être bouffés. Donc, ça pourrait faire 3 pions pour la tour assez facilement. Donc, euh, ils ne sont peut-être pas obligés d'enlever de, ce cavalier de F5. A euh, voir. Mais là, du coup, c'est méga compliqué comme position. Euh, disons, moi, j'arrive comme ça, comme une fleur, je tombe sur un truc. Il euh, y en a de partout. <laughs> euh. Et, euh, et donc, c'est dur d'expliquer plus juste avec des mots. Maintenant, c'est que de variante variantes Ah, ça, ça marche parce que si, ça, ça marche pas parce que ça. Et, euh, et voilà. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Après, un petit point pendule, parce que ça peut avoir son importance, comme on l'a vu dans la partie précédente. Euh, Ding n'a plus que 36 minutes pour jouer 19 coups. Alors, c'est faisable, hein, mais bon, s'il plombe 20 minutes sur un coup, ça peut vite devenir compliqué. Et euh, Nepo à 1h07, enfin un peu moins, mais ouais. Voilà. Euh... Donc c'est chaud. Alors on me demande pourquoi ça parle de leak de la prépa de Ding sur les streams US euh... Alors bah, c'est pas un no-fake en fait, a priori c'est vrai. Euh... Et c'est un, peu... ouais, un peu dommage pour Ding là pour le coup. Alors C'est quoi le truc C'est qu'en fait, quand vous allez sur les chesscom ou leechess, et euh, que vous mettez la base de données en ligne, vous avez accès à toutes les parties. Donc, euh, tu es joué en réel euh, dans les tournois, quoi. Hein, mais aussi euh, sur, le, sur le site en question. Et, euh, et en fait, il y a eu, euh, si vous vous souvenez, hein, la ronde 2 du championnat du monde, Ding avait joué ça. H3. Bon, ok, très bien. Mais c'est un truc très rare. Je ne sais pas qui va rejouer H3. Et aujourd'hui, là, il a fait son truc bizarre euh, dans l'ordre de coup peut-être ou quoi, avec Toura de Sito, et etc. Et en fait, il y a un pseudo, euh, bon, on ne sait pas trop, enfin, je ne sais pas comment il a ce pseudo, mais qui a joué et cette position-là, et le 4H3 sur lichess. Le même pseudo a joué le même truc sur Chesscom il y a euh, un mois de ça. Bon, alors du coup, on peut se deviner qu'il euh, qu s'agit probablement de Ding, euh, qui faisait des parties d'entraînement, alors je ne sais pas si c'était avec Rapport ou un autre... Euh, un autre secondant ou un ami à lui un beau grand maître j'en sais rien moi euh, et qui a essayé ces variantes là pour se chauffer avant le match et prendre de l'expérience et du coup euh, du coup euh, du coup voilà et là le problème pour lui c'est que maintenant ça devient flag autant qu'il y a un mec qui joue H3 bon on peut se dire ok il joue H3 il joue H3 mais euh, mais là bon le mec fait H3 il fait aussi tour à deux et, euh, et puis chaque jour il fait le même truc qu'il est au championnat du monde il y a un mois de ça il y a trop de coïncidences. Donc là, en fait, le problème, c'est que. Bon, j'imagine que la, la team Nepo va juste aller télécharger les parties du pseudo en question et tout regarder. Et du coup, Ding. Euh, il va falloir innover parce qu'à sa place, je ne répéterai pas des trucs qu'il a déjà joués sur Internet. Vu que, bah, souvent, on l'intéresse et qu'il y a quand même un effet de surprise. Euh, et puis, bah, là, s'il n'y a plus de surprise. Euh, voilà. Donc, a priori. Euh, a priori voilà. Après j'en sais pas plus hein, que ce que je vous ai dit, mais donc il y a Ludwig qui a mis un petit euh, message épinglé euh, d'un post Reddit dans le chat, euh, voilà, donc vous pouvez aller voir. Et, euh, et puis 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 en apprendre un peu plus, j'imagine. Hein. Moi je sais pas plus que ça, mais en gros euh, voilà, c'est ça le, le truc. Mais euh, pas malin, pas malin du tout d'avoir fait ça. Ça c'est clair. Euh... Ok, il y a quelques années, ça serait passé inaperçu, parce qu'il n'y avait peut-être pas les mêmes options de recherche, etc. Il n'y aurait plus eu de problème. Mais ils auraient, ils auraient dû jouer, euh, je ne sais pas, en guest, des pseudos, enfin, des, voilà, en invité. Les parties ne seraient peut-être pas référencées. Ou sur d'autres sites, ou, euh, ou différemment, ou s'inviter en réel, euh, et puis que personne ne sache. Parce que maintenant, c'est, ouais, bah c'est le monde moderne, c'est enfin, comme ça, quoi. On ne peut pas faire ça. Donc, euh, oui, c'est, c'est une grave, enfin, graveur stratégique j'ai envie de dire bon un truc c'est un truc qu'on n'avait jamais vu dans aucun match avant parce qu'il n'y avait pas non plus autant de moyens techniques avant mais là, là voilà quoi euh, donc euh, ouais ça peut être un problème pour Ding pour la suite du match qui n'aura plus les, les ventes surprises en, en stock c'est peut-être un leurre ouais bah après je sais pas enfin <laughs> Euh, moi, j'en sais pas plus, hein, donc je peux pas vous dire plus. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est ça l'histoire qui vient de sortir euh, et fuiter aujourd'hui. Alors, de Ding ou de son équipe, ou les deux, qui a la qui responsabilité bah, En fait, ils ont fait ça innocemment, ils n'ont pas réfléchi. Que, mais, mais en fait, là, tous les détails comptent à ce niveau-là. Donc, ouais. donc, la faute à tout le monde, j'ai envie de dire. Et à personne, ça, c'est. Mais, euh, mais ça aura son importance évidemment. Je dire, ça aurait pu se passer avant avec euh, si avais un mec dans ton équipe qui était un espion ou qui, qui était un double euh, qui donnait tes prépas à ton adversaire ou ce genre de choses pouvait arriver. Mais euh, du coup tu devais vraiment faire gaffe, avoir confiance en, entour, en ton entourage, ou euh, répartir les tâches et que tout le monde ne soit pas au courant de tout. Du coup au cas où il y a un problème, il y aurait un problème qui serait facile à, à bloquer. Mais, euh, mais là, oui, maintenant, euh, maintenant voilà. Mais euh, ben ouais, mais du coup, oui, c'est une erreur bête. Quoi. Après, ben ouais, j'espère je, qu'il avait d'autres euh, ouvertures euh, préparées ou qu'il pourra toujours faire euh, autre chose euh, d'ici la fin. Mais à sa place, je ne plus rien euh, qu'il ait déjà joué sur Internet, ça c'est clair. Et du coup, alors pour en revenir à la partie, ouais, c'est un épo. Euh, bon, on va essayer de comprendre un peu plus en détail. Donc comme on disait, hein, les blancs, a priori la menace, c'est de prendre, mais je ne sais pas à quel point c'est une menace. Enfin, une réelle menace. Puisque peut-être les Noirs ne sont pas mécontents de reprendre, comme on a dit. Euh, donc qu'est-ce qu'ils peuvent jouer, cela dit, avec les Noirs Donc, bon, son, on part avec le cavalier. Donc on a deux cases dispo. Soit on va contester la colonne, soit on monte peut-être la dame pour lier les tours et contester. Bon, on va analyser un peu si vous voulez. On va regarder, je ne sais pas, les dames des 7. Donc, qui lit qui les tours Alors, c'est une connerie immédiate sur un joli truc tactique. Hop là. Tour H7 et fourchette. Donc, dame des 7 éliminée. Hop, pas de dame des 7. Alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre On peut bouger le cavalier. Il se passe quoi sur Fou prend E4 et Ki prend des ah bon, On peut regarder aussi si tu veux. Fou prend E4. Bon, on reprend. Caille prend des 6 Oui d'ailleurs c'est dans la liste des coups envisageables. Après, moi j'avais un peu peur qu'on prenne ça. Parce que ce que je voyais, c'est qu'on pouvait pas faire d'ame F6, puisqu'il y a encore le même coup de, de tour H7. Bon, au pire, il y avait Dame Prend Cavalier d'ailleurs, vous me direz. Et euh, bon, ok, terminé, on gagne la dame et le roi, euh, la tour va à un moment arriver et, et faire mat. Donc pas de dame F6, cela dit, il y a Pion F6 hein, qui est jouable. Il y a Pion F6 qui est jouable, les Blancs ne peuvent pas prendre ce Pion, il s'aligne avec le Roi. Donc peut-être Damage 2 pour aller créer des problèmes là-bas. Euh, un point de détail important, il n'y a pas Tour H8, puisqu'on prend, la Dame doit reprendre et elle laisserait le cavalier en prise. Du coup, ça a l'air dangereux pour les Noirs. Alors bon, il se trouve que ça ne gagne pas pour les Blancs d'après le petit ordi qui dit cavalier F7 défend. Échec, Roi G8 et tout tient. Bon, souvent un cavalier à proximité du roi, c'est un super défenseur, et là on a encore un exemple, mais du coup voyant ça, j'ai du mal à croire que Nepo va rentrer là-dedans, parce qu'on se dit ouais, ce fou un moment, il va se ramener, je sais pas, je des deux, gagne un temps, fou ici, attaque ça, c'est trop dangereux pour les noirs, ça je peux pas croire qu'il va, qu va rentrer là-dedans. Donc à mon avis, ça n'aura pas lieu, cette variante. Euh, donc il ajoute au H3, pardon. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire On a dit qu'il peut bouger le cavalier, alors est-ce qu'il peut faire ça bah, Il peut toujours hein, faire ça. C'est un coup, euh, voilà, il esquive la menace. Euh, C'est pas bête. Il peut peut-être bien, bien ancrer ce cavalier ici. J'aime bien l'idée en fait. C'est peut-être un coup que je pourrais envisager perso euh, si j'avais cette position avec les noirs. En me disant, si j'arrive à faire ça, f 6 par exemple, je bloque tout. Sa colonne H, il a misé tout son jeu là-dessus. On n'en parle plus. Donc euh, cavalier H4, pas con. L'ordi, il propose G5 pour euh, bah, attaquer hein, bloquer la dame et tour à à ce moment là pour le défendre euh, et pas clair, <laughs> et pas clair. Euh, là il n'y a pas de grande conclusion à tirer c'est chaud euh, c'est chaud mais bon là par contre les noirs menacent très clairement fou prend E4, dame prend E4, dame prend G5 hein. on ne peut pas laisser ça à côté blanc donc faut soit jouer peut-être dame G3 et sur fou prend cavalier se venger sur celui là euh, et puis il faut bouger le fou. Euh, alors je sais pas si on va là ou de l'autre côté. Bon, pas clair. Mais euh, bon, encore lui. Euh, ouais, franchement ça, ça m'inquiéterait côté noir plus ou moins. Peut-être prise, prise. Je sais pas où j'irai avec le fou. Peut-être là. Pourquoi là euh, bah J'ai pas vu que lui bouge en fait. Disons, si je fais ça, c'est juste un exemple. Je me prends échec, je m'en vais, lui il bouge. Je sais pas, F3, F4, je sais pas, quelque part. La tour elle débarque. Euh... Chaud. <laughs> du coup, le fond F3, peut-être qui bloque euh, ce genre d'idée. Sur quoi j'aurais dit tour D2, moi, pour garder ce pion et me derrière le pion passé. Et, euh, et j'en sais rien, comment je cette position Il y a un pion de plus pour les noirs. Il y a beaucoup de pions doublés de partout, il y a toujours des menaces latentes vers le roi, mais je crois plus qu'on va mater maintenant. Donc ça c'est jouable pour les noirs, à mon avis. C'est jouable pour les noirs. Euh... Position, où il peut se passer des trucs, mais plus ou moins correct. Après, bon, juste pour revenir leur l'ordi, il donne des choses, il dit Damage 8, 0, -0 Il dit E4, 0, -0 Donc en gros pour dire que, que ça joue. quoi. Donc, ça, c'est vraiment une ligne possible, cette histoire de cavalier h4 après tour, tour h3. C'est pas un mauvais coup du tout. Les variantes qu'on voit, elles sont pas inhumaines ou c'est pas juste des trucs d'ordi, donc ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Cavalier h6, on avait dit. Alors, ça paraît plus bizarre, cavalier h6. Hein. Là, il pouvait venir ici, on voulait faire g5. Là, il se met vraiment hors jeu, donc j'aime pas tellement. Que ce soit à cause de f3 pour le, cl le cloisonner loin du jeu ou même pour aller l'enfoncer. Parce que tout à l'heure, on pouvait prendre, le problème c'est que maintenant, on se prend un échec. Un échec. Donc s'il vient là à rebouger, on va reconstruire l'histoire, toucher au pion F, ramener l'autre tour derrière et on a juste fait un aller-retour pour rien. Donc KH6 est débile. Euh, KH6, on n'aime pas. Faut prendre E4, jouable d'après l'ordi, mais j'aime pas du tout. Donc cavalier H4, coup correct. Pour l'instant, je pencherai sur celui-là. Et dernière option qu'on a dit... Alors Dame D7 est débile aussi à cause de tour H7, facile. Dernière option, c'est tour H8. Euh, laisse le cavalier en prise. Donc, est-ce qu'on prend d'abord, est-ce qu'on prend ici J'en sais rien. Regardons, euh, regardons ça. Cavalier. Euh, alors, je ne sais pas si on va vers l'avant ou l'arrière, mais ça, c'est des positions chaotiques, intéressantes. Forme dame là. Dame G3. Ouais, j'en sais rien. C'est tentant aussi pour les noirs, j'ai envie de dire. Parce que. Bon, alors, ils ont deux pions pour la pièce. Euh, ce qui est pas censé être assez. Hein, normalement, il faut au moins trois pions. Mais des 6 je ne sais pas combien de temps on va le maintenir en vie. Il peut plus avancer plus loin. Le roi va venir essayer d'aller euh, d'aller ici. Il y a une masse de pions centraux. Les pièces sont un peu inactives. Donc c'est clairement un choix intéressant. Euh, basiquement, voilà. Sur ce qu'on vient de voir, il y a deux coups qui me semblent intéressants c'est tour h8 ou cavalier h4. Le reste peut être plus ou moins éliminé. Il y a Foupran hein, qui a un coup correct, comme on a vu avec l'ordi, mais bon, je ne peux pas imaginer qu'il va rentrer là-dedans. Euh, une des deux. Euh, après, ça dépend son rapport avec le matériel. Si ça ne le dérange pas d'avoir une pièce de moins, ou s'il préfère l'autre. Je... Moi, sur ce que je vois, limite, je partirais sur Tour H8. Mais bon, je peux pas dire de mal de Cavalier H4, hein, c'est un coup correct. Mais Cavalier H4, euh, ça me semble plus indécis. Alors tour à suite, surtout la situation du match hein, où Nepo a déjà un point d'avance, donc bon, nul avec les Noirs, euh, on prend. Hein, voilà, maintenant si on fait du statu quo, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, ce genre de position-là. Je me sentirais pas trop en danger avec les noirs, en fait. Peut-être que je juge mal, hein. Mais, euh, alors ça, j'ai pas regardé. Mais, euh, mais j'en sais rien. Je sais pas si on fait F6, 3F6 d'ailleurs, c'est peut-être un coup. 4F6, Je suis plein de tout. Euh, voilà bon, ok on a une pièce de main, mais bon lui il peut vraiment être vite euh, complètement en dehors du jeu quoi bloqué par ce fou là, bloqué par la masse des pions à l'aile roi mmh. Compliqué hein. h 4 on me si on a dame g3 direct, ok on peut regarder euh, Alors il y a peut-être fou prend, mais sinon l'autre coup aussi que je trouve un peu safe c'est g5. J'aimerais bien mettre en place Bon, je fais un coup neutre pour les blancs, mais juste, bon, on va dire que je défends mon truc. Si jamais je peux faire un truc comme ça, là, je pense que je suis hyper content avec les noirs. Ça, ça, serait genre un de mes objectifs. De blinder, qu'il n'y ait plus de passage sur la colonnage, au pire, je vais empêcher les sacrifices de qualité là-bas. Après, je m'occupe de lui, je prends des 6, et... et puis, je suis très heureux, quoi. J'ai l'impression d'avoir très très bien sécurisé ma situation. Donc, dame G3, je serais content de faire G5. Plus que de prendre un E4 et de laisser H4. Après, bon, ça, c'est un goût perso. Mais j'aime pas tellement côté blanc, quoi. Et Dame prend, le problème, je pense, c'est F6. Hein. Attaque la Dame, tu peux plus rester au contact du cavalier, sauf ici. Mais là, bon, il y a les tours 8 qui vont marcher. Ou Fou prend E4 et Tour E8. Et, et c'est la merde. Alors, et c'est le, le retour, euh, retour de Kev. Ouais, il va me lâcher une info, Kev. On discute avec Vlad, évidemment, de la position. Ouais. Et je peux te dire merde. ce que Vlad aurait joué. Ouais. Mais j'échange info pour info. Vas-y. C'est quoi l'ingrédient principal de Larissa Parce que c'est tellement bon. Ah, ben ça, faut demander au. Au chat, bah, je sais pas en fait là, ça. Donc il doit y avoir du, du piment. Bah, si vous voulez l'info, euh, euh... a... comment faire sa maison et je vous lâche l'info de Vlad. Donc moi je ferais, je te le dis comme ça sans jamais en avoir fait ni entendu, une réduction de tomates, un peu comme du concentré de tomates quoi, avec du, du piment. C'est tellement bon. Et peut-être un peu, un peu d'huile. On est d'accord que c'est exceptionnel. Piment rouge tomate, euh, on nous dit. Ouais. Ah putain, piment rouge tomate huile d'olive. C'est ben, dur à faire ou pas je, je suis hyper content de moi quoi. Bon info de Vlad, c'est fou prend E4, maintenant qu'il a joué cavalier H4. Ouais. Dame prend E4, Dame prend D6. Puis on prend et puis on prend. Et il va avancer. Mais je pense qu'il a pas joué à cause de, bah sûrement la première ligne, première ligne de l'ordi tour d C7. Et tour Hd3. Ok, je sais pas hein, pourquoi il a pas fait. En <laughs> tout cas Vladis c'est le plus humain. Ouais. Ce que tu regardais. Euh... Bah ok, H4 <laughs> il, il a fait quoi, pour le coup. <laughs> Moins humain. Mais euh, Tour H8 ça va pas Putain, je veux dire, moi ce truc que je regardais, je trouvais ça pas con quoi. Mais dis, dit tu laisses pas un pion en D6 en vie comme ça. Oui. Bah, il a joué G5 et ça va faire la ligne qu'on avait depuis tout à l'heure, ouais. Tour H8, Dame G3, MG3. Ou... Ouais. Bon, au moins il a joué vite, euh, Ding, c'est bien. Nepo est, est reparti. Euh, faire autre chose. Et Tour H8, ils disent peut-être Cavalier F6 dans le chat ici C'est peut-être une option. En fait. Euh... Non, il y a beaucoup d'options en fait. Hein. C'est une option très compliquée. Euh... Parce en fait, suis en train de me dire, tu vois, genre E4, ça. Cavalier F5, tu te crois de malin. dame ici, tu Et... reprends H3. Bon, tu te fais mater, ou je sais Et pas, pas peut-être. Enfin, ouais. Mais. Euh... KF6, E4. Attends, c'était quoi Tour H8, KF6, E4. Dame G3. Bon, peut-être on fait KF3 à échec d'abord, non ouais, On te ça. bouffe la case. Et... Ouais. Là, surtout quand t'as te... ouais, pas trop de cases pour le roi où t'as envie d'aller, en fait. Parce que D1, un jour, tu te prends un échec. Et E2, tu bloques. Bon, tour H8, de toute façon, c'est forcé. Et dame G3 direct C'est ce truc avec Fou prend E4. Tour H4. Faut faire Bah, quoi d'autre Non, ah, dame prend E5. Je sais plus si je l'avais pas regardé déjà ou pas, mais Dame prend E5, F6, Dame prend FG, ok. Ouais, bah peut-être avec les blancs, en fait. j'irais là-dessus. ouais. J'irais plutôt là-dessus avec les blancs que l'autre. Mais là, genre, il fait tour D2. T'as fait quoi Il fait Dame F6 et D7. Bon, en fait, on a un gros problème avec notre fou avec les blancs, quand même, qui est pour nul. Ouais. C'est un problème que je le vois chaque fois. Donc, euh, Arissa, purée de piment, ail, huile, épice. huile et épices. Ouais, mais épices c'est vague hein pas. Et il y a jamais de tomates. quoi. Mais purée de piment quel piment En tout cas c'est bon. Pas de tomate. Que, que du que du piment. Sec. En tout cas, c'est bon. Avec du pain et de l'huile d'olive, c'est bon. Ouais, c'est bien, ouais. Après, euh, oui, en plus, en plus, tu peux doser, quoi. J'imagine que tu peux en faire des plus du. plus, ouais, plus, ouais. plus arrachant que d'autres, quoi. Vous, vous donnez faim, bah ouais. Enfin, nous on a plus faim, mais ouais. On a bien mangé. Ouais, la sauce chiracha, ouais. C'est plutôt asiatique, non Bon, G5 au tour A8 forcé, il va venir, il va le jouer, hein, tôt ou tard. Oui, hein, parce que. Ah, parce que G5, juste, à intercepte. Hein. Donc la dame des 8 ne défend plus le h 4 On n'est pas venu en H4 pour repartir en F5. Si on fait ça, on va juste faire F3 ou F4 ou je sais pas quoi. Et... et la tour A2 va enfin dévoiler pourquoi elle est là. Ses intentions, ouais. Ah, C'est bien, elle est bien cachée depuis tout à l'heure. T'appuies ouais. dans l'ombre et puis à un moment. Euh, Mais tu sais que ces trucs, ça arrive. Genre quand t'es fatigué, bon, euh, quand t'es en pleine forme et tout, ça va. Mais quand tu commences à perdre la concentration et que, et que tu, tu craques un peu ou que tu commences à avoir du mal à bien calculer, c'est le ce genre de truc que tu peux oublier. Ah puis en plus, il l'a bien mis entre A1 et A2, on ne sait ouais. pas trop. À un moment, il a doublé un peu, il la recache de plus en plus. Et à un moment, paf, paf. Ouais, t'as ah. rien, tu n'avais pas vu venir ça là. Attends, moi, je te l'amène directement en H7 d'ailleurs, regarde. <laughs> T'es fatigué, tu vois pas qu'elle tourne bouge pas comme ça. La mère Michel qui normalement, c'est pas contre les règles de se lever de sa chaise genre que c'est à son tour de jouer. Alors oui, mais il était parti avant en fait. Il a joué son coup avant, Nepo, il est parti, bah Ding a répondu. Ouais, mais je mais je pas 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 du coup, là du coup il est plus là, donc je là c'est pas c'est pas, pas illégal. Ah, je ne reviens pas. Je suis parti. J'ai vu que t'as joué mais je vais pas revenir. Mais genre si t'es là que ton adversaire joue et tu, que bon, tu regardes un peu, tu sais non, pas trop quoi jouer, toi dire, oh, oh, tiens, je me barre. Ça non, ouais. Ça, t'as pas le droit. D'ailleurs, une bonne technique. Si tu joues quelqu'un, tu penses qu'il triche, tu joues tout tempo ah, pour tu... le laisser assis, ouais, assis sur sa chaîne. Et ouais. il se lève pas comme ça. Et s'il se lève, tu appelles l'arbitre. Bah, Imagine, tu vois, avant une partie, tu check les pseudo liches et tu te rends compte que le gars a un pseudo qui a été ban. Là, <laughs> bah, t'es tenté de jouer tout tempo pour le laisser assis, quoi. Bah oui, oui. Après, on est sûr, tu prends le risque de jouer moins bien vu que tu joues tempo. Ouais, mais tu te dis, mais, mais euh, je préfère jouer moins bien, bien que mon niveau intrinsèque, mais quand même, tu suis sûr de jouer. Contre la personne que tu tu vois tu sais pas sinon on, ce qu'il est capable de faire. Donc, ouais. ouais, tu joues et tu le laisses pas, tu le laisses pas partir. Ouais. C'est une technique. Non, mais technique éprouvée et intéressante. Ouais. question question est que, ouais, Tarus, machin. Euh, pff, complexe. Ça veut dire quoi jouer tempo c'est à dire jouer très vite. Ouais, sous, sous moins de 5 secondes, quoi. Bah, même moins, normalement, quoi, mais. Le mec peut se barrer sur son temps Bah non, enfin... Ça non, t'as pas le droit. Quoi. Mais juste, si tu t'es barré, que le mec joue, que tu t'es pas rendu compte qu'il est joué ou quoi, bah là on peut rien dire. T'étais pas là, t'étais pas là. Est-ce que là, s'il se mange un gros kebab, il a le droit ouais. Sur la table de jeu, t'as le droit ou pas Ou c'est considéré comme... Euh... En fait, je pense que t'as le droit de tout, mais si ton adversaire se plaint, c'est à l'arbitre après de voir si ton comportement est... Correct ou pas. Mais Donc je pense euh... que si tu veux manger un sandwich et que ton adversaire dit rien, qu'il s'en fout, bah... si ton adversaire dit quelque chose, c'est bah si à l'arbitre. Euh, ouais, je pense que l'arbitre va te dire oui, bon, bah, allez manger euh, en salle de repos. Ou... Et du coup, tu as le droit de, te, de faire ça sur ton temps, j'imagine. Dans ce cas-là, oui. tu ne veux pas qu'il mange à la table, du coup. Euh... Je, je vais avoir une, une ouais. fringale, je dois, je dois manger. Ouais. Je me comme fumer un cigare, c'est interdit. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un, un adversaire qui arrêtait pas de péter la partie, ouais. ça puait toute la partie, et c'est pas interdit ça. Mais... J'ai vécu d'expérience Ouais, non, c'est terrible, mais faut. Pff. Non, mais ça, t'as pas le droit. Enfin, je veux dire, t'as le droit, t'as ouais. péter toute la partie ou chier dans son froc, ça c'est <laughs> autorisé. Non, mais ça m'est vraiment arrivé. Non, mais partie. tu vois des mecs qui. se sais que j'ai perdu à cause. Pas de, de, la, de, la, de la semaine, Tu sais que j'ai perdu à cause de ça cette partie. J'arrivais juste pas à me concentrer. Ouais. Non, mais c'est insupportable. T'aurais dû le vomir sur les gilets quoi. Vomir sur les chiquets, ça m'est déjà arrivé. J'espère qui a vomi sur les chiquets deux fois. Et je lui ai proposé nul tellement j'étais écuré, mais l'arbitre m'a pas donné la victoire. Ça t'est euh, déjà arrivé Non, mais l'arbitre doit dégager le mec, c'est pas possible. C'était dernière ronde du championnat de France. Si je gagnais la partie, j'aurais fini premier exéco. Mais l'arbitre, il a rien mais fait. Bah C'était un championnat de France jeune. Championnat de un... France jeune, dernière ronde. Et pourquoi l'autre, il vomissait bah il est trop de stress ou ouais. ou quoi mais euh, une fois deux fois ok je vais proposer une je j'en pouvais plus quoi mais l'arbitre non il a, nous avait fait changer non, euh, bon, machin, bah, euh... bon, moi moi j'ai jamais fait ça de toute façon les arbitres aux échecs, je pense à un moment donné tu viens de juste tu casses la gueule du mec comme c'est du MMA et puis tu l'arbitre va rien dire tiens j'ai gagné le mec, le mec ne peut plus jouer non mais là c'est pas possible enfin, oui. ah bah moi l'arbitre il m'a dit non ça joue il a fait changer des d'échiquier il a oh, remis bah, une deuxième euh, fois il, il a rechangé euh, d'échiquier enfin l'arbitre est incompétent la enfin, fois oui ça peut arriver hein. ah, ouais, bah, t'as une sorte de clémenceur bah, ouais, de, des échecs c'était mais... peut-être table 3 championnat de ouais. france jeune hein. enfin ouais. c'est pas enfin ouais, les, ouais, les ouais. meilleurs arbitres là c'est affaire à l'élite à l'élite de l'arbitrage là mais non ça m'est arrivé ouais ah non, mais c'est même taille. pas vomi par terre là, c'était vomi deux fois sur les ah ouais. <laughs> eh non Ouais non, a rien, et joue. Et ouais, ouais. J'ai eu ça et j'ai eu quoi Oui, j'ai eu un jour, mais ça j'avais déjà raconté, mais, le... mais j'étais petit, hein, j'avais peut-être 10-11 ans, j'avais un adversaire qui était un peu en surpoids, genre deux fois toi, qui était tombé en arrière sur la chaise et qui m'avait mis un putain de coup de pied avec des chaussures pointues qui avait fait ouais. une un hématome au tibia mais un hématome euh, oui, alors, mais ouais. moi j'ai perdu 5 fois après mais là pareil, enfin, normalement tu donnes le gain quand même enfin il a pas fait exprès mais bon bon là je suis pas sûr que je donnerais, enfin, le mec qui vomit c'est sûr que je laisse pas a bah, lui... gamin de 10 ans il fait un hématome euh, où tu dois ouais, carrément aller ouais, voir ouais, le mais... médecin parce que ça peut être dangereux okay. enfin je veux bien que ce soit involontaire mais à un moment donné il y a des limites <laughs> Non, mais là, c'est oui, un cas spécial, c'est dur à dire. Quoi, mais... Ouais, enfin, c'est un cas spécial, mais bon, t'as un gamin de 10 ans qui, qui se prend un coup de pied violent et puis j'avais vraiment un gros hématome. quoi J'aurais pu avoir. Euh, quelque chose amputation de... quoi. Non, mais pas amputation, mais je sais pas, ça aurait pu être quelque chose qui demande une intervention. Gangrène, hein. gangrène du pied. Non, ah, mais je sais pas, mais ça aurait pu y a avoir, je sais pas, quelque chose de cassé ou quoi. Mais là, pareil, l'arbitre a dit non, non, ça joue, y a pas de problème. Ouais mais... ah, tu, vois, tu joues contre un gamin Tu lui casses la gueule <laughs> Non mais bon ah, J'ai glissé, glissé chef J'ai glissé Et euh... <laughs> Donc je sais pas vraiment Ce qu'on a vraiment le droit Et pas le droit de faire Dans un tour à En réalité je, je sais pas Quelles, quelles hmm. sont les limites Non ben je sais pas trop ouais. Regarde qui Qui fixe les qui limites Qui fixe les limites ouais. C'est pas moi déjà Mais Mais euh... Pff... Ouais, bon, globalement, les gens sont censés savoir se tenir par eux-mêmes, quoi. Oui, mais. Oui, qui oui, bah, C'est vrai, genre. Ouais. Ouais. il faut respecter la loi, ça me paraît évident. Ouais, mais là, après, quelqu'un glisse, te met un coup de pied, même s'il fait un hématome, c'est involontaire. Euh, je sais pas à quel Oui, point, euh, il en fera rien comme fera loi. Une ouais, loi mais juste il mais... tombe, quoi. Mais enfin... bon, partie gagnée, ça me paraîtrait quand même normal. Le mec qui pète, mais toute la partie, le mec il a été que. Ouais, ça, ça peut arriver dans les avions, ça peut arriver. Euh, c'est terrible. Incroyable. Bon, écoute, euh, je crois que c'est si la variante avec Tora 8 hein, qui va partir d'AMG3 tel que t'as montré et remontré à plusieurs reprises. Ouais, mais du coup, bon c'est vrai que c'est intéressant euh, tout ce qui peut arriver parce que en fait moi j'étais sur ce truc là qui me semblait plutôt pas mal au noir là avec genre euh... bon déjà tu reprends pas obligé mais admettons et fou là je voulais faire pour planter le fou et qu'elle elle, elle saute plus quoi ouais. et je lui disais ah, ça ça va pour les noirs. mais c'est pour ça que je préfère largement le truc euh... ouais, que je euh, ouais, de de bouffer 5, ça. Ouais, Parce que là, il faut faire. j'imagine bon, Et on a un fou pourri, mais c'est plus ouvert et on peut avoir un rêve qui remplace la dame ou, ou j'en sais rien qui fasse un truc un jour. Mais euh... l'un dans l'autre, je peux dire que Nepo s'en sort pas mal. Euh... Chaque position qu'on voit. Je sais pas ce qu'il faut jouer ici. Euh... Mais je comprends que tu puisses tuer. Hein. Tu dois regarder les dames B7, tu dois regarder les tiens, tour des deux, est-ce pion est chiant Je en fait, que les deux tours sont bien placés. Finalement, le fou qui a pas de c'est vrai, mais il est développé en F1. Oui, bah il défend un peu les gens, il évite les K&G et G2, il peut venir en D3, enfin, peut-être fait les 3, 3 tours H4 3, non, 4, un jour. Il défend un peu les gens, quoi. ouais, tiens, il... regarde, t'étais là, je te défends. <laughs> non, mais c'est vraiment plus, il défend un peu les tours H1, il peut tu peux venir là, enfin, il est bon, remet On sait pas, pas trop, tour. voilà, bon. Il défend ses 4 enfin, ouais, puis tout d'un coup, tu vois, je viens ici. Euh... Là, il défend H3, Donc, attends, mon ça dépose, ça clique. Il faut prendre le 4. Être. Oh Et eh ben c'est plus 4,72, mesdames et messieurs alors attention, attention! Euh, soit, soit disant Blender, mais on va voir la suite. Ouais, c'est peut-être terminé. Est-ce que l'ordi se plante ou. Peut-être qu'il veut faire des dames G5, dames C1, mais que ça aboutit nulle part. Alors attends, on va voir ça. Parce que dames G5, le problème que qu'il en fait, qu a juste j'ai ouais. Bon, mais ça, c'est sûr qu'il l'a vu quand même. Dame C1 et sûrement juste 3 E2. Et quoi, il veut faire Dame prend C3 peut-être Ouais, mais tour H. Ok, l'ordi fait tour D2. Ouais. tour D2, c'est Bon, ça, c'est fait à terminer, c'est sûr. Bon, bah, grosse connerie quoi. Enfin. Oh! Cavalier F5. Okay, F5. Ok, donc il ne pas G5. Ah, mais là, il a... ah. Alors ça leur dit pas... est-ce que c'est F4 Non, c'est pas F4. C'est tour des deux, justement. Hein. Enfin, c'est le coup le plus simple. Mais attends, on va essayer Mais il y, y a Dame prend E5, il y a plein de coups quand même. Ouais, mais il a, il a dû regarder Dame prend E5, F6. Et puis on prend Dame prend, Et, et puis, puis on prend, prend Dame prend, Zirge défend. Ça, c'est ce qu'il a vu. Alors okay, on va voir ce qu'il a pas vu. Bon, tour D2, c'est quand même plus que logique. Tu peux regarder F4 d'abord, Parce que tour D2, je l'aurais pas direct. mais bon, en fait, je le veux depuis tout à l'heure. C'est pour ça ah. qu'il me paraît logique. Mais. Attends. Ah. Mais tour des 2 t'as peur de quoi Attends, as Non, j'ai peur, de, peur de rien en fait. As, ouais, Attends, t'as peur de Dame, prends G5. Dame, prends E5. Dame, 6, tour, dame F6, tour H7. 3 G8, mat. tour H8, mat Ça enlève, j'ai vu. Donc F6 forcé. Dame, H2. Dame H2. Ça, bon, ça, ça c'est le coup que j'aurais joué. Tour H8. Ah L'enfoiré. Ah, tu bouffes deux fois Et, et, tu, et tu fais des 7 Ouais, mais ok, c'est facile. C'est pas si dur. Hein. Ça, c'est facile. Il il, il, oh, il va pas être bien tour il il des deux tempo Il doit pas être bien. Il s'est levé, ouais. Il doit pas être bien, Nepo. Et ça va faire 4 partout, mesdames et messieurs. Eh, eh c'est pas de bol. Oh, c'est pas de bol. <laughs> il, a, il a raté d'un point un Ah, il a raté dame à Ah, oh, c'est trop. C'est trop ce match. Ah, oh, c'est trop, il a raté ça. Il a raté ça et des 7 et Dame ma part. Mais c'est relativement facile, je dois dire. Bah, ouais, la partie euh, est très ouais. compliquée, mais la variante là est facile. Oui, oui, elle est très trouvable, Mais euh, attendez, donc bon, je fais un dernier truc. Ça, c'est quoi le problème Juste pour, euh, pour savoir pour moi. Dame prend des D6. 6, je pars là-bas. Tour FD8. Il a dû calculer et, ça. Et, euh, ouais. et tu te barres. Et... Mais je veux dire, ça, faut regarder. Ouais. Enfin, oui, J'aurais mais... regardé en premier, mais en fait, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, moi, le truc, ouais. c'est que tour D2, je le voulais déjà. En fait, moi, là. En fait, moi, à la place de D6, je voulais déjà tour D2. Mm. En fait, moi, ça fait longtemps que je veux faire tour D2. Parce qu'en fait, c'est un de mes défauts, des fois. Mais j'ai trop de mal à pas justifier un coup pendant longtemps. Ah oui. Et ça m'énerve trop. Et j'aurais je... fait le tour des deux juste parce que ah tiens regarde ma tour elle sert à quelque chose regarde. Mmh, tu suis pas là, spectateur du jeu. Mais je veux dire que je l'aurais envoyé trop tôt. Mais, euh, mais du coup c'est pour ça que ouais. je voulais regarder F4. Ouais, parce... ouais, ouais. Bon, moi voilà. ça me semble logique mais. La voilà, tour des deux c'est merci au revoir. Mais euh, ouais, bravo mais Ça dégage. Bravo ding. Hein, ah mais bah, incroyable coup. ding. Mais mmh. quel match. Mais c'est fait ding c'est dur de comprendre ce qu'il fait. Puis en fait, il a l'air complètement à côté de ses pompes euh, une fois sur deux, psychologiquement, quoi. Et puis, chaque fois, il revient et en fait, il te fait des grosses parties. Là, il, a, match, il joue bien, quoi. Quel match Incroyable, non Mais je crois qu'on n'a vraiment jamais non, vu là, ça. Non, là, c'est jamais, jamais, jamais. C'est pas possible, quoi. Mais je comprends enfin, ouais. J'ai rarement vu les noirs suivre autant. quoi. Chaque ronde, ça. chaque ronde. Tu te fais défoncer, il n'y a aucune partie qui dure 4 heures. Je pense que euh, ça le titre de la vidéo aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. Ouais. Entre le leak et les deux abrutis qui jouent des parties ensemble. Et, euh, ouais. Ouais, et ça, pas... ça, ça peut avoir son importance pour la suite du ouais, match. Non, mais le leak, mais mais euh... déjà ça, on n'a jamais vu d'être ouais. aussi abruti quand même. C'est ouais, terrible. Euh, Parce qu'en fait, même à ton niveau, on le sait déjà. Enfin, à mon niveau aussi. Oui, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, quand euh, là, les euh, mecs qui sont top quand, euh, Bon, ça marche pas souvent, mais j'avais fait une fois avec Mazo, j'avais de, de quelques parties. J'allais en, en guest, quoi. Bah bien sûr. Non, mais c'est euh... évident. Ouais. Tu tu, tu tu me retrouves pas, quoi. Je crée pas de pseudo. Euh... C'est pour ça que c'est gros. Moi, j'ai ouais. encore du mal à imaginer que ce soit possible de faire une telle connerie. Ça paraît mmh. quand même. Oui, euh... mais ils l'ont fait, là. Enfin. Non, mais ça paraît gros, quand même. mais, mais tu, comment tu peux expliquer qu'il y a H 3 qu'il y a ça, qu'il y a tout euh... Là, c'est plus possible. C'est il y a un mois de ça, c'est pas il y a six ans. Quoi, mais enfin. Comment c'est possible, en fait C'est quoi l'histoire bon, On en reparlera dans la vidéo. Mais il y a le truc poste. épinglé, ouais. C'est hmm. même pas l'amateurisme, là, parce que c'est des trucs au niveau amateur, tu sais déjà. Même ouais. Stunt, il se prépare comme ça ouais. en regardant les oui. parties de Chesscom. Ouais. Donc c'est même pas... Non, mais en fait, ils ont juste dû penser, tiens, on crée un pseudo euh, que c'est pas moi. Enfin, je ne mets pas mon nom ouais. et on ne prend pas le pseudo GM machin. On s'en fout. Et ils ne vont pas nous trouver. Quoi, parce que oui, si tu crées un pseudo XX1213 Bidule bi machin, ça euh, qui va aller voir mais, Le problème, c'est que maintenant, tu peux regarder la position. Mais c'est dire, a dire retrouvé. que nous, dans les parties qu'on a regardées rapidement avec Vlad, il y a des parties qui ne pouvaient pas du tout correspondre au match du championnat du monde. Donc est-ce que c'est Rapport qui a fait n'importe quoi Tu vois, c'est dur à dire. Ah, mais là, tu mets 2-3 mecs sur le coup de tout regarder. Ah oui, et oui. Et de. Essayer de comprendre ce qui peut être bien ou pas. Je sais pas. Je sais pas, c'est étonnant. Euh, c'est étonnant. Après, ouais, nous, il y avait des parties qui ne pouvaient pas correspondre au match, mais peut-être c'est rapport ce qui a fait d'autres trucs à côté. Enfin, on sait pas, en fait. Après, si c'est fait exprès pour se faire rattraper, c'est beau, quoi. Et que tu préviens un mec de faire le leak à ce moment-là. Mmh. Bon, là, c'est niveau. Non, mais le leak, s'est passé tout seul, parce qu'en fait, juste quand tu regardes, tu tombes dessus dans les bases de données. Mmh. Je sais pas, c'est très étonnant. Mais c'est con, pas possible, en vrai. Ouais. Bah, c'est évident qu'il ne faut pas le faire, en fait. D'avance, tu sais qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi Nepo joue pas qu'il prend des 6 Bah ben Yadam prend le 5 échec euh, fait chez au roi et attaque le cahier des 6 et donc en plus vous devez faire F6 il hein. n'y a pas ah, d'autre coup, coup sinon vous êtes mat FR oui bien dit ils sont punis de ne pas avoir utilisé la bonne plateforme <laughs> ils méritaient en fait ouais. oui eux, ils en méritaient, mérité ouais. bon. en fait ils ont utilisé Chesscom parce que j'ai compris mais l'équipe anti-triche de Chesscom a bien marché puisqu'elle a ban les comptes ah. comme quoi ça prouve que Chesscom ouais, euh, vous est jouez trop bien. Ouais, mais oui. on dit toujours Chesscom, est-ce que tu es efficace sur la triche ou quoi C'est quand même assez efficace. Bah récemment, ils se sont mis à vraiment ouais, ouais. essayer de. Ouais. Là, Chesscom, ils ont vraiment. En fait, ils nous, ont on sorti est... le balai. Pour, ouais. En fait, même si on commente pour Chesscom ou quoi, le truc, c'est que le, la, le, le, le secteur anti-triche, c'est un secteur très secret. Donc, on n'a pas d'informations. Ça ne fuite pas, justement, bah, parce que si ça fuitait, ça serait facile de ça serait facile savoir de ce qu'ils savent faire et pas faire. Donc, en vrai, ça, c'est des choses où on a vraiment zéro information euh, confidentielle. C'est impossible de, de, de les avoir mais de notre ressenti de personnes qui jouent beaucoup sur Chesscom bah surtout moi qui joue encore plus que toi mais toi tu joues pas mal euh, et avec Baki dans les titles etc bah, et avec Maxime on en a aussi parlé c'est qu'il y a vraiment un gros boulot sur la triche là qui a été fait euh, dernièrement côté euh, côté Chesscom ça fait plaisir et ben bah, petit rush hier à 28 75 quand même côté français mais tu vois aussi mmh. parce que bah tu te fais moins fermer donc forcément euh, hein. bah c oui. donc euh, donc il y a un vrai truc qui est fait et bah là ça à le prouver puisque le, ce, ces comptes là d'entraînement bah, qui sont pas des comptes Autorisé en fait Bah ouais, bah, ils se sont fait ban quoi. Non mais par contre, il faudrait qu'il y ait une option euh... Euh... Je joue caché Il y a une option, je joue caché okay, bah, Il je... faut demander l'autorisation Bah je la demanderai Non c'est vrai moi ça m'intéresse pas du tout De jouer et que les mecs prennent des parties de chesscom Pour se préparer contre moi quoi. Enfin... Non mais t'as le droit d'avoir un compte caché mais il mmh. faut le demander mais là où tu vas te faire fermer, c'est qu'en fait les gens après ils aiment pas jouer contre. Tu sais pas, tu... du coup tu mmh. n'as plus d'adversaires. Mais t'es trop content cacher, tu peux plus jouer. Non mais c'est vraiment chiant ce truc qu'on puisse te télécharger tes parties. Ouais, et... Mais bon, ils peuvent pas non plus laisser. les Enfin, ils peuvent pas laisser tout le monde anonyme euh, et que c'est le festival. Non mais il faut être qu'eux faut... que ils surveillent tout, ils disent qui il t'es, mais qu'il n'y ait plus l'historique des parties, que ce soit pas téléchargeable, que soit rien. Ah pas téléchargeable. Mmh. Ouais non mais ça c'est pas possible, c'est même pas deux en fait. Pas mais... téléchargeable, c'est juste impossible. Bah, tu gardes pas d'historique. Ouais, mais bon, enfin, ils vont pas ne pas garder d'historique. Bah, eux qui les gardent, et, et si tu veux les laisser ouais, dispo, tu laisses. Les mais... gens aiment bien les historiques des parties. Non, mais si toi, tu les veux pour toi, pour te les analyser, ou enfin, tu les laisses ouais, sur ton public, mais... sur ton profil public si t'as envie. Mais si moi, je veux pas que tu y accèdes. Ouais, mais faut que ton, du coup, ton adversaire n'aurait pas accès non plus. Ouais, non, je sais pas. Donc, tour H8. Oui, bah, celui qu'un des deux veuille pas pour que personne n'y accède. Ouais, mais bon. Bah sinon, tu notes manuellement après ta ouais. partie le truc. Hein, moi je... bah non, mais sinon, tu joues pas. Prendre... Bah, c'est voilà. un peu mon cas. On est d'accord. Du coup, tu joues pas. Mais, euh... mais c'est chiant. Donc, tour 1-8. Du non, coup. Tour 1-8. Roi prend, Dame prend le 5 ça a l'air dégueulasse. Ouais, bon, Dame prend. Je sais pas de quoi il prend. Allez, dame, dame prend. prend. D7, j'aurais quand même envie. Parce que ça veut dire que quand je vais te faire dame point et 5, tu n'auras plus g 8 Juste, on est obligé de faire 3 points les 8. Enfin, j'en genre, sais genre en fait. Même pas. Mais attends, ça a l'air assez direct comme truc. Tu forces tour des 8. Bon, c'est sûr que c'est mieux que tout ce qu'on a vu plus tôt. Hein. Oui, bah <laughs> à la journée une finale, on a pu en D7. <laughs> on a fougé deux fou C6 pour les s'y accrocher. Ça, ça va être bien. Attends, Alors, quoi, ça va paraît il direct. que c'est tour prend, dame prend, 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 tour, tour D3 des 3. le coup gagnant Alors, non, ça, euh... bah ou pas, j'en hein. sais rien, mais peut-être c'est dur. Bah, tu veux tour H3, dame prend le 5, euh, mat quoi. Euh... Ouais, a... euh... enfin, change, merde, en, en fait, fait ouais. c'est le tour H2 qu'on a depuis tout à l'heure, sauf que H2 on le tient plus. tour h Non, j'ai de la merde, désolé. En fait, c'est facile. Ouais, enfin facile. Ça dépend à quel point il juge que la finale est bien oui. dans l'autre. Oui. Parce que si l'autre il se dit, ah ça je suis très bien, il peut aller dans l'autre. En fait, il y a beaucoup d'options, donc c'est ça qui rend le truc pas facile. Mais s'il si y avait que cette option là, une fois que tu l'as vue, enfin euh, tu peux y penser. Mais bon, ça va, il a 35 minutes quoi. Il des 3 directs alors, le problème c'est quoi Ah, mais il y a Dame Franché 5 oui. Qui recommence. Et à tout à l'heure, ce qu'il y avait de, de pas bien, c'était que. Qu avait... Ah, c'est qu'il y, y avait Dame 5 Dame H2 et Bouffe deux fois. Donc là, ça change tout. On aurait un tour des trois intercalés qui change ouais. beaucoup de choses. Bah, on aurait perdu un tempo. Enfin, oui, bah, on aurait juste perdu un tempo. C'est trop, quoi. Ok, donc on va voir si là, le tour Il H8. Si le e 5 direct c'est grave, bah, tu laisses F6. Alors, est-ce que c'est grave C'est un grand mot. C'est juste c'est pas aussi gagnant. Quoi. Non, mais en fait, c'est pour ça que tu peux te, te retrouver à. À jouer un truc comme ça. Bon, faut Il faut qu'il ait le tour des trois. Et si là, on aura une nouvelle fois une partie courte. C'est vrai que ce championnat du monde classique nous offre que des parties rapides. Oui, c'est incroyable. Et c'est peut-être pour ça qu'il est si apprécié et que tout le monde dit waouh, génial. Ouais. En fait, ça dure pas 8 heures. Quoi. On n'a jamais le temps de trop se faire chier. ouais. Et, euh, ouais. et donc, pour Larissa, hein, j'ai vraiment la confirmation parce que j'ai un ami un cuisinier qui suit et qui me dit piment rouge, aille, huile. Mais quel piment rouge en fait bah, C'est ça en fait, c'est l'info que je vais avoir. Bah là je pense que t'as le choix. Ouais mais c'est quoi genre le, le piment rouge le plus main quoi C'est quoi genre celui qui est réputé pour donner le goût le plus fin Ouais, bon ça vous pourrez nous dire, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui font de la riz à la maison ou pas Alors moi j'en ai jamais fait, bah sinon j'aurais connu la recette. Hein. Mais euh... Mais ouais, enfin a priori sur ce que je crois voir, ça m'a pas l'air si dur à faire. Car je pense se plaint for du format, mais qui... ce serait pas lui qui est le rang. Le plus ennuyeux... Non, parce qu'il y avait beaucoup de matchs quand même ennuyeux avant. Euh, Kramnik, Leko, etc. C'était... Non, mais là, sûr. en fait, il y a, j'ai envie de dire, un double truc. Bon, déjà, les joueurs sont très combatifs. Bon, ça, c'est tout à leur honneur. Mais en plus, il y a le fait qu'il n'y a pas de faire proposition de nul avant le 40e coup. Qui change beaucoup. Parce avant, il y avait des nuls rapides parce que tu es dans une crainte réciproque. Personne ne prend trop de... 3D, tu dis, bon, ouais, je propose nul. Je peux eu ce que je voulais dans l'ouverture. Et bon, bah l'autre, il est content, il fait nul aussi. Il a noir. Bon, ok. Bah, là, peut-être qu'ils ont été dans cet état d'esprit. Nepo euh, dans la française ou... Où... Et qu'il aurait pu proposer nul euh, s'il avait le droit, mais bah, tu peux pas, tu joues quoi. Et du coup, si on te force à jouer, peut-être vraiment tu vas plus faire de conneries que sinon. Donc il y a ça qui joue par rapport au vieux match. Et donc par rapport à récemment, oui, bah Carlsen c'est son style de jeu de, de jouer pour ne pas faire d'erreurs de jouer des parties lentes, enfin longues, t'amener peut-être en finale, même des positions un peu mortes, mais lui il cherche toujours à te faire jouer un coup de plus, un coup de plus, etc. Et c'est et comme ça, ouais. Mais euh, je dois dire euh, enfin dans les matchs précédents on avait eu énormément de finales où après 3 heures de jeu, c'était clair que ça allait faire nul. Mais 3h30, mais ça jouait peut-être encore pendant 2-3, voire même 4 heures. Hein. C'est arrivé. Euh, des... Ouais, après ça, ça peut être le but, c'est de fatiguer l'autre si tu te sens. Bien sûr, non, non, mais ça fait partie d'une stratégie de match, hein. Mmh. C'est pas, pas une critique envers les joueurs, mais du coup ça ouais c'est pas un plaisir à regarder hum. alors que là c'est vrai que ouais, ça se rend coup pour coup ça se rend coup pour coup et ça et ça clique quoi ouais. et, et euh... ça dure jamais longtemps ouais. j'ai eu une question aussi dans le chat euh, qui nous demandait s'ils ont droit de répéter si si par contre tu peux faire nul avant le 40 40e si tu fais trois fois la même position ou pâte ou enfin, tu vois enfin, s'il y a une vraie règle de nul ou il y a nul il y a nul quoi, pat, quoi. bon pâte c'est dur <laughs> mais je veux si sonaka on, on quoi. fait quoi hein. donc euh, tu vois ce que je veux dire quoi T'as le droit, quoi. Tu peux applaudir la stratégie sans qu'elle soit intéressante à regarder pour autant. Bah, C'est exactement ça, C'est ouais. qu'il y a eu beaucoup de matchs qui sont vraiment très ennuyeux. Mais en fait, quand tu vois ces parties-là, très franchement, tu aurais une cadence de 1h30 plus 30 secondes par coup et juste un rajout d'une demi-heure au 40e. C'est la cadence pour laquelle plaide Mathieu Cornette depuis un certain moment. Bah, franchement, euh, pour ce match-là, ça aurait rien changé, par exemple. Non, pas grand chose. Ouais. Et pour les autres matchs qui sont un peu ennuyeux, bah, au contraire, ça, force, oui, ça euh... empêcherait en fait, ces parties euh, qui durent un peu trop. Disons, je... ça te fait quand même, 1h30, même 1h40 plus 30 secondes. Allez, on va mettre 1h40 plus 30 secondes. Et, euh, et les 30 plus 30, plus 30 secondes, ça peut quand même te donner des parties de 5h30, 6h. Hein. Oui, donc, oui donc si ça pas, dure bien. Ouais, ouais. C'est pas non plus une cadence courte. Quoi. 5h30 de jeu, c'est quand même sympa. Quoi mais ça t'enlève euh, ça fait que la plupart des parties elles durent entre euh, ouais, 3h45 et 5h quoi. un peu comme ce match là en réalité ouais ouais mais là c'est une bonne euh... bah, c'est bien ce match en fait parce que oui c'est vrai qu'on a pas les parties trop trop longues c'est animé on sait jamais à quoi s'attendre il y a et... beaucoup de retournements de situation et, voilà. et même là bon elle n'est pas encore gagnée l'ordi monte très haut dans les tours mais parce que. il ouais, y a rien de si trivial que... hein. euh, non, non. c'est pas fait enfin je, bon, j'espère pour Zing en fait. Hein. moi je suis ouais, content. Je suis tour H8, tour D3. Ouais. Par contre, si la tour D3, je pense. Fin, oui. Par contre, si la tour H8, Dame H8, tour D3, là, là, là je pense qu'il n'y a plus manière de rater. Parce que ça va être tour D8, disons, pour arrêter le pion, tour H3. Et le problème, c'est que. Bah, on va se retrouver dans du. tu perds ta dame, ça. quoi. Ouais. Et ça, je pense même pas que. Non, bah, ça, ça tu euh, abandonnes. Mais, euh, oui. Donc, il faut avoir cette idée. Il ne faut pas se perdre avec des D7 qui vont mal ou quoi. Donc, euh, voilà, quoi. Prochain mois dans Europe Échec, l'interview de Kevin qui dit les échecs classiques c'est reparti. Et moi j'ai toujours été très très clair hein, sur, euh, sur ce que je pensais. Moi je pense qu'il faut trois circuits en fait un circuit rapide, un circuit rapide et un circuit en partie longue. Tu veux dire un Blitz Je deux fois rapide. Blitz. Euh, ouais, ouais. ouais, Blitz pardon. Et, euh, non, non, oui. et rapide et, euh, et laisser un peu. Enfin, juste mais ajouter des choses mais, mais pas avoir des calendriers qui se marchent dessus quoi. Avoir des saisons bien. Bien définies bien et puis vont après, partie classique, euh, oui c'est pas obligé que ce soit des parties de 8 heures non plus quoi. Ah mais ça, 1h30, 1 h Ça peut heure, être 4-5 heures, c'est bien, enfin ouais. Moi j'aimais bien le 1h30 en fait. 1h30, 1h30 30 secondes, bah, 30 ça. minutes quand même au 40ème, ou 15 bah, minutes. Mais pourquoi moins, pas ouais, en fait voilà. ça évite de saccager les finales peut-être, en même temps ça te force à, à mieux les travailler, avoir des bons réflexes plutôt que de faire que du calcul. Donc je sais pas en fait. Enfin les deux peuvent se défendre, mais rajouter au 40ème pourquoi pas, mais déjà 1h30, 30 secondes c'était pas mal. Et surtout, comme il dit, comme au tennis, avec que des tournois en jeu. cest fini la multitude de tournois qui servent à rien. Mmh. Euh, que des... Là, t'as un tour à chaque fois, t as, t as un numéro 1 mondial à la fin du, du truc, et t'as un numéro 1 mondial global, d'ailleurs. Ce serait aussi la grande différence, c'est que bah, tu marquerais des points en blitz, tu marques des points rapides, tu marques des points en longue et à la fin, tu as quand même un numéro 1 mondial. Mmh. Global. Donc après, tu as ah oui, lui, il est plus fort en blitz, il plus fort en rapide, machin. Euh... Et quitte, après, à garder quand même un match de championnat du monde, euh, ça fait plaisir, quoi, pourquoi pas mmh. Bah, tu peux peut-être faire à la fin le match entre le 1 et le 2 de l'année, ouais. ou, ou j'en sais rien quoi. Qui donne moi. beaucoup de points et qui te met numéro 1 mondial. Ou euh, euh, non où tu, le 1 du coup se qualifie et tu prends les 2, 3, 4, 5, tu fais une sorte de play-off euh, comme au rugby. Tu sais. ah, après, pas que les mecs arrivent non plus. Non, après, mais, mais pas trop long, euh, sur deux jours. Ouais. Tu vois, il... <laughs> c'est bon quoi. <laughs> on débarque le lundi, euh, le mercredi on joue la finale des candidats, euh, et puis on sait après quoi. En tout cas, je pense qu'avoir trois types de saison, ou alors le, 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 le classique, la saison classique, elle te qualifie à la fin quand même. Pour un... enfin bon. Donc, il a fait, tu reprends la fuite. Okay. Après, sur bon, façon, ce qui pas... compte, c'est son prochain coup. Mais il est pas très nervique, hein, as vu il est, plus, euh... il, est, il est bien, il est sur un digne. On dit la fédération internationale du ping-pong a changé le circuit pour faire comme au tennis, ben, c'est incroyable. Ah, mais moi je suis sûr hein, que avoir les... au lieu d'avoir tout un tas de circuits de trucs qui servent à rien, t'as ta saison rapide, les gens sont contents. Après, tu ta saison longue, bah, les gens sont contents. Et fin de l'année, tu as ta saison blitz. Enfin, ou peut-être l'été, tu vois, comme Wimbledon. La saison de blitz, ça doit pas être longue. Enfin, ouais. Un mois, tiens, c'est torché. Quoi. Non, non, mais c'est bien. Enfin, c'est lisible en plus, parce que le nombre de fois on n'arrive pas à vous expliquer euh, ouais. pourquoi ce truc a lieu, ou tel autre. Où... Il l'a pas, mais c'est le 7 c'est le truc qu'on regardait. Le premier truc qu'on regardait. Alors, il est bien quand même, mais euh, il va peut-être pas gagner sur le champ. Non mais il est bien quand même mais ouais donc tour D3 euh, tour D3 tour H3 pas si facile ouais. Bah moi d 7 c'est le coup qu'on a bah, il est naturel. naturellement ouais. Déjà le cavalier touche plus le pion, on a une case de dame, le fou qui fait rien, il peut aller en G2 C6 le défendre. Donc il y a il y a beaucoup de choses qui font qu'on a envie de le faire. On a un pion de moins mais bon le pion E5, on se dit on va le récupérer, peut-être je vais mettre ma dame en C7 ou de jouer à la finale. Donc peut-être enfin on va avoir une finale en fait d'ailleurs dans ce match. Euh, OK, mais donc là ça peut durer un peu. Mais je sentais bien le rater quand même, le tour des 3 Il paraissait dur. Enfin, dur parce que le D7 paraît bien. Mais c'est ça le truc. Ouais. Ouais. C'est si, si, ce qu'on dit, ça dépend à quel, comment il, en, il, il, il estime il évalue le, le D7. Ouais. Et, euh, et donc, okay, on va voir. Tour des 3 dur à cause de D7. Bah en fait, si D7 donne vraiment rien, tu te dis merde, mais quand même, j'ai l'impression d'être bien, est-ce que j'ai pas mieux Et tu cherches autre chose, et voilà. Mais du coup, tour des 3 il a donc même pas regardé, quoi. Pas sûr hein, qu'il la gagne en fait. Bon, bon on va voir. Bah sinon tant pis. Enfin, je sais pas quoi dire quoi. Ce sera un gros mais, raté quand même. Mais, ouais. mais bon, après, c'est quand même. C'est quand même bien quoi pour lui, bon, la bon, position. Dame C7, ça envie, ouais, c'est ça. Il se dirige là-bas. Alors peut-être on peut intercaler un damage de dame C7 avant si on juge que c'est utile. Et euh, ça a l'air pas mal, quoi. Pour une raison qui m'échappe, l'ordi, il veut vraiment foutre le rang G7. Bah, essaye des dames français, 3 dames C1, machin, peut-être, je sais pas. Ouais. Bah, après, je vais dire, t'as redame 5 quand tu veux aussi, donc. Euh... Non, mais j'imagine que là, en fait, il va cumuler des choses. Il a son D7, il va peut-être un jour faire F4 tout défendre. Il peut aussi bouffer à 7. Euh, la tour pour aller vers H2 s'il ouais. faut. Il pourra bouger son fou en G2, C6 comme on a dit pour aller soutenir le pion. Peut-être que tu peux faire un truc, c'est roi D1, roi C2, roi B3. Tu te caches, ouais. tu es plus touchable et même tu, tu continues. Il ouais, est noir, je vois pas comment il bouge en fait. Peut-être que tu fais roi A4, roi B5 et mmh. enfin tu, tu vas très loin quoi en fait. <laughs> tu les bouffes tous. Et... Mais genre dame F8, on va mettre son coup. Déjà dame prend à 7, est-ce que c'est possible Dame E7, F4, elle Il y a, a... peut-être E5. Il y a E5, ouais. Mais euh, vas-y, Dame F8, j'ai envie de nous foutre de sa gueule. Enfin, faire roi D1, barré quoi. Dame E7, F4 ouais. Il fait E5 quand même. Euh, le problème de F4, c'est que j'ai des Callio 3 qui, est aussi qui vont m'arriver mmh. dessus. En fait, ils se barrent. Ouais, mais ça, j'ai envie de faire. Dame prend G5, c'est quoi là mais Ils s'en foutent, ouais. Ils s'en foutent. Non, en fait, s'il n'y a pas de contre-jeu, moi j'ai juste envie d'amener mon rang C7. Hein. Mm. Ça va être assez simple. Je vais mettre la dame C8, voir, le rang C7. Voir. Alors il a fait D7, ça, dame 5, roi H7, dame H2, roi G7, dame 5, roi 7 bon, C'est normal, hein, il veut. Normal quand on est mieux et qu'il y a un Zeitnote qui approche. Bon, Mais refais pas dame 5, Ouais, euh, Ding... s'il ouais, fait nul. Oh euh... ah, non, mais c'est pas possible. Non, non, je pense pas qu'il puisse. Non, non, normalement là il fait dame C7. Ah. Voilà. Ah non, c'est juste qu'il a peu non, de non, temps. Non, mais il a bien fait. Il n'y a, a rien à dire. Il va peut-être deux fois, pas trois. Et il se lève. Oui, non, non. Ça lui, approche, ça lui approche le 40e quand même. Ça lui a fait gagner trois coups. Mais ouais, du coup, si on peut, j'adorerais voir celui-là <laughs> faire ça, quoi. <laughs> Non, mais sinon, oui, j'aimerais bien l'amener là-bas, là où il est tranquille. Le mettre là, faire dame C8 et roi là. Ça, <laughs> c'est. J'aime bien le plan. Oh, putain, c'est trop. Ce <laughs> serait bon en fait que tu mets pas les couilles. J'arrive. Tu oui. <laughs> si tu bouges ton rond et tu fais un truc romanesque quoi, avec le roi là. <laughs> Je vais venir avec des amis sérieux, voilà. J'ai la Dame C7, le D7. T'as parlé de la Tour des nœuds. Prépare-toi, quoi. Non, mais c'est bon, on n'est pas loin de pouvoir vraiment le faire, quoi. Ouais. C'est con qui ouais, est CE5 euh... comme contre-jeu, sinon. Tu fais ça, tu bouffes ces pions de merde sur ouais. le <laughs> pion dans la je suis b 7 à 8 dames. Quoi. Et puis voilà, au revoir monsieur. Quoi. Bien se passer. Ouais. Peut-être qu'on doit remettre une pub. hein Enfin, je sais pas. Mais ouais, ouais, c'est vrai qu'on doit ouais. remettre une pub. Ouais. Euh, Vas-y, on remet une pub. J'avais très peur qu'on ait pas le temps de les mettre, qu'ils ouais, passent tour ouais. des 3, mais là, du coup, je me dis pff, ouais. on peut mettre la pub, ça va. quoi Ouais, on peut mettre la petite pub. On revient dans une dizaine de minutes. A tout de suite Il s'est passé 2-3 coups depuis qu'on est parti, euh, à vrai dire l'ordi aime pas du tout mais on discutait un petit peu, on comprend pas pourquoi. Parce qu'on regarde sans ordi en fait quand on est en pause. Euh, il a fait Dame H4. En fait tu peux bouffer la tour. Il a raté Dame prend D8. Et il a eu peur qu'il ait perpète. Dame 4 Alors pour qu'il n'y ait pas perpète, on faut faire tour, tour E2, E2. Dame, dame B1, B1, Roi dame D2. Dame B2, Roi D3. Dame mais... D1, tour C2, ouais, bon, ok, introuvable. Il bon. F1, fait roi D2. Ah, et a... tu, tu vas te cacher. Et tu vas te cacher. Et euh, ouais. Je sais euh... pas si c'est euh... introuvable. Parce qu'il s'est calculé quand même dingue. Ouais, du coup il a fait roi D1. Mais il l'a fait vite, non Ah, et du coup il a perdu en tempo. Mais parce par que à... euh, oui, par oui rien, nous la ouais. position qu'on avait, on avait ouais. ça, mais. Mais ça va, il a refait e 5, c'est reconnerie. Bon. Euh, ouais. Mais ouais, le niveau de la partie là, quand tu vas mettre les vals comme. Euh... Ça va pas être terrible. Le damage 4, c'est regaffe. Et c'est quoi là Pourquoi le 5 c'est si con Il disait qu'il y des 4. Alors je sais pas si c'est notre turbine qui... Un cahier des 4 ça paraît logique. Non non, mais ça je peux l'entendre. Prend, tu prends prend des, des 7. 7. Et t'as combien de pions là T'en as 2 et... Bah potentiellement Bah t'auras 3. Bah, auras 3, parce fait, auras ouais. 3, bah oui mais c'est logique en fait. Tu ouais, ouais. te fais dame E5, je pense échec pour t'affaiblir. Un coup n'importe où. Bon, ça peut toujours gagner pour les blancs mais il peut ouais, se mais... des choses. Bah, c'est un combat là. Je... je comprends. Ouais. Il y a des perpètes ouais, possibles, ouais, des ouais, trucs... Non. Ça, c'est hein. probablement nul. Mais ok, il okay. a raté. E5, il faut E4. Bon. Alors maintenant, attends, est-ce que ça marche encore Puis on prend... Tour des 7. Dame E5 qui échange ouais. okay. est échange-tout. Ok. C'est plus la même. On souffle Mais ouais, ça fait déjà 1, 2, 3, 4... 4 gaffes déjà dans cette partie. Ouais, après. Est-ce qu'on les appelle gaffes ou... Oh ouais, bon, si. c'est des erreurs. C'est des, des erreurs. C'est des gaffes. Damage 4, c'est forcément gaffe puisque tu laisses perpète. Mm. Tu perds en un coup et pas prendre, c'est gaffe. Non, il y a quatre gaffes dans cette partie pour le moment. Enfin, on va dire trois gaffes et une faute. C'est rare à hein, ce niveau du. Ouais, après, en plus, c'est des trucs. enfin, Genre le perpète, je sais pas. Moi, j'aurais sué évidemment en partie. Hein. Mais euh... bon, moi, je suis pas un joueur pour le titre mondial déjà. Et, et Ding, je pense il peut calculer tout ça. Liste après, gars, un gars il... manqué okay. après Ding, il... oui voilà, il peut faire quoi, il peut, il peut trouver. Donc c'est dommage de pas avoir fait. et euh, après c'est possible de mieux défendre, euh, peut-être pour Nepo ou quoi. Après avoir, de hein, toute façon, le problème c'est... Voilà, c'est très compliqué de toute façon, hein, façon le sait. Mais euh, ce que j'ai déjà dit l'autre jour, c'est quand c'est un match pour le titre mondial, on s'attend qu'à un moment il y ait un truc extraordinaire de fait, enfin euh, que ce soit pas juste des coups évidents à jouer tout le long de la partie, tu dois faire un truc spécial pour être champion du monde. quoi Peut-être le truc spécial à faire, finalement, c'est pas faire de conneries. <laughs> c'est déjà dur. Non, mais c'est déjà très dur. Enfin, c'est un jeu dur, hein, les échecs. Pas... Mais. Euh... Mais qu'à un moment, tu vois, on soit sur le cul. C'est un peu comme le D5 l'autre jour. cest bravo. Mais le truc, problème, c'est que c'est un truc si bravo à un moment les... où on s'en fout sous de sous faire 5, bravo. Ouais, parce que tu peux juste changer ouais. les dames, tu peux faire parce ce que, que tu voulais. C'est en fait. Voilà. Donc, euh... Et en fait, on voudrait un truc comme D5 dans un moment, comme là, où tu calcules, ah, il n'y ben, a pas perpète, D3, parce qu'après 20 coups, il n'y a pas. Attendez, 3. Voilà, des trucs comme ça. Et ça en fait je sais pas si on l'a déjà eu. Enfin je veux pas admider, être ans, donc peut-être il y a eu mais je crois pas. Ah. En fait peut-être qu'on l'a jamais hein. dans aucun match en fait. Bah je sais pas, les rois H2 de Kasparov. Euh... Oui mais bon peut-être que tu regarderais avec l'œil d'aujourd'hui. Euh... Ouais. Je suis toujours content de voir Roi H2 quoi. Ouais <laughs> bon il a pas un Roi H2, bon oui, bon ouais. Bravo monsieur quoi. Non mais Karpov, on t'y fait G4 dans la finale, qui te euh... avec le cavalier, là, il file un pion, puis... bah, T'as le roi G1 de Chris quoi. Mais là, je, pense, je pensais au match, mais ouais. Euh... Non, mais je sais pas, il y a le Roi G1 qui m'est venu en idée. Dans Alors, 27. on en est où Il reste 4 euh, quatre coups, quatre coups. Hier, non. Hier, j'ai regardé toutes les parties Spassky-Fisher, j'ai eu Kramnik-Leno, Anand-Kramnik, Anand-Carlsen. -Anand et, et du coup ah, Peut-être que, peut ça... que ça ne jouait pas mieux. C'est peut-être ça, ça la conclusion. pas mieux. Tu hein. sais, le truc, c'est que maintenant, avoir la réponse instantanée de l'ordi, ça, ça biaise. Hein. Ça faisait autant d'erreurs, mais au moins... Là, là a... c'est Mega ouais. Fight. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Hein. C'est juste qu'avant, comme on n'avait pas les réponses instantanées des ordinateurs, on s'en rendait moins compte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut être si méfiant quand t'as des joueurs qui trouvent trop de premières lignes de l'ordi. Oui, c'est pas normal. Bah, c'est qu'il faut rajouter du délai, quoi. Ah, mais je suis très content du délai. Moi. Ah ouais, moi aussi. Moi, je te foutrais une demi-heure de délai dans tous les tournois minimum, en fait, déjà pour commencer. Ça serait vraiment mime Et j'enlèverais le truc sans délai pour les streamers là. Ah, mais ça, c'est honteux. Mais tu sais que j'étais pas au courant, mais j'aurais su arrêter. Non, mais euh, c'est su... enfin... ouais. mmh. fou en fait. Parce qu'après, t'as du doute sur tous les streams. Enfin, tu peux pas en fait. Ça, ça, moi, je laisserai jamais de passe droit sur le délai en fait. C'est trop important. Ah là, il y a combien de délais bah Là, il n'y a pas de délai, mais là, il y a des mesures de ah, sécurité là, euh, extrêmes. Ouais. Donc euh, là, c'est un cas où tu n'es pas obligé de mettre de délai. Mais dans tous les tournois tu n'as pas des mesures extrêmes. Genre Après, moi, ça, et tout, euh... ça, ça me dérangerait pas que même non, là, on ait un de quart d'heure de délai. Pas moi hein, enfin... non plus, hein. enfin, Moi, je te foutrais du délai partout, ce serait vite vu. Ce serait la norme, et puis, point final. Hein. Donc, Nepo qui veut ramener peut-être le cavalier en F6, voire faire qu'il prend F2, j'imagine, s'il a l'occasion. Il a Sur sûr que ça le sauve, hein, parce que maintenant il y aura un pion à passer, mais bon. Mais peut-être un petit fou C6 pour bien blinder. Comme ça, en plus, avec fou C6, on défend bien des 7, donc on pourra faire dame prend B6 et envoyer le pion A. Peut-être le pion A qui va faire la diff en fait, au final, avec ce fou bah, qui contrôle pas, la case de promotion. J'ai bah, l'impression et... que ouais. tu le bouffes et. Ouais. Là, on parlait de Fischer, c'est Fischer Time enough. Enfin, pas dans cette position, mais c'est la fameuse finale tour fou contre tour cavalier. Ah ouais, il donne Fischer, le fou à il... la fin et il joue avec les pions de le cheval. Bah pas du tout. C'est l'autre finale, mais c'est le même match. Parce et que... il a un fou en F3 qui est vissé et il se démerde pour faire un pion à passer et il le pousse comme, comme un fou furieux. Et il gagne. Ah, moi, j'ai la finale tour fou ouais. contre tour cavalier ouais. avec trois pions sur chacun. Et... Ouais, avec... Il lui crée deux triangles. Ouais, ouais. Et, et il, il faut filer le roi. Mais c'est le même ouais. match en plus. Ouais. Regarde. J'ai mis 6-0. Oui, mais c'est vrai que 6-0, c'est quand même cher. Dans le contenu, tenu, c'était... Ouais, c'est bon, 6-0 quand même. Ouais, c'est quand Fisher donne le pion H4 sur échec pour se donner le pion passé exactement à Rangel, c'est exactement cette partie. Mais il tombe le pion A, il n'y a rien à foutre. Tu ah, vois, tu prends le pion sur échec, il bouffe le. C'est fort un, un pion a, bah, un pion A avec un fou F3 qui avance comme ça, c'est. Ouais, voilà. Ça fait très très peur, ouais. t'as ouais. ouais, pas un coup de Karpov. Alors le roi H2, ouais, mais il y en a plusieurs des Rois H2 d'ailleurs, de Kasparov. Euh, le contre Karpov. Dans plusieurs matchs. Mais moi je la, la plus connue, c'est euh, je pense que c'est le match de 90. C'est le match de 90 et c'est une espagnole euh, Zaïtsef. Ils ont joué trop 4 dans ce match, donc tu, tu pourras trouver. C'est peut-être vers la partie 20 du match ou je sais pas quoi. Voilà, 20ème partie de 90 d'après Tarzulda, exactement. Et sinon, je pense qu'il a déjà fait un roi H2. Euh, mais c'était pas espagnol. Enfin, je sais plus, mais alors peut-être match de 86. Ou... Après, moi, j'ai déjà fait un tour roi H2. C'est un mec qui me fait tourner un échec. J'avais le pion H3. J'ai foutu mon roi H2. Bien <laughs> <y a> joué. <laughs> Mais euh, là, je parlais des coups waouh, parce que euh, pourquoi ce roi H2, c'était si waouh C'est juste une partie d'attaque, euh, bon, très connue. Mais genre, il a toutes les pièces, quoi, vers le roi de Karpov. Et tu t'attends, je sais pas, tu as plein de coups qui, qui vont sacrifier. Ou tu... Et en fait, il fait roi H2, c'est juste la dernière prophylaxie pour éviter euh, des histoires d'échecs sur la première rangée, qui pourraient sauver les Noirs, etc. Quoi. Et, euh... et OK, c'est fin, quoi. Je dis pas que c'est introuvable, hein. tu mettrais des gens maintenant, ils y penseraient. Mais, euh, mais c'est un truc qui, qui marque, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, euh, et ben Ding, là, il te trouve toute la série de coups pour utiliser le Perpète ou quoi. on dit, waouh, quel calcul Enfin, C'est ça que je voulais dire dans le waouh. Voilà. Et bien sûr, je comprends que c'est très dur. Hein. Enfin, je, moi, je dis pas que c'est simple et je ne l'aurais pas vu quoi, personnellement. mais mais j'ai envie qu'il le voit quoi. Mais t'aurais pas vu. Oui, c'est la 16e partie du match de 86 aussi, l'autre orage. Ok, c'est ça. En fait, il y a super rêve, trop. J'avais 86, mais je sais plus quelle partie. Ouais, c'est impressionnant à chaque fois. Hein. On se demande qui est grand maître ici. <laughs> Votre pronostic sur la victoire finale, je pense quand même qu'il va l'emporter Ding, ah, pour, le, pour la partie. Ah, hein. pour cette Et partie, bon, pour le match. Pour le match euh, je, je sais pas, c'est trop dur de se prononcer. Bah, c'est hyper dur. Quoi. mais En fait, le problème, c'est que chaque fois, j'ai l'impression que... Ah, bon, là, l'ordi déteste F3, il te dit qu'il prend F2. Mais alors, c'est... Le problème de 2 c'est que ouais, en fait, je dois dire que c'est un truc que j'ai ouais. dit sans, ouais. sans regarder, quoi, que peut-être c'est une menace. Donc. Euh... Dame prend B6. Alors. Ouais, mais ça donne envie, ça, en fait, une nouvelle fois. Non, mais en fait, avec les noirs, t'es tellement mal que ouais, t'as que... envie de faire un truc. Après, je sais pas. Je bon, vois pas pourquoi, je... je vois pas pourquoi c'est 0-0, il peut tout se passer, quoi. Mais. Je penserais être mieux avec les blancs, mais je suis vrai. Parce qu'en fait, là, je me dis, merde, mais qu'est-ce que je fais avec ces pions J'avance pas. En fait, ah oui, mais c'est. En fait, plus je regarde la position, plus en fait, le fou G2 est mort. Bah oui, c'est ça, mais c'est ce dont on parlait de là depuis longtemps. On, ouais. on pousse pas A, mais c'est incroyable. Pourquoi pas fou C6 Parce que là, t'as juste envie de mettre là, ce fou, de prendre B6 et d'avancer. Qu'est-ce qu'il qu qu a pas aimé E3, E4, E3 Genre sais moi. moi, enfin, j'essaie je, de comprendre. Parce que E3, pas, enfin, un, un truc de contre-jeu qui... Mais je vois pas quel contre-jeu, d'ailleurs, en fait. Hein. C'est quoi le problème de ça C'est le mental. Euh... Parce que t'as le fou de Kev en quelque sorte. Une mmh. fois. Il te défend, il, il te attaque. défend, il t'attaque. Un fou qui défend et qui attaque, c'est trop fort. Mais euh, bah écoute, on va voir si Nepo fait kf f 2 mais quand même, t'as envie. enfin pff. De toute façon, tu fais KF6, mais KF6, de toute façon. Ah ouais, oh, regarde, il l'a. T'attires le fou en C6. Mais je crois, je crois en fait que c'est un craquage mental total. Hein. Bah ouais, voilà. Il bouffe. ah oh, putain, c'est incroyable. Incroyable. L'énigme l'a issu. Ouais. Ça se voit direct qu'il se prend ouais, la tête ouais. et il s'est. Il s'est enfoncé sur sa chaise. Euh... C'est incroyable. Là, tu le vois qui peut te le faire vois, les deux, ouais. F2. Quoi. Enfin, je sais pas trop quoi en penser, mais je, mais je me dis... Euh... Et en plus, là, il est pire que tout, parce que le fond F3 tu le fait vraiment fermer. Bah, ouais, parce qu'en fait, même roi B3, je pense. Parce qu'en a... en fait, ici, si tu te le prends, qu'il ouais. prend F2, tu reprends, tu reprends D7, d'un prend B6, qui te fait F5, tu te plantes en D5, et tu pousses quand même le. Tu pousses le A quand même. Ah, c'est trop. Ah ouais, là, c'est le craquage, Fab. Bon, c'est peut-être un tournant du match, hein, pour le coup. Ouais, là, c'est peut-être fin du match. Bon, ça sera pas fin, il y aura qu'un point d'écart. Mais enfin, je l'imagine mal perdre quand même cette partie. Mais... Oui, mais Mais mentalement, ouais, ça fait mal. Là, hein. Ça fait mal, parce que ça en fait deux d'affilée. Au moment où tu étais obligé de prendre avec la tour. Alors bon, c'est vrai qu'on pourrait défaut C6, mais à un moment, là, tu donnes un pion E passé qui fonce. Ah, avais un pion F2 qui a disparu. Ça se trouve, c'est ta meilleure chance. Hein. Je pense c'est le meilleur coup, en fait. Mais euh, c'est dramatique, quoi. Que ce soit le meilleur coup. 4 puis je sais pas. Ok, ça j'en sais rien, c'est chaud quoi. Mais je veux dire, ça doit pas arriver ça. Enfin, c'est incroyable non, là, de là, se retrouver là. Là, 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 là c'est quand même une énorme gaffe. Enfin, dans cette, cette partie-là, il y a quand même beaucoup de gaffes, hein. je suis désolé, mais... Genre je veux bien que la position soit hyper compliquée ou quoi, mais là, ça en fait beaucoup sur une partie quand même. Non mais là, faut F3C3. Peut-être 4 gaffes ou 5 gaffes, quoi. Franchement c'est beaucoup Ouais ah C'est terrible En plus le fou il va vraiment devenir nul quoi. Non mais tu peux vraiment être mal hein. ouais. Tu te prends le pion tu En te plus Vlad en là, il a, il a, là, là, on a parlé Il y, y a un moment de Tu ce prends ce B6 là. Tu te prends F5 Mais le fou je sais pas ce qu'il devient Vlad il, là, il en a vraiment parlé Qu'il fallait éviter De se faire enfermer De se faire bloquer le fou C'est Pénible quoi ça. Enfin c'est pénible. Ça va c'est une pièce de plus et bon tu peux peut-être la rendre et je sais pas quoi donc je, je penserai pas perdre avec les blancs mais j'ai du mal à... maintenant imagine... enfin, sur le coup je me suis dit bon ok peut-être ça tient pour les Nord je vais essayer de pousser là ah, mais en fait juste dans un deuxième temps je me suis dit mais oh, en fait il fait quoi ce fou quoi. Ouais, ben, Vlad Vlad m'en a parlé il y a il y a deux heures qu'on pouvait vouloir mmh. rendre la pièce pour euh, enfermer le fou donc c'est pas quelque chose de dur. Mmh. à voir si euh, genre là est ce qu'on fait un coup comme tour des deux dans le bon de toute façon on va l'avoir hein, ce truc là alors attends tour des 7 dames b 6 e 4 est-ce tu peut faire fouger 4 peut-être plus malin je veux f5, f5, f5. F5. f5 ouais je veux claquer et, et ça donne quoi bah je veux claquer en tout cas je me demande si j'ai pas tourgé de échec, ouais, j'avais la ligne. Mmh. Okay, si, si, si ça mate, ça m'a toujours. Ouais, si je... c'est la ligne que j'avais. Ouais. Il commence par E4. Bon, tu peux quand même faire fouger G4. Hein. Ah non. Tu peux pas. <laughs> Alors là, il y a E3. Ah, c'est Dame E4. Donc, dame E4, ouais. Et dans l'autre... Euh... Ok, bon, c'était quand même jouable en fait. Ou Dame 2 et F1, quoi. Mm. Ouais, bon, ça gagnait pas, quoi. Euh... Bon, de toute façon, il fait 4 c'est bien joué. Mais. Euh... faut garder le fou, je sais pas où, en G2, en H1. Non, ah, mais ou... ça dégoûte quand même cette faute. Je suis tellement deg. Enfin, non, euh, ça... c'est une grave erreur. Hein, là. Non, mais je veux dire, ça donnait un tellement beau match. Mm -hmm. De faire 4-4, de revenir, là, ça peut plier le match, quoi. Ouais, Ouais, autant tour des trois, c'est pas si grave, euh, pas avoir le perpète. Dommage, ah ouais. mais compréhensible. Là, ça c'est, bah, avoir... ça c'est grave. Non, mais en fait. j'ai envie de dire, c'est graduel. Tour des 3 c'est vraiment dur en normal. Le perpète, normal, mais on... tu peux quand même le trouver en match championnat du monde. Et bon, ça par Et contre. Ça euh... par contre, euh, c'est ok. Enfin, même si toi. Non, si mais tu ça, fais, si moi je, moi, même ça, même moi je fais ça, je, dégoûté, je ouais. sors de la partie, euh, je suis. Bah et puis quand tu accumules ça avec la partie précédente où tu perds autant, tu te dis, bon... ça Là, ça va pas du tout de laisser ça. Il nous propose tour e Ouais, mais bon. F5, non C'est le même scénario. Ouais. Non, mais ok, mais ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi on serait mieux. Moi, je pense qu'il faut déjà faire nul, en fait. Moi, je pense qu'il faut réellement déjà faire nul. Non, mais du coup, faut on... Enfin, si on veut jouer pour nul, on garde le fou. On va pas le donner pour le donner. Il va faire prise, on va prendre, il va faire F5, on met la tour en E2, on fait A4, je sais pas quoi. Et là, il a du mal à avancer avec, avec les Lénar. Parce que F4, il peut pas, E3, il ouvre notre fou. G5, fois, c'est dangereux, t'as faibli F5. Donc je veux dire, là, ça va, je me sens pas trop trop en danger. Mais nul, oui. Enfin, c'est probable nul en fait, du coup. Je fais un statu quo, quoi. Ouais, mais mais si, reste... je, si je veux faire nul, j'ai pas envie de le sacrifier direct. Quoi. Il lui reste plus bien. que 7-30. Bah, ça va, il y a un coup. Il y a deux coups. Tu te rappelles ce qu'il a fait la dernière fois Un ah, bah, coup mais... a suffi. Hein. Bah, oui, non, mais bon, faut pas regarder des fois H5 non plus. Enfin, ah, bah, Un coup a suffi. Bah, après, la dame prend B6, c'est facile. Il en restera un seul à jouer. Bah Il va bouger le fou. Ouais. Et après, la ah, ouais, dame après, B6. Coup, prend B6. Enfin, ouais. Euh, ouais mais il fait ouais mais ouais ouais je suis un peu je suis déçu parce que c'est on était tellement proche d'avoir un bunker absolu ce match et là ça peut un peu se jouer au mental mais finalement comme le match précédent Magnus contre mmh. Nepo c'était aussi au mental hein. c'était un peu le même type de scénario dans l'autre sens avec Nepo qui sur les six premières parties en fait jouait un peu mieux que Magnus oui et puis et... le jour il a perdu écroulé. Ouais. et euh, Meding et là et... Ding aussi il paraît un tout petit peu au dessus sur le jeu Mis à part mmh. mentalement, quand il a craqué sur le F 6 en début de match, bon, la pression du début de match, bon, peu importe. Mais après, il a quand même semblé légèrement plus fort. Jusqu'à la partie précédente où il craque, alors qu'il doit pas craquer, il est mieux. Et là, celle-là, il doit gagner, il craque. En fait, tu as l'impression que ça euh... joue au mental et aux échecs. As enfin, ouais, ça se joue au nerf. Mais tu le dis souvent, toi, Fab, les parties longues, c'est euh, un jeu de nerf. Oui. Bah, tu as beaucoup plus de tension à retenir, beaucoup plus longtemps. Et euh, c'est une... des énormes différences par rapport au Blitz. Et au rapide. Ouais, ouais. ouais non, ça, Mais ça, ça, c'est pour moi la différence principale, en fait. Parce que. C'est. C'est pas toujours le meilleur joueur intrinsèquement qui. Qui sera le plus fort, quoi. Tour 2, ok. Euh... Très bien. Enfin, je veux dire, il va y avoir a priori F5. Peut-être que tu reprends des 7 d'abord et jouable aussi. Là, non, je -ce pense c'est pareil. Ça, non, je pense pas, mais. Bon, déjà, j'ai Dame B6, ah, non, non Ouais, et, euh... Mais marrant, parce que si jamais tu peux plus arrêter le jeu. Ouais. Toujours vérifier ces trucs-là. Je suis pour qui Moi, je suis pour le suspense. En fait, si Yann gagne cette partie-là, les parties suivantes vont être. Il y aura moins de suspense, oui. Plus ou moins inintéressantes à suivre. Donc, c'est pour ça que j'espère que Ding gagne. Surtout vu le scénario, parce que je pense que nul fait tellement mal encore. Mm. Bon, après, on espère toujours qu'il se relève pour nous offrir du suspense. Mais ouais, moi, je suis pour, pour vivre un match euh, intéressant. Non, bah, après, pour Ding, le, le seul euh, motif d'espoir, s'il y a pas celle-là, mais ce n'est pas parti pour, c'est de se dire Ok, j'arrive quand même à le mettre à mal quand j'ai les blancs. Euh, ok avec les noirs la dernière fois ça allait bah ben, vas-y demain je joue et, euh, et je tente mes chances avec les blancs. Il n'y a rien de si grave d'être mené d'un point. Mais euh, voilà, occasion ratée. Ben, on n'aime pas gâcher des munitions, surtout dans les matchs comme ça. Et souvent c'est très mauvais signe. Super hein. hum, bien est... joué de la part de Nepo. Il veut dame prendre B6, d'Ame prendre D7. Il venait avec sa dame euh, nous faire mal. Bah ben, du coup, il faut peut-être d'abord bouger le fou. Et d'Ame prendre D7 maintenant bah ben oui, il faut G2, de me prendre D7. Ouais. donc oui, ben, peut-être il, 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 ouais. il peut tuer le match hein, peut-être. Donc euh, mais du coup peut-être tour 2 c'est pas ouf. OK, question Dame B6, Dame D7, Tour G2. Ouais, roi B2, roi B3, roi B2, roi B2. Ouais, ah, je sais pas. Tour bon. D6, le coup qui paraît faire mal. Je sais pas, il faut calculer. Hyper compliqué. <laughs> euh... Hyper compliqué. Ouais, mais ok. Enfin, je, je, je me dis que peut-être on n'est pas si... Donc c'était quoi C'était Dame B6, Dame D7, Tangé 2 Ouais. Dame D3 et... 3B2, ouais. ouais, enfin, pas logique. Bon, attends, on, va, on va garder la position FAB dans le sens où il ne reste que 4 minutes. Donc il va jouer les spectateurs il va euh, peut-être pas... jouer dans 4.30 hein. ouais, enfin dans 4.25 on, hein. on va rester sur le direct pour voir euh, quel choix il fait ça paraît pas facile hein. Et sinon c'est quoi c'est fou on prend E4 puis on prend E4 oui mais ça j'aime pas enfin B6, oui ça me fait chier ouais ça me fait chier aussi allez enfin c'est ça nous laisse sans voix mais du coup avoir... déjà tour de cons en fait ouais mais je pense qu'il implose. Enfin, tu me dis, il a mmh. le temps ou quoi. Mais moi, je te dis qu'il est là, là. Il implose. Enfin, c'est fini en fait. Oui, mais pourquoi Tour deux Mais t'as un fou attaqué. Tu le recules. Tu prends B.C. Enfin... Ouais, mais ça nous arrivait tellement de fois. Fab, nous on a ce même défaut que Ding. Oui, de non, mais t'as plus, plus de lucidité, bah, as plus de merde, etc. As mais euh... Ouais, mais t'as plus rien, Fab. Mais bon. Ah ouais, il pense à ce qu'il a raté dans cette partie, il pense on à ce qu'il a raté dans la partie euh, avant, oui, ouais, mais c'est dur. On s'en fout de ce qui s'est passé avant. S'il si compte, c'est maintenant, le, le moment présent, C'est la position que t'as sous les yeux et les bons quoi trouver maintenant. Ouais, je pense que le match est terminado euh, ici, euh, Fab. Il est en train de tuer le match, Yann. Puis là, il essaye peut-être encore de gagner ou quoi. Enfin, non, non, mais. Il ouais. a plus aucune lucidité, ouais. là. Non, mais bon. F3, c'est quand même terrible, quoi. C'est pire que l'autre jour. Hein. Ah ouais. C'est pire que les H4 et compagnie. Quoi. Non, non, la fois F3, c'est incompréhensible. Il doit s'en vouloir. Hein. Euh, non, mais après, ok, faut. Bon, le... j'essaie j'essaie toujours d'être positif. Il a plus qu'un coup à jouer avant de tomber. Donc, il devrait y arriver. Et en fait, que ce soit Fou prend E4 ou Dame B6, ça va. Ah ouais, enfin. Non, mais après, il faudra trouver la suite. Mais tu Fab. te lèves, tu vas en salle de repos, Fab. tu tournes 10 minutes, tu te mets de l'eau sur la tête, tu fais ce que tu veux, tu reviens, tu es un peu plus frais et, et allez. Connaissant le loustique, il peut, il, peut, il peut envoyer autre chose là. Ah, le problème, c'est s'il fait fouger d'eux. Mais il peut. Est-ce que ça serait complètement perdant Après, je suis pas sûr, mais elle devient dure, dure, dure la partie. Je pense qu'il qu est, de... qu est capable de tout, Fab. Ouais, mais il a, il a craqué. Mais on a tellement de fois été dans cette situation, Fab. Toi, moi, t'es devant l'échiquier, Murtas, il me disait on a l'impression que t'es un poisson derrière une vitre d'aquarium, quoi. Tu, 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 tu vois rien, en fait. C'est fini, t'es enterré. C'est horrible comme sensation. J'ai mal pour lui, en réalité. Ça m'arrivait trop souvent, ce truc-là. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer, d'ailleurs. Tu voulais plus être un poisson bah si c'est pour faire ça c'est mmh. c'est quand ça t'arrive c'est trop écœurant quoi mais du coup t'es parties ont la même qualité qu'un blitz en fait quand tu peux enfin quand tu fais ça parce que ouais. tu fais des gaffes que t'aurais même pas fait en blitz tu te mets en pls système nerveux qui implose et ouais c'est horrible bah, la problème c'est que tu fais même pire parce que j'ai l'impression que tu ouais, t'auto ah ouais non mais, mais... Ah, c'est horrible c'est ta main qui joue contre toi quoi enfin... ah t'as envie de crever quand ça t'arrive c'est horrible mais ça serait mieux de jouer tempo en fait parce que ton, tes réflexes tu les perds pas mais ils sont toujours au fond de toi quoi allez clic ding n'importe on s'en fout là là il va clic mais normalement tu te remets quand même quand tu récupères du temps tu peux repartir mais c'est ça faut qu'il se mette de l'eau 20 25 minutes pour te remettre va boire oh, merde il te secoue la tête c'est pas grave je clique un coup ah là là tu peux pas tomber t'as pas le droit non mais tomber il va pas tomber mais il peut clic de la merde hein. il peut clic une merde liquide là c'est tu sais il peut refuser la ligne 1 la ligne 2 et aller jouer un coup de merde mais tu le vois arriver. Allez, joue juste le coup normal. Tu t'en fous. Tu fais un coup normal et tu... Et tu vas tu vas. Tu vas récupérer. Mais j'ai peur qu'il tombe en fait. Mais non, non, il va pas tomber. Mais j'ai peur moi qu'au dernier moment il panique et qu'il joue le coup numéro 10 parce que... Oh, oh il joue Putain mais il joue un truc Joue oh ah Mais. Bon, alors il y a le fameux dame prend des 7 hein, qui nous inquiète un peu, mais euh, il a joué <laughs> avant de tomber. Mais lève-toi maintenant, <laughs> pars-toi de là. On ne regarde plus tes chiquiers, quoi. Va reprendre tes esprits. Ah, non, non, mais faut ouais, il je... ouais, faut qu'il se lève. faut pas qu'il reste assis. Non, mais c'est ça, dégage ce truc de con, là. C'est un jeu de merde. Je va te reposer un petit peu, va souffler. Ah, il... ah non. Ah, il euh... est figé, là, ça. Ouais, ouais, putain. Horrible. Et non, donc, il veut le, le dame des 7 tour G2. Ah, voilà, et euh... non, en fait je crois qu'il y a ah un ouais, truc. Tout... Regarde comment il marche et tout la démarche. Je crois que, je crois que... Il chancelle. Ouais. Mmh. Mais tu si sais, tu mets ta tête dans un coussin tu cries hein là. Euh, va te défoncer la salle de repos quoi. Il y en a des coussins dedans quoi. Enfin, regarde et regarde l'autre majestueux. Oh là là c'est pas possible ouais, c'est terrible. Mais bon, ok. Du coup, on a vraiment la dingue. J'espère qu'il revient pas avant un quart d'heure. Il nous laisse les chiquets bien vides. Il regarde pas l'écran non plus. Éteint tes télé. Fais autre chose. Ouais. fait autre chose. Ah, il est flamboyant là, Yann. Regarde. Ah, oh, c'est trop. Hein Alors qu'il fait une partie de merde. <laughs> oh, ouais. Il fait une partie de chien. Incroyable. Le, ouais. Ça, c'est un truc cruel aux échecs. C'est hein. que de la merde, mais tu fais un coup pire et, ouais. et tu perds ou, ou tu gagnes pas comme là. Elle ouais, fait que de la merde. Hein. L'autre fait que de la merde, tu fais fou F3. Et ouais. ah bah ouais. Ça clique. Alors il prend de la tour, pas de la dame. Et euh, bah, peut-être on va avoir une ultra rapide avec ton B7, tour C7 du coup. Parce qu'on regarde tout à l'heure là. Tu fais fou G2 là quand même. Enfin, je sais pas. Je crois pas que t'as envie de donner le fou. Et euh, c'était tour B7, dame C6, tour B7, dame, dame bouge. Et... Okay, dans le chat, doit tellement dire qu'il peut le faire. Alors attention, les gars, c'est. Il joue quand même très très bien. Enfin, je sais pas si vous imaginez, mais ils ont écrasé les candidats quand même, les deux. Enfin, surtout Yann. Bah, Yann, depuis deux fois. Ouais. Donc, euh... ouais, enfin, c'est. Là, aujourd'hui, il a fait une mauvaise partie. Hein, mais C'est bon, ouais. les... enfin, la tension qui est tellement grande que ça fait faire n'importe quoi. Mais euh, attention, hein, c'est. Vous les remettez au candidat les deux, euh, ils refont mal à tous les autres, hein. je sais mmh. pas comment dire. <laughs> ouais. Faut pas les prendre pour des bolins non plus, quoi. Il faut quand même rappeler deux, trois bases, quoi. ça joue en dessous des attentes euh, ben je, sais euh, pas, ouais, en je sais pas, pas en je fait, sais fait, pas quelles que attentes que... j'avais moi de toute façon non mais je pense que ces matchs championnats du monde c'est pas là que tu fais le mieux jouer les gens non il y a beaucoup de parties, c'est long, il y a de la pression il y a beaucoup de préparation, c'est dur mais ça change ta vie, hein enfin, tu joues pour l'histoire quand même c'est pas le tournoi bah, même des droits que je respecte comme Vikanzi, en fait c'est du pipi de chat comparé quoi et pourtant, je respecte, hein, c'est vraiment un beau tournoi et c'est chaud d'aller le gagner. Quoi. Mais je veux dire. Ces matchs-là, c'est quelque chose. En plus, comme on n'en joue plus maintenant. Bah les mecs, ils découvrent ça, ils sont, ils sont tremblants. Donc, c'est dur. Après, t'as certains qui arrivent à se. vraiment jouer des matchs de ouf ça genre Kramnik dans son match contre Kasparov, son premier match de championnat du monde et ouais, tu il vois a... Il, il a ouais, pas tremblé mais quoi. Ouais, mais il était tellement outsider peut-être. Oui non mais genre ça c'est mais c'est rare enfin souvent tu tu, non, mais le fait tu, tu trembles g... hein. Peut-être que le fait d'être giga outsider ça aide que enfin, vraiment personne n'attende que tu gagnes. Mm -hmm. Un king qui pour le coup se fait liker son compte, c'est irréel d'avoir ah, un petit ça, peu ça, de vrai. sécurité dans tout ce que tu fais pour ce, le match. Ah bah ouais, non mais c'est sûr. Mais bon après, euh... non mais ça c'est fou. Mais bon, je c'est tellement naïf. Je sais pas si c'est le terme naïf. Enfin c'est. fou. là il va sortir de la partie. Bah il déjà pas il, pas va non, ça, il va être dégoûté, mais il va prendre qu'il a leak ces trucs ce qu'il ne sait pas lui encore. Non c'est pas vrai. Ouais. Ça va faire beaucoup, quoi. Bah ouais. Bon. Faut au moins pas perdre, quoi. Mais euh... bon, il s'est pas assez baladé à mon goût, mais au moins il est de retour. Si jamais on peut avoir une répète pour lui, c'est pas si mal. Mais là, ça va. Normalement, il va. Enfin, je sais pas, fouger deux. il dit, y a pas de grand danger, non Ou je suis fou En fait, on peut quand même te la jouer avec les noirs. Hein. Oui, mais quoi, en fait bah, Comment je peux. Vas-y, bouge, madame. Qu'est-ce qu'ils qu qu font, les noirs, en fait au pire, là, je suis fou pour un 4 quand même. enfin, fou. Ouais. Bon, un truc comme ça. Bon, Ça, je devrais quand même y arriver, non Ouais. Mais. Euh... Mais oui, allez. Faut un peu faire gaffe. Faut. Ça va, je suis sûrement en Ligue des prépas. C'est juste ils ont certaines des lignes sur des comptes publics comme des cons. Ouais, enfin, c'est certaines, c'est quand même 70, quoi. Bah là, le problème, c'est qu'il y a eu H3 euh, et euh, y il y a ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, en plus, c'est pas les trucs que tu comptes peut-être pas jouer du tout. Ouais, et puis en plus, on peut te diriger. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut voir où t'as le leak et puis t'amener. Enfin, on peut t'amener sur un leaks. Ça suffit, en fait. Non, mais c'est assez. C'est grave, en fait. C'est assez grave pour eux, ouais. Ouais. Ouais, c'est comme dit Maxime, le seul détail qu'on ne sait pas à 100%, c'est si Nepo était au courant des comptes. Mais c'est 80%. Bah ouais, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il était si bien préparé. que 6 il avait. Ouais. Je pense, hein. Parce qu'il avait loin, comme disait Vlad, c'était dur. Oui, parce qu'en fait, là, pour vous comprendre de quoi on parle, au tout début, là. Oh euh, merde. Il a joué ou quoi euh, Là. En fait, ça fait peur, j'ai 5. Et en fait, lui, s'en foutait. Ouais. Tu fais H6, tu te prends H4. Enfin, normalement, t'as rien compris quoi, avec les noirs Et tu prends, et il se trouve que c'est pas si grave. Mais mmh. en fait, là, je serais pas étonné qu'il y ait mat quasi forcément. Enfin, ouais. <laughs> que ça gagne en force pour les Blancs. Euh, je veux bien le croire, quoi. Bon, il se trouve que non. Mais euh, ouais, du coup. Euh... il est rentré là-dedans de gaieté de cœur. Ouais. Bah, euh, oui. J'aurais passé du temps. j'aurais ouais. sué, mais bon. Après, peu importe, il a des capacités de calcul que j'ai pas, donc il peut peut-être trouver, comprendre, mais, euh, mais bon. Ils ont pu trouver avec la première partie en fait. Mais bon, après, le truc qui me fait penser que non, c'est que pourquoi ils auraient attendu aussi longtemps pour reviser un truc Parce que le H3 c'était il y a quand même un certain moment. Mais il y eu eu quoi d'autre ah, Le système de Londres. Mais ah, le système de Londres. Euh... C'est vrai qu'il avait le machin qui avait lieu cette vite. Bon, on ne pourra rien. jamais savoir, de toute façon. Ouais. On pourra pas savoir. De toute façon, on ne peut rien savoir. Oui, ils ne vont rien dire. Peut-être après le match, Nipo va dire. Oui, bon, en fait... Je savais pour le leak, pour le leak depuis longtemps ou quoi, mais... Mm. Ah bon, de toute façon ça se joue pas là-dessus aujourd'hui hein. soit. Non non aujourd'hui ça ne se joue pas dessus parce que. Parce que de toute façon, une fois que tout ça a été fait, il a eu la position gagnante, dingue. Hein. Nepo a pas bien défendu. Mais euh, après, moi, je ne sais pas si Nepo était si prêt ou quoi. Enfin... Parce que je trouve qu'il l'a pas bien joué la partie. Non. c'est fou cette histoire parce que comme tu disais c'est d'un amateurisme incroyable ouais, ouais. que tu retrouves pas même quelques échelons en dessous de la compétition mais oui, c'est à dire que moi déjà j'ai peur de ça et je le fais pas euh... et bon moi tu vois enfin je joue pas match De championnat du monde hein, donc mais déjà oui euh... du coup euh... Non mais c'est dommage, enfin je veux dire, si, quitte à faire des matchs d'entraînement, fais-les en vrai, quoi. Déjà, en temps normal, non, mais là, tu as sûrement un budget pour ton championnat du monde ou quoi, ça va, tu peux. Et, et franchement, ouais, tu comptes anonyme ou d'autres plateformes de jeux moins connues ou tu fais un truc partage d'écran, enfin, tu fais un truc ouais. qu'on va pas te hacker, quoi. Enfin... Bah, déjà, juste jouer avec des comptes anonymes et pas des comptes où tu logs. Ça fait déjà une diff, hein. B8. Alors ça c'est pas un coup qu'on a regardé. Euh... Ouais, c'est ce que dit Maxime Même le tu peux jouer en anonyme. Bah oui. C'est pour ça que j'ai au pire tu joues en ouais. anonyme. Hein, personne va jamais. Les parties seront pas sauvegardées rien. Enfin, c'est d'une bêtise effarante en fait. Mm. Tout ça pour sauvegarder plus facilement les parties, j'imagine. Oui mais bon, C'est ouais. débile quoi. Tu fais une base, chesse base à la fin. Euh... bah, oui. Mais quand t'as fini au pire, tu, tu fais une capture écran. T'as un mec qui ouais. note. T'as n'importe quoi. Enfin, tu te souviens. T'es parti aussi au cas où. Enfin, ça va. Tu... <laughs> On va y arriver quoi. C'est le facteur belge, ouais. C'est trop. Ouais, tu peux télécharger les parties, ouais, quand t'as fini, quand tu joues en anonyme, tu peux télécharger. Mmh, ça sent l'expérience que tu as <laughs> Mais oui. Mais c'est fou d'avoir fait ça en fait. Oui, non, mais c'est dramatique. C'est pour bon ça que ne pouvais pas y croire au début parce que ça paraît d'une bêtise, c'est... Mais en plus ils ont été deux à le faire quoi. C'est-à-dire qu'il y a le... Bon probablement Ding et son adversaire. Personne ne s'est posé la question. Et plus peut-être, enfin probablement qu'il y a des troisièmes personnes donc, euh, qui étaient au courant qu'ils allaient jouer machin et, et qui ont dû recevoir les fichiers. Et là tu vois que c'est pas Anonymous contre Anonymous, je sais, je sais pas c'est le veau contre, contre l'autre et puis voilà quoi. ce que disait Vlad tout à l'heure c'est pour ça qu'il faut pas avoir que des grands maîtres dans ton équipe il faut avoir un con quoi. <laughs> ou un grand maître comme moi peut-être non mais est-ce que tu comptes vraiment <laughs> grand maître pour Vlad j'imagine tu joues sur Chess24 pour éviter les ligues c'est trop <laughs> Bientôt, on va apprendre que l'un des secondes Dings c'était le frère de Nepo. <rire> 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 dans la vengeance d'une personne, l'entourage de Dink, qui c'est parti. Mais non, ils l'ont fait eux-mêmes de gaieté de coeur en fait les parties. C'est pas vraiment même pas un leak en fait, on peut pas appeler ça un leak. C'est même pas un leak en vrai. On appelle ça un leak mais c'est pas un leak. Ouais, non mais ils ont fait un truc pas sécurisé quoi. Enfin je sais pas quoi dire. C'est enfin, comme si euh, t'as ta boîte mail et que t'avais que décidé sur internet d'écrire ton mot de passe. C'est même pas un leak en fait, c'est même pas ouais. quelqu'un qui t'a hack ou quoi que ce soit, c'est juste tes con en fait. Ouais. Mais en fait juste pour ça tu mérites de pas gagner. Bah ben non mais t'es trop con en fait. <laughs> non mais je le je dis un peu crûment mais c'est trop en fait d'être aussi con. Bah c'est fou quoi, ouais. Mais là du coup ça a rien à voir avec les échecs, quoi. C'est juste autre chose. Bah c'est ben, tu, tu te prépares pour le truc où tout, tout est ultra secret et toi tu... tu mets tes prépas en libre accès sur internet, quoi. Ben, en gros. Voilà. C'est peut-être la prépa d'un autre joueur, il a piqué deux lignes. Euh, ouais, non, en fait, non, apparemment, non. Là, il y a les parties d'entraînement, les comptes qui sont créés en février. En fait, il y a trop de trucs qui font que non. Bah, tout coïncide pour que ce soit bien eux. Hein. C'est quoi déjà la phrase quand, quand le complot est possible ou la bêtise, il faut toujours favoriser l'hypothèse de bêtise, la bêtise. Ouais. Ouais. Là, là, je crois vraiment que c'est de la bêtise pure et dure, en fait. C'est ce qui rend le truc si incroyable. C'est que non, c'est pas possible, vous êtes aussi con quand même. <laughs> ben et si. Euh, euh, il ouais, y avait une question de Cyril love où il y avait déjà eu un truc avec le match de Caruana. C'était nettement moins grave. Moins grave C'était quand même chiant pour lui. Euh, en fait, il y a eu un reportage, euh, je sais plus, une équipe télé, quoi, qui était venue euh, le filmer. Et en fait, à un moment, tu vois son écran de chaise-base. Mmh. Et... Euh, et donc, tu vois peut-être le nom des fichiers, ou je sais pas quoi, où c'était écrit Petrov euh, KF6, parce qu'il y avait un plan avec KD7, KF6, il le ramenait comme ça dans une ligne ou quoi. Donc, ça peut donner des indices, mais t'avais pas le contenu. Donc, c'est déjà chiant, hein Enfin, c'est déjà dommage d'avoir fait ça. Mais. Euh... Mais moins grave. C'était une base de données. Ouais. C'était pas 70, quoi. Petite connerie quand même. Non, non, mais déjà à l'époque, on avait dit que c'était très très cool. Ah non, mais c'est. Puis ça aurait pu être pire, et puis c'est pas malin. Enfin, ouais. Mais euh... ça, du coup, pas tellement porté à conséquence. Peut-être aussi parce il se trouve que la ligne était tellement blindée que Carlsen n'a même pas essayé d'aller voir dedans. Mais du coup, il aurait pu avoir une petite idée, savoir que, ah tiens, il va peut-être faire ça, et du coup, je le plante. Je sais pas, en fait, hein, mais. Euh... Mais donc, bref, ouais. Mais du coup ça a donné envie d'aller voir euh, les prépas pour les jouer quoi. Franchement bon, ouais. ouais. Non mais d'avoir de bonnes idées. Enfin ou des idées en tout cas. Bon H3 j'ai quand même pas envie de le jouer moi. Je sais pas, je, je sens pas le coup, tu vois, c'est. Trop fin pour moi. On me dit, c'est pas toute sa prépa qui a été découverte. Ouais, mais bon, tu. Tu donnes la direction, tu. Enfin... Tu donnes beaucoup d'informations qui permettent ah ouais. de te faire viser, en fait, suffisamment. Après, euh, évidemment, c'est pas tout le fichier, c'est que des parties qu'il a jouées en prévision de ça, mais. C'est déjà trop, quoi. C'est déjà beaucoup. Mais c'était si vraiment lui, les historiques auraient déjà été supprimées. Mais comment tu veux les supprimer, en fait, Dark Tail Tu peux plus, en fait. C'est comme, par exemple, imaginons que t'as un compte sur HS et que t'es triché sur HS. Admettons. Non, ton compte il reste. Tu mmh. peux plus l'enlever en fait. Ouais. Du coup, quand les gens ils tapent ton prénom et ton nom, euh, si jamais tu avais été assez bête pour mettre ton prénom et ton nom, bah ils voient que tu es, que as triché quoi. Admettons. Mais tu peux plus le supprimer. Enfin, et là c'est pareil en il fait. Il est là, il, il est, est là. Est, là. Ouais. Mmh. Comme ça, c'est comme ça. Hein. Les parties, elles sont sauvegardées dans la base de données. Ouais, après, c'est fait, ouais. Et donc, euh, bon. Et là, en plus, toutes les parties, elles ont déjà été téléchargées. Enfin, là, c'est déjà fini. Ah, mais maintenant, hein, c'est hein. fini. Là, même ouais. s'ils suppriment maintenant, il y a trop de monde qui... Euh... Qui, qui. Qui. Ouais. Qui a eu accès, qui a téléchargé, et qui sait. Euh... Ouais, juste pour revenir donc, à la partie. Euh, sur ce qui se passe actuellement sur l'échiquier. Bon. Mmh. l'ordi nous donne déjà les trois premières lignes à 0-0. Donc, basiquement, des répétitions. Euh... Je sais pas si Nepo cherche plus, en fait. Ouais, bon après, Dame D6, on l'a montré. Hein. Enfin, ça, on l'a déjà analysé, Fab. Tu dis qu'on n'a pas analysé. Mais Dame ah D6, non, je je dis pas, pas qu'on n'a pas analysé. Hein. Je dis juste, tiens, ouais. enfin, ouais. je en reparlais parce que... On a bien parlé des leaks, quoi, ça va. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire. plus. je crois plus, que c'est dame D6, c'est ouais. prise-prise E4, c'est nul, juste. Ouais. Mais il doit chercher plus, ouais. Mais je ne vois pas comment il peut y avoir, tout à l'heure, ce qu'on a analysé, ça montrait bien que... Non, tu peux peut-être essayer de rentrer, genre, tu sais pas, tour B7, moi je pensais dame F4, et dame D7, ou dame E8 pour éviter... Euh... Ouais. Mais bon, on Parce bah, euh... que dame A4, on va on reparler de l'autre côté, ouais. ouais. Tu reviens même, toi, un truc comme ça. Oui, bon. Qui serait déjà. C'est déjà bien, mais c'est nul. Ouais. Ouais. Non, je pense que c'est nul forcé. Et peut-être qu'il a un peu de bol, euh, Ding. Si que rien. Que ce soit nul, mmh. nul. Il était peut-être pas en état. Ouais, marrant qu'il se soit fait ban de Chesscom quand même, qui a repéré euh, la marlouterie. Contre mmh. coup d'ordi, sûrement. job de la team anti-triche quand même. Ouais, le bravo messieurs. Plan. Bravo messieurs. Ça jouait trop bien. Ah, ils ont recréé des comptes sur soit ouais, avec les mêmes pseudos derrière. Du coup, ouais. Non mais ils ont... C'est beaucoup trop. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est beaucoup trop ce qu'ils ont fait en fait. C'est beaucoup trop con. Non, non, il a pas triché, ballon de foot. Euh, non mais juste Red euh, ils te, euh, dire ils ont les pseudos de tout le monde et tu donnes ton identité. Et en fait, quand t'as des gens qui donnent pas leur identité et que ça joue à 2800 Hello, ils se disent... Enfin, euh, ouais, ils doivent même pas penser que c'est dingue, quoi. Ils se disent, oui, bon, bah c'est des mecs qui trichent, quoi. Et voilà, c'est des amateurs qui... Bon. Et, et c'est tout. Ah il faut aller au... faire les stages au Pakistan, hein. Oui oui. Les informations sont bien gardées. Les secrets de Baki ne quittent jamais le pays. Bon. Ça, va, ça va terminer euh... on sait pas quand mais euh, oui donc là, pour une fois euh, on a dépassé par... le 40e et ça a terminé par nul a priori nul ouais. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais, là, c'est tellement le... Le coup de marteau sur la tête pour Ding, entre la partie complètement ratée, celle d'avant. Ouais. Ces problèmes-là qui vont être euh, euh, supplémentaires à gérer. Il va falloir un miracle, maintenant, pour... Euh... bah faudrait que, par chance, pour lui, il ait tout un pan du répertoire qui n'ait pas été là-dessus. Je tu sais pas pourquoi, hein. Enfin, pourquoi y aura ce miracle-là, mais... Bah, après, il n'y a que 70 parties, donc c'est pas non plus... Euh... Oui oui mais que... que genre il a regardé E4 aussi et qu'il en ait jamais blitzé sur ce compte ou tu vois, enfin, et puis du coup il change tout. Ou... Enfin un truc comme ça quoi. Mais après il y a des E4, E5, F3, K6, b 5 Cavalier F6, D3, donc c'était peut-être sa prépa au blanc s'il si jouait E4. Mais c'est plus Petrov, non Ouais mais, alors... mais ça du coup celle-là avec Vlad, on n'a pas compris pourquoi il y était. Ah, Peut-être que lui euh, il voulait faire un peu de la berlinoise, ouais, j'en sais rien. Ouais. Ou qu'il a juste cliqué. Quand on va mobiliser, quand tu fais partie du staff de Ding, bah, bah, déjà t'as pas le choix en fait. Hein. Peut-être c'est le seul match de championnat du monde que tu feras de ta vie. Qui est fait et fait, enfin c'est con mais c'est fait. Enfin, Qu'est-ce que je te dis Et puis t'as quand même des points positifs, tu peux dire ouais bah dans le jeu, regarde, tu le domines. Ouais. T'es plus fort, te donc ça va te, dis, vas te faire euh... pas payer. Ça devait pas arriver, t'aurais mieux aimé que ça n'arrive pas. Bah maintenant c'est dans le fait accompli, donc bah, Soit tu vas chialer et puis bah tu rentres chez toi, enfin abandonne le match, soit bon bah tant pis, tu te bats avec ce que tu peux te battre, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est tout. Et puis encore une fois, hein, vraiment, dans le jeu... Bah dans le jeu, il n'y a ouais, rien à en envier. Après, c'est chiant, c'est craquage mentaux, effectivement. Et ça, pour le coup. Pff. Du coup, tu balances G4 pour jouer l'homme, c'est ça Ouais, peut-être que Yann, en s'approchant du gain du match, il va craquer, mais j'ai pas l'impression en fait. Non, enfin, il, pff, disons au candidat il l'a pas fait. Il a su, voilà. Enfin, Aujourd'hui, euh... il a quand même fait une très mauvaise partie. Ouais, il a mal joué, mais je suis pas sûr que ça par craquage. C'est que la position était compliquée, qu'il a pas été à la hauteur de, de la tâche, mais je suis pas sûr que ce soit mental. Hein. C'est juste que. Mais. Ouais, bah on verra. Hein. En fait, on en sait rien, on a deux joueurs, où on a nos interrogations sur leur manière de gérer. Euh, pour l'instant, Ding, elle a un peu plus touché, quoi, en tout cas, clairement que, que Nepo, qui, qui gère pas mal, mais ça peut pas empêché que Ding gagne deux parties. Aujourd'hui, il aurait dû gagner. Il a vraiment eu les, les, les cartes pour. Bon, ok, il a raté. Mais donc, euh, j'ai vraiment du mal, moi, à m'avancer. Quand on m'a demandé avant le match... J'avais pensé que Nepo serait favori nettement, je sais pas, mais genre 60-40 ou un truc comme ça, quoi. plutôt, plutôt Nepo. Mais après quelques rondes, je ne savais plus quoi dire. Je dit oui, bon, j'en sais rien, 50-50. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas faire la girouette au fur et à mesure des parties, et dire oui, Nepo va gagner, c'est sûr. Je sais pas, c'est très équilibré. Mais bon, c'est sûr que là, le scénario depuis 2-3 jours laisse une tendance. Quoi. Mais bon, il n'y a rien de fait, il n'y a pas de break. quoi. Il y a un point d'écart seulement. C'est votre game préféré depuis le début de la confrontation Je sais pas, peut-être le système de Londres. Mais... Ouais, sûrement ouais. C'était une bonne partie quoi. Ça me fait penser à, je crois que c'était Agassi qui avait remarqué un tic. je sais plus, si c'était sur, Be sur Becker, sur Becker, ouais. ouais, au service. Qui tirait la langue ouais. d'une certaine manière s'il si faisait un type de service. Et euh, c'est marrant parce que Becker, j'ai une interview, il disait à chaque fois que je rentrais à la maison que j'avais perdu contre euh, Agassi. Mais j'ai vu, ça plus Agassi en fait. C'est ou un Non, euh, mais c'est peut-être Agassi. Mais, euh... Un peu importe, mais il y avait un tel, ouais. Et il l'avait, du coup, ça à chaque fois où il allait servir, Allez, tiens, regarde. Mais du coup, en fait, il ne l'utilisait pas que sur chaque un... point, sinon ouais. ça allait être flag. Enfin, ouais. si tu le sais tout le temps. Mais genre contre Taille Break ou balle de Break ou vraiment un mm -hmm. moment clé il doit faire ouais. ça ou quoi. Ouais. Et... Bah, t'anticipes quoi. Et là, tu lui sors le retour. Euh... Ouais. Ah, regarde, je t'ai encore battu. <laughs> il lui a dit que après sa carrière. Hein. Ouais, Tu vois, je t'ai battu. Mais du coup, bah voilà, là, c'est un, un peu ça le leak euh, qui lui arrivait C'est beau quand même comme euh, manière de gagner, tirer la langue. <laughs> je vais, thé, je vais te défoncer. Oui, c'est beau. Après l'autre, il aurait su, il aurait tiré la langue ouais, euh, en sens inverse. Mais... Quoi. mais le haut niveau, ça joue toujours sur des détails. C'est ouais. juste pour dire que, bah, ouais, là, entre ces, entre Becker et Agassi, bah, ça se jouait un tirage de longue sur des services. Bon, quand les niveaux sont proches, ça joue à rien. Mmh. Ouais, ouais. Donc, euh... Mais bon, bravo à Agassi, d'avoir vu ça. Parce que personne d'autre s'en est rendu compte dans tous les autres adversaires de BK. Non. Enfin, pas qu'on sache, mais a priori, quoi. C'est bien un gros craquage championnat du monde. Euh, bah, le dernier match, hein. Carlsen-Nepo. Alors, oui, Nepo s'était écroulé. Euh... Après, bon, on va essayer de la remonter dans le temps. Carlsen-Caruana, il n'y a pas eu. Karjakin il n'y a pas eu. Anand, ah, de... ça. Euh, non. Non, non. Gelfand, c'était rien. Non. Les... Bon, les a joué la carocane, mais bon. Euh, non plus. Kasparov-Kramnik. Oui, Kasparov a fait un mauvais match contre Kramnik, mais bon. Voilà, Kasparov-Anand, euh, je crois pas. Les Karpov-Kasparov, ça jouait. Karpov-Korchnoi. Euh... Non, franchement, mmh, du mal à dire. Non, sur les derniers matchs, en fait. Hein. C'est nouveau. Ouais. Il y avait des craquantes, mais pas comment dire, sur une partie. Je veux dire, des fois, ils ont raté des trucs, ouais. mais c'est des gaffes. Mais comme, bon, souvent un champion du monde de n'importe où, tu peux faire une gaffe, mais c'est vrai que c'est pas un... tu peux je veux dire par exemple Bronstein la dernière partie qui perd contre Potvin qui fait pas une grande partie en fait, mais c'est dirais... sur une partie et où ouais, tu joues pour nul et... tu peux faire une gaffe mille fois tu peux faire mille gaffes une fois mais tu peux pas faire mille gaffes mille fois en fait <laughs> Alors, donc, Dame, dame des six, six, et ça bon. va tout et faire donc, un... donc là on doit faire dame prend dame, dame. dame on n'a pas le choix hein, parce que notre dame est attaquée notre fou aussi donc bon on va pas sauver tout le monde tu on reprends et on s'attend à un sacrifice il est pas obligé Mais bon, t'as envie. Le problème, c'est que ouais les trois pions, ils sont trop forts. T'as euh... envie de jouer ça et ça, ça doit être nul. À... Ouais, ouais, bon, tu regardes un peu, mais. Tu dois y arriver quand même. Je sais pas qui joue le gars en fait. ah Moi, je dirais les noirs, mais bon. Sûrement personne, mais. Ouais, mais d'un autre côté, avec les blanches, peut-être oui. que plus ça, on va y mettre... mmh. enfin, et avoir plein de pions, quoi. Mais. Euh... Et ça, c'est possible Bah, faut pas prendre le fou, ouais. <laughs> Si prend, bah ouais des on des est dans ouais, carré, ouais. plus dans le carré contrairement au roi blanc mais donc bouffe euh, bouffe bouf, tour des deux, enfin, je sais pas déjà faut prendre la tour ou oui voilà, non je préfère l'autre, je préfère l'autre aussi mais elle doit être nulle aussi alors question euh... Organisationnel. Est-ce qu'on a encore une pause à faire ou pas spécialement Toutes les pubs ont été passées. Euh, ben je suis plus sûr, j'ai plus le compte en tête, la FAB. Est-ce ah. que par sécurité. Bah, je sais pas. Ouais, ça bah, attends, bah, attends un coup. Non, mais je crois, je crois que on a. Je peux pas te ouais, dire. On hein, en a fait je... trois, ouais, non, si c'est bon. Bah, après, on peut faire une pause pour faire une pause aussi, hein. Oui ou pas, enfin n'importe, mais... C'est vrai que c'est un peu l'heure. Euh... Bah disons là, ça risque de pas forcément trop s'animer, mais bon alors, Dame prend des 6, on ouais, peut quand ça, même ça, le ça, voir très très vite. Non, ça va pas s'animer, mais ça peut durer. Ok, il a fait Dame prend des 6. Bon, on va attendre le prend Pro 4 ou pas Ouais. On va attendre le choix. Est-ce que tu nous parlerais pas du nouveau livre que t'as écrit Fab Ah mais qu'on a fait ensemble, ouais. Euh, alors, ce petit euh, cahier d'entraînement, euh, non mais on est très content du livre, du livret, enfin plus comme vous voulez, c'est 80 pages. Donc c'est pas un livre énorme, mais il y a quand même, euh, je crois, 286 exercices dedans. Il y a euh, 23 quiz, il y a des mots mêlés, il y a des, 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 des trucs à relier. Euh, voilà, donc c'est pas mal d'un point de vue euh, culture générale échec. Euh, des exercices donc par thème, euh, voilà, donc, genre euh, clouage, fourchette, etc. Il euh, y a un dernier chapitre un peu plus dur, euh, en mode on vous dit pas ce que vous devez chercher, débrouillez-vous. Et, euh, et voilà, donc sympathique à lire, euh, joli, parce que euh, coloré, en couleur déjà, tu vois, bah, bah, pas, pas d'énorme. Plus de 250 exercices ouais. tactiques, fab. Et euh, Sur tous les thèmes tactiques, euh, le livre idéal de 1000 à 1800 ELO, je dirais. Même de ouais, débutant ouais. jusqu'à 1800 Mais même des débutants, ouais, parce ouais. Et puis voilà, donc tu as des, des, des petits trucs sympas. Et euh, puis bon, on essaie de bien le faire le mieux possible, quoi. Après, voilà on espère que ça vous plaira. mais Pour la modique somme de 10 euros, quand même. Un peu moins. 9,90. 9,90. Important. Ah. Donc, je mets le lien dans le chat. Important. Mais je pense, en fait, n'importe qui peut le lire. Parce que souvent, en fait, les derniers exercices des chapitres sont un peu poussés. Tu vois. C'est quand même intéressant que t'es pas un livre où tu fais tout en trois secondes. Quoi. Enfin, t'es fini. Qu'à un moment, c'est un peu pas si simple, Est-ce que c'est la suite du premier C'est pas vraiment une suite. Hein. Il peut se lire individuellement, mais, euh, mais, mais c'est un bon il, exercice d'entraînement tactique. Il, il peut très bien aller avec les autres aussi. Hein. Mais je pense qu'il y a une continuité en termes de niveau. C'est pas. Euh, voilà. Bon, là, ça arrive dans la position qu'on donnait. Hein. Ça va probablement faire nul, mais peut-être pas vite, parce que. Euh... Mais il faut encore être précis de part et d'autre. Tout ça pour moins de 10 balles. 9,90 euros. Niveau du livre, débutant jusqu'à 1800 Elo. Même 2000 Chesscom, je dirais. Parce que j'ai fait des tests hier en montrant une page. Et déjà, les 1 étoile, les 1500, les 1500 Chesscom. Il suit un. Ouais. Il ne ouais. l'avait pas instantanément. Il fallait entre 30 secondes et 1 minute. Alors ouais. imagine, c'est plus jusqu'à 3 étoiles. étoiles ouais. Et qu'il y ait des 3 étoiles plus. Bon, ils sont à 3 étoiles, mais... 3 F6 Est-ce qu'on arrive à faire une contre l'ordi Ben pas sûr bah, Je pense qu'on y arriverait mais pas tout le temps <laughs> Moi je partirais bien Roi B3, pour Roi B4 ouais. ouais. Genre il t'envoie le truc dans la gueule Je me barre par là pour pas me faire cut à la fin En fait moi je partirais pour une défense comme ça Je me laisserais pousser la gueule Pour essayer d'aller faire ça donc, peut-être que quand j'arrive là, il te fait tour B6 parce qu'il est malin, il te ferme. Roi A5, tour B3. Peut-être là, je commence à harceler un peu. Ouais, mais tu fais la défense des, des échecs tu frontaux. Tu cacher là-bas. Bah, tour G1, peut-être, passe ton tour. Ça, ça doit faire nul. Il parce qu'en fait, les noirs vont peut-être te bouffer un pion. Non, du coup, te tu te passes. Bouffe. Et, bon, bah là, on... Et ça fait nul. Ouais. Donc je pense que ça, c'est une variante logique pour terminer la partie. Mm -hmm. Non, Dans le shop à Kevin, quand j'avais 1200 euros, on s'était dit de jouer aucune des prépas sur des comptes qui ont des ouvertures communes avec mes comptes quand même. C'est vraiment une dinguerie. Ah bah ouais, mais bon, t'avais une préparation quand même euh, professionnelle. <laughs> ah, c'est pas pour rien qu'on a gagné quand même. Parce que l'adversaire en finale, il était, à l'époque, il était un petit peu plus fort que Sardoche. Mais j'ai su après que c'était euh, Dwight. De, ouais, Dwight euh, ouais. Il était un peu plus fort que Sard à l'époque. Maintenant, Sard le battrait assez, assez facilement, à mon avis. Mais, euh, mais au moment où il y a eu la, la finale du POC-Champ, il était un tout petit peu en dessous. Mais ça avait gagné quand même. Les prépas étaient bonnes. Et oui, on avait, été, on avait fait très attention. On avait réussi à piéger euh, Icaru et mm. C'était contre XQC, je pense. Ben oui, on faisait très attention à, justement à ça. Mais c'est pour ça que c'est si étonnant. Parce que ouais, c'est vrai que Sardache, j'avais oublié ce truc-là. Mais c'est vrai que même oui, pour le pokechamp, on ouais. avait déjà fait gaffe. Non, mais c'est normal. Enfin, oui, enfin, j'arrive pas à comprendre du coup que Ding ait fait ça, mais bon. Ouais, Pillsbury contre Icaro. Ouais, ouais, je pense que c'était le match contre XQC. Il était tellement dégoûté, Icaro, sur le live. <laughs> parce que Je, je me rappelle de Sard qui fait cavalier E5 euh, ou F4, un machin. Et je me rappelle, Carou qui fait... Enfin, euh, genre, c'est n'importe quoi. Et puis, trois coups après ah, bah, Non, non, et non mais pas ça. Plan. Il dit, c'est n'importe quoi. Et après, il fait, il fait sa petite tête Ah non, ouais, très malin. Enfin, <laughs> et il suait. Dis, ah, ouais, ok, il va juste euh, faire foutre. Enfin, il avait compris le truc et il suait complètement Icaro F4, ouais, il était pas bien après. Et sur le coup, et après... Bicham dit, c'est vrai, il est H5. Il a des de sueur qui à perdre. ouais. Ouais. C'est un beau pogchamp. C'est vrai que n'y il y a plus de pogchamp, maintenant. Peut-être ils ont trop fait d'affilée. Ouais mais c'est ça mais ils font cette connerie. Alors que c'est une bonne idée. Enfin. C'était très drôle mais le problème c'est qu'ils te font ça avec tout. C'est quand il y a un truc qui marche ils te le bombardent dans la gueule. Après du coup ce tu, tu voilà et puis tu veux plus voir. Ouais. Mais... Et après ah maintenant bah on on peut plus faire les gens sont écœurés. Ouais non mais si en fait c'était pas Ouais, non. Ouais, c'est comme ça. Bon alors, lors de la pause. Lors de la pause, pourquoi Et pas, bon, pas euh... ça, être Ok. Pour être sûr. Allez, ça marche. À tout de suite. On revient dans petite dizaine de minutes, j'imagine. pas parti bien loin ouais, on, était là. <laughs> on était là on était à l'affût et la nulle qui a apparemment était signée fab mais ding qui reste Prostrait. prostré ouais devant ou alors c'est juste qu'il y a un décalage entre les deux caméras parce on se voit qui discutent sur le grand truc avec les arbitres autour d'eux ah ouais décalède ouais. ouais décalède ouais non pas du tout prostré décalède bah écoute fab je crois qu'on a tout dit on a fait le tour de cette partie euh, ouais donc nulle euh... Bonne nulle pour Nepo hein, au final, c'est lui le gagnant de cette journée. Euh, mais donc, bon, il reste à portée de tir, il n'y a que un point d'écart. Et euh, bah déjà, on va voir demain comment ça se passe. Et pour la suite du match, donc demain, il va jouer pour essayer de, de faire le break. Donc on, on, se, retrouve on se retrouve demain, demain, demain à, 11h, à 11h et oui. puis on vous fait le petit résumé euh, bientôt. Merci à tous d'avoir suivi et à demain à 11h pour la suite du tournoi. Ciao, ciao! ciao. ciao.